particulièrement Mossad, avec cette tendance orageuse qui va se généraliser. Ailleurs, à l'arrière, on parlera simplement de quelques ondées et la prudence restera de rigueur sur les Alpes où les orages devraient rester encore une fois assez forts. Vous noterez le vent en bordure des côtes. Les températures vont donc chuter à l'arrière des orages. Demain matin, les valeurs varieront de 14 à 22 degrés et dans l'après-midi, on n'aura plus que 25 degrés à Paris et 26 degrés à Lyon. La tendance pour les jours suivants, mardi, retourne à la normale côté température, retour à un temps plus calme côté ciel, et puis mercredi, à peu près le même type de temps et de température. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, à ce soir, merci. Darcy, le contrat de confiance. Notre nouvel agent stagiaire s'appelle Brendan Finet. Finet? Le fils du capitaine Finet. Vous vous foutez de moi? Tout le monde est maintenant! Hey! Je suis ton agent instructeur. Je te conseille de changer d'attitude et de m'écouter. Sinon ta carrière sera finie avant de commencer. Je me fous de savoir qui est ton père. S'il te plaît. L'équipe de secours et l'ambulance sont en chemin. Surtout, ne bougez pas, d'accord? C'est dans la rue qu'on apprend à être flic. On ne choisit pas ce qui nous arrive. Ça t'arrive de te dire que tu pourras pas le faire? Tout le temps, mec. Un métier risqué pour un cœur bien accroché. Deux épisodes inédits de New York 911, ce soir sur France 2. Il était heureux comme Adam avec Ève. Le voilà tout seul au paradis. Il est mort? Qui a voulu réécrire l'histoire? Est-ce qu'il a un alibi? Non. C'est ce qu'il y a. Oui, regardez! Le commissaire a beau connaître ses classiques, il devrait se méfier. Dis-moi, ton mari a une bonne assurance vie? Vous ne voulez pas que nous allions dans un endroit plus tranquille? Comment ça? J'ai compris, à moi de jouer. Flirter avec une suspecte, c'est péché, Siska le sait-il. Merci. Ce soir à 20h55 sur France 3. Cochonou, goûtez à la tradition de la grande boucle. Cochonou, fournisseur officiel du Tour de France. Pour mes recettes à base de lait, moi c'est Régilet. C'est plus moelleux, plus onctueux. Et puis c'est plus léger. Régilet, Régilet. Pour protéger ta famille, l'avenir c'est mieux avec deux R. Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit? AG2R. Prochaine fois, c'est moi qui fais le parcours, hein. L'avenir c'est mieux avec deux R. Ah, c'est toi? Entre. Comment tu trouves? Ce sont des planches stratifiées. Stratifiées? Waouh, magnifique. Quelle chaleur. Et la pose est parfaite. Alors toi aussi, tu trouves ça renversant? Quickstep, de superbes sols qui durent. Découvrez maintenant, en plus, des aspects de surface révolutionnaires. Qu'est-ce qui est rouge? Qui pèse 13 kilos? Et qui évite les peines de gaz? Antargaz Plus Contrôle, la première bouteille de gaz avec indicateur de niveau. Antargaz Plus Contrôle, c'est nouveau, c'est rouge et ça évite les peines de gaz. Antargaz, bien plus que de l'énergie. Nouvelle Ford Mondeo. Ces petits détails qui font toute la différence. Reprise Argus plus 4000 euros pour l'achat de la nouvelle Ford Mondeo. Au 30e kilomètre, le 17 semble être en difficulté. Mais il saisit un gel douche Mel & Sport. On me le confirme, c'est le gel douche Mel & Sport au parfum ultra frais, au magnésium antifatigue et au ginseng énergisant. C'est hallucinant! Le 17 retrouve toute son énergie! Gel douche Mel & Sport, élu produit de l'année, produit officiel de l'équipe de France Olympique. Arrêtez, ou la malédiction Raid s'abattra sur vous! Raid 60 nuits va vous foudroyer! Mais allez, surtout pas! Raid 60 nuits. Quand Raid passe, les moustiques trépassent. Chelou a inventé la Tercera, la troisième paire de lunettes pour 15 euros de plus. Depuis,
Son idée a fait du chemin. Et elles sont où, les deux autres? Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Il rend tout le monde fou à Flelou. Muriel? Dommage qu'il ne soit qu'opticien. Vous voulez garder votre chat en pleine santé année après année? Commencez dès aujourd'hui avec Purina One. Élaborée par nos vétérinaires, la formule unique de Purina One offre une nutrition optimale pour son énergie et sa santé. Enrichie en vitamine E et antioxydants, elle maintient votre chat en pleine forme, aujourd'hui et pour les années à venir. Purina One, faites la différence sur sa santé aujourd'hui et demain. Étape après étape, le Tour de France sur France 2 avec eljob.com, offre d'emploi et formation sur Internet. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on tenait à vous remercier. Grâce à vous, nous battons des records et nous allons vivre encore une nouvelle grande étape sur la route du Tour. C'est la grande étape des Pyrénées, 205 km, vous le savez, entre Lézat sur l'Aise et Salary-Soulan, Pladadet. Sur le papier, c'est l'étape la plus dure du Tour de France. 5 cols, une arrivée en altitude, autant dire que les adversaires de Lance Armstrong doivent attaquer aujourd'hui parce qu'après, il sera un peu tard, à moins Laurent, que l'on assiste à un grand raid à la Laurent Jalabert. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Oui, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle une belle journée, effectivement, qui aura laissé des traces malgré tout, mais qui m'aura permis de prendre provisoirement le maillot du meilleur grimpeur. C'est beau les Pyrénées. Hein. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Un long raid solitaire, ça peut faire très mal aux jambes, mais ça peut aussi couvrir un coureur de gloire. C'est beau, mais c'est dur. On va regarder tout de suite le profil de cette 15e étape du Tour de France. C'est parti, 205 km à travers l'Ariège, la Haute-Garonne, l'Espagne et les Hautes-Pyrénées. Les coureurs n'auront pratiquement aucun moment de répit. Les 80 premiers kilomètres sont un faux plat montant. Ensuite, les difficultés vont se succéder, vous le voyez, à la vitesse grand V, avec dans l'ordre le col du Porté d'Aspet, le col de Mante, le col du Portillon, le col de Perre-Sourde, le col de Valdouron-Azette et l'arrivée à Salary-Soulan. Pladadet, vous voyez le parcours sous vos yeux, une étape qui risque de faire très mal, car celle d'hier a sans doute laissé des traces, comme on dit. Grosse étape. Alors hier, c'était la canicule sur la route du Tour. Aujourd'hui, il fera encore très chaud. On va voir tout de suite les prévisions météo. Très chaud. À noter quand même que les nuages d'altitude, on les a vus, remonteront d'Espagne, ce qui rendra un temps beaucoup plus lourd que prévu. Des orages sont possibles en fin d'après-midi. A priori, et je vous rassure, ce sera après l'arrivée des coureurs. Les températures oscilleront entre 29 et 24 degrés. Il fera 23 degrés pour l'arrivée aux portées d'Aspet. Allez, tout de suite le départ. Il a été donné tout à l'heure à Lézat sur l'Aisne. C'était un départ inédit dans ce bourg ariégeois qui est aussi le village natal de Jacques Dupont, un ancien champion de France de cyclisme. C'est un peloton de 161 coureurs qui s'était lancé. Pas de surprise, vous l'avez vu. Lance Armstrong a consolidé son maillot jaune. Michael Rasmussen est toujours en maillot à poids. Le vert est sur les épaules de Tourouchoff. Quant à Jaroslav Popovic, il reste fidèle au maillot blanc du meilleur jeune. Armstrong a déclaré hier soir qu'il ressentait une petite fatigue, il faut toujours se méfier, et qu'il serait difficile de récupérer. A priori, Laurent, il ne doit pas être le seul dans ce cas-là. Hein. Non, je crois pas, mais c'est bien qu'il soit fatigué, bien sûr. Enfin, c'est normal d'ailleurs. On le saurait à moins. Eh oui. Et le petit brassard, Fabio Casartelli, que bon nombre de coureurs dans le peloton arbore aujourd'hui en mémoire de celui qui a perdu la vie sur les routes du Tour. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, effectivement, le 17 juillet 1995. Kilomètre zéro et le peloton est parti et c'est parti très vite. On va faire tout de suite un premier point en direct sur la route du Tour.
Vous connaissez le dispositif, Jean-René Godard est devant, à l'avant de la course, Thierry Adam colle au peloton. Alors, je pense qu'ils sont... Oui, ils étaient dans un tunnel. On va les retrouver. Jean-René et derrière les hommes de tête. Grosse échappée en tête de course, Jean-René. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Il fait beau sur la route du Tour, première précision, mais il fait incontestablement moins chaud qu'hier. Pour l'instant, ciel bleu azur. Tout à l'heure, dans le porté d'aspect, le plafond nuageux était assez bas. Et après la descente du porté d'aspect, juste au moment où nous attaquions le col de Mante, eh bien, le ciel est redevenu donc bleu azur. Nous sommes en compagnie d'un groupe de 14 coureurs, le groupe de tête, groupe qui s'est échappé, qui s'est constitué au kilomètre 29. Il y avait eu auparavant, depuis le départ de l'Ezay, il y avait eu de nombreuses attaques, notamment plusieurs de l'Espagnol Martinez qui avaient toutes été contrées, reprises par l'avant-garde du peloton. Et au kilomètre 29, donc, un groupe de 14 coureurs s'est composé. Alors ce groupe comprend tout d'abord le fidèle lieutenant et l'ami de Lance Armstrong, George Hincapie. Il y a de la formation T-Mobile, Oscar Sevilla. L'équipe Rabobank, très bien représentée dans cette échappée, avec trois coureurs, Michael Bogert, Eric Decken et Corsten Kroon. Également dans cette échappée, l'un des coureurs qui aura été les plus combatifs depuis l'entrée dans les Alpes, il s'agit de Oscar Pereiro, l'Espagnol de la Fognac. Également dans cette échappée, Bertogliatti, Davis, Coccioli, deux Français de Bouygues Télécom, Laurent Brochard et Pinot. Il y a encore Bortolani, Camagno et Astarloza. Voilà donc les 14 noms qui composent cette échappée, probablement la grande échappée de la journée. Il faut noter que l'avance de ces 14 coureurs n'a cessé d'augmenter. Au kilomètre 53, par exemple, à Saint-Girons, il y avait 10 minutes 20 secondes. Et au moment où nous sommes passés au sommet du porté d'aspect, où Coccioli est passé le premier, le peloton était à 17 minutes 20 secondes pour venir que l'écart donc entre ces 14 coureurs et le peloton est très très important et il ne cesse d'augmenter. On vous donne le dernier pointage, merci Jean-René, dernier pointage 17,57 d'avance pour les 14 hommes de tête sur le peloton. Dans cette échappée, on a bien regardé les noms, on les a entendus, il y a 5 anciens vainqueurs, il y a Bogart qui avait gagné à Aix-les-Bains en 96 et à La Plagne en 2002. Il y a Carsten Kroon, souvenez-vous, qui avait gagné à Plouay en Bretagne en 2002. Il y a Bertogliatti, le vainqueur surprise de Luxembourg en 2002. Il y a Brochard, vainqueur un 14 juillet à Loudenvielle en 97. Et il y a surtout Éric Decker, qui a gagné à 4 reprises, à Villeneuve-sur-Lot en 2000, à Revel en 2000, à Lausanne en 2000. C'était sa grande année. Et à Pontarlier en 2001. Allez, on va faire un petit tour derrière, à l'arrière du peloton, avec Thierry Adam. Thierry Adam, 17 minutes 57, près de 18 minutes derrière les échappés. Oui, bonjour Henri, bonjour Laurent, bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. C'est le plus grand écart jamais recensé depuis le départ du Tour de France. Le peloton a décidé aujourd'hui, compte tenu des difficultés, compte tenu aussi sans doute de la bagarre d'hier qui a laissé beaucoup de traces et de fatigue, sans doute une fatigue générale, eh bien le peloton, après avoir, en fonction des différentes échappées énoncées ce matin et surtout de différents coureurs, hein, on sait par exemple que Botero a essayé de s'échapper dans la première échappée du jour, eh bien en fonction Lance Armstrong et l'équipe Discovery Channel a géré afin de regarder qui était dans l'échappée, de savoir quand la bonne échappée non dangereuse pouvait partir. Et depuis que on a autorisé les 14 coureurs à prendre de l'avance, l'avance ne cesse de grandir parce que le peloton roule relativement tranquillement, ce qui n'empêche pas d'avoir vu tout à l'heure dans la montée, dans la dernière montée d'aspect, d'avoir vu une dizaine de coureurs lâchés, dont Thomas Vauclair qui à l'instant même vient de revenir dans le peloton. Roseba Bellocchi aussi, le coureur de l'équipe Liberty Seguro, sans difficulté dès que la route s'est élevée, qui va connaître une journée sans doute très difficile. Un seul pour l'instant n'est pas rentré dans le peloton. Il s'agit du grand suédois de l'équipe Liquigas, Magnus Backsted, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, en énorme difficulté. Or aujourd'hui il faut être prudent et c'est peut-être aussi tant mieux pour l'ensemble du peloton de voir quatre coureurs de l'équipe Discovery emmener Lance Armstrong à leur rythme, un rythme pas trop élevé, parce que tout à l'heure Laurent nous dira certainement que les délais aujourd'hui, compte tenu de la longueur de l'étape et de la difficulté, peuvent ramener beaucoup de monde à la maison. Tiens, un qui revient, c'est Magnus Backsted, donc le peloton pour l'instant au grand complet. Merci Thierry, on va tout vous dire sur les délais, hein. On a commencé les calculs, ça donne quoi Laurent?
Oui, les délais sont toujours en fonction de la vitesse. Ils se calculent en fonction du temps du vainqueur et bien sûr tout dépend de la moyenne réalisée. Mais pour l'instant, vu que ça roule à une moyenne supérieure à 36 km/h, bien s'ils étaient sur la ligne d'arrivée avec une moyenne égale à 36 km/h, les délais seraient de 59 minutes. Sachant que le peloton a déjà 18 minutes 16 secondes d'avance, tous ceux qui vont se faire lâcher du peloton sont en danger imminent, évidemment, parce qu'il y a d'énormes difficultés encore à franchir, parce que les échappés ont énormément d'avance et parce que ce peloton, s'il accélère, eh bien, il va falloir accrocher les wagons, sinon on risque de se voir à la maison ce soir. Alors Armstrong disait ce matin, on va essayer de contrôler la course et de rester calme. Je redoute que ça explose trop tôt. Ben, c'est bien parti pour lui, hein. L'idéal pour lui, c'était de laisser partir un groupe et de laisser prendre plus d'un quart d'heure d'avance. La tactique pour l'instant et le déroulement de la course sont parfaits pour le champion américain. Oui, le déroulement de la course est idéal. Il a placé un équipier à l'avant, Georges Incapi, qui était 25e ce matin au classement général. Et Incapi qui était à 24 minutes, pratiquement 25 minutes, 24 minutes 59 donc de Lance Armstrong, et qui pour l'instant se replace dans les 10 premiers. Celui qui ferait une bonne opération si les écarts restent en l'état, c'est Oscar Pereiro qui lui est à 24 minutes 40 d'Armstrong et Sevilla qui est à 37 minutes. Voilà des coureurs qui pourraient revenir dans le jeu dans les 10 premiers. Et puis surtout, ça risque de rendre nerveux certains coureurs dans le peloton, les Ulrich, Claudin, Vignoukourov par exemple pour les T-Mobile, ou certains autres, hein, Moreau, enfin tous ceux qui prétendent une belle place dans les 10 premiers, bien voient arriver maintenant avec beaucoup de peut-être de facilité des coureurs qui se sont glissés dans une échappée que l'on laisse filer. Là, à l'évidence, l'équipe Discovery Channel les laisse filer. Et est-ce que Armstrong n'a pas, dans un petit coin de sa tête, envie de monter sur le podium à Paris avec son copain Incapi sur le podium? Ben, on va poser la question. On va poser la question à Thierry parce que Thierry a eu le droit à quelques confidences ce matin. Thierry? Très légère de Lance Armstrong qui n'avait pas très envie de parler. Pour la première fois, lui qui est très communicatif hein, depuis le début de ce Tour de France, très ouvert et qui répond facilement à toutes les télés françaises en français et à beaucoup d'autres télés bien évidemment comme OLN avec qui il a un partenariat particulier. Et bien ce matin, il avait le visage assez fermé. C'est vrai qu'il nous a dit qu'aujourd'hui était une journée très particulière pour lui quand il a enfilé ce petit bracelet avec écrit Fabio dessus et donné par la fondation et Fabio Casartelli. C'est vrai qu'aujourd'hui il espérait, il nous disait, c'est l'étape la plus dure, j'espère qu'on ne va pas aller trop vite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, il ne faut pas non plus que le Tour de France, dit-il, devienne inhumain. Il sait qu'hier beaucoup de coureurs ont souffert, ce matin les visages étaient marqués, par exemple ce matin la signature s'est faite pour l'ensemble des coureurs. D'habitude, ça se fait entre 1h et 1h15. Ce matin, tout le monde a signé quasiment dans la dernière demi-heure autorisée pour la signature. Maintenant, en ce qui concerne Georges Incapi, vous vous en souvenez, à un moment où le classement était un petit peu différent et où Incapi pouvait devenir maillot jaune, on se rappelle que Lance Armstrong nous avait dit qu'évidemment, si c'était possible, il ferait beaucoup de choses pour ce dernier tour pour Georges Incapi. Le peloton, vous avez vu le dernier pointage pointé à plus de 18 minutes. Alors on va regarder qui est le plus dangereux dans cette échappée, dans l'échappée des 14 devant. Eh bien c'est simplement l'Espagnol de la FNAC, Oscar Pereiro, qui est 24e à 24 minutes 40. Allez, on va faire tout de suite un petit retour en arrière. On va revivre le passage au sommet du Porté d'Aspet. C'était il y a quelques minutes, le sommet donc du Porté d'Aspet pour les 14 hommes de tête. Et c'est Eric Decker, vous allez le voir, de la Rabobank, ils sont trois de la Rabobank, qui va passer en tête de cette première grande difficulté de la journée. Decker, très entreprenant hein, depuis le début de cette étape. Oui, les Rabobank qui sont en nombre dans cette échappée, ils sont trois et Decker est certainement celui qui a le moins de chances de pouvoir l'emporter. Donc il essaie de creuser l'écart au maximum pour amener peut-être... son copain Michael Bogert vers la victoire d'étape. Il a des chances Bogert, hein, il a déjà remporté des étapes sur le tour et en montagne notamment, c'était à la Plagne. Et puis surtout il y a le classement par équipe, hein, ils sont trois dans l'échappée, donc c'est une très très bonne opération pour le classement par équipe. Il est passé en tête devant Coccioli, on l'a vu, Bogert, Pereiro, Kroon et Brochard. Alors dans cette descente, grand moment d'émotion hein, sur la route du Tour de France bien sûr, c'est sur cette route que Fabio Casartelli avait trouvé la mort le 17 juillet 95, on le disait tout à l'heure, c'était il y a 10 ans jour pour jour. Casartelli avait 24 ans, il avait été champion olympique sur route à Barcelone, une stèle de marbre blanc et gris a été érigée, on va l'apercevoir sur le lieu de l'accident, et l'image de Casartelli est encore dans toutes les mémoires, Jean-Paul.
Oui, parce que Casartelli, bien entendu, avait été champion olympique, vous l'avez dit. Il n'avait pas totalement réussi sa carrière professionnelle. Il avait subi de nombreuses chutes, il avait connu de nombreuses blessures. Mais il était l'adéquat préféré d'Armstrong. Et il amusait Armstrong parce que c'était un coureur, un garçon un peu fantasque. Et Casartelli s'était promis de briller, notamment dans l'étape de Limoges. Et c'est la raison pour laquelle Armstrong est allé gagner l'étape à Limoges, les deux index pointés vers le ciel. Casartelli était un garçon vraiment charmant. Il ne portait pas de casque. Sa mère lui téléphonait tous les soirs et lui disait « Mais Fabio, il faut mettre un casque comme les autres. » Il disait « Mais non, arrête de m'embêter avec ces choses-là. » Alors, on ne connaît pas très bien les circonstances de l'accident qui ont coûté la vie à Casartelli. Il est probable que ça s'est passé, qu'il était à l'arrière du peloton, vous savez, lorsque bien sûr un col a été franchi, eh bien certains coureurs se relâchent, alors il y a quelques vagues, alors a-t-il subi ces quelques vagues étant dans les dernières positions? En tout cas, sa tête a heurté le bord du trottoir et il est décédé pratiquement sur le coup, on peut dire. Tous les coureurs pensaient à lui ce matin très très fort. On va écouter Cédric Vasseur. Ça fait 10 ans aujourd'hui que malheureusement l'accident est arrivé dans le Portet d'Aspé. Déjà au Giro, au mois de mai, on a eu l'occasion de prendre le départ d'une étape dans sa ville natale. Donc je pense que de façon symbolique, tous les coureurs porteront aujourd'hui ce brassard sur leur bras. C'est toujours un souvenir douloureux. Hein. Toujours, c'est toujours un souvenir douloureux. Et c'est vrai que quand on passe à cet endroit, dans le Portet d'Aspé, je me souviens aussi en 97 que tout peloton s'était arrêté. J'étais à l'époque maillot jaune. Aujourd'hui, on va prendre le Portet d'Aspé dans l'autre sens. Mais je pense que c'est toujours un moment un peu... c'est douloureux et je pense qu'on a tous une pensée quand on passe devant la selle de Fabio. Grosse étape aujourd'hui. On dit que c'est l'étape de référence du Tour. Je pense que c'est l'étape la plus dure sur le papier du Tour de France. Bon, hier, on a déjà connu une étape difficile. 6 heures de vélo. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins de chaleur, donc ça va rendre l'étape peut-être moins pénible. Mais quoi qu'il en soit, les organismes sont fatigués, les jambes brûlent beaucoup plus vite que d'habitude. Le seul côté positif, c'est qu'on sait que demain, une journée de repos nous attend, donc on va tout donner aujourd'hui. Avec des espoirs aujourd'hui chez Cofidis encore? Je pense que David Moncoutier, hier, a levé un petit peu le pied volontairement. Il était dans le groupe Eto, donc aujourd'hui, je pense que c'est notre carte majeure. Et puis, en ce qui me concerne, je suis pas trop mal. Je pense que j'ai bien récupéré et on va voir un peu la physionomie de course. Mais si une échappée se dessine assez tôt aujourd'hui, je suis partant pour l'aventure. Voilà, et on retrouve le peloton, toujours emmené par les Discovery Channel, dans l'ascension du col de Mante, deuxième difficulté de la journée. 7 km à plus de 8%. Un tout petit détail encore pour Casartelli. Si Decker est passé en tête au sommet du Portet d'Aspé, ça n'est peut-être pas tout à fait innocent parce qu'il avait terminé deuxième à Barcelone, aux Jeux Olympiques, derrière Casartelli. C'était peut-être pour lui rendre hommage qu'il est passé en tête. Thierry à l'arrière du peloton. Oui, avec beaucoup de dégâts là dans cette montée de Mante, avec la peloton qui rentre dans Gerdebout, ce petit village qui est charmant quand ça va bien, qui l'est moins quand ça va nettement moins bien. Là, on a perdu une vingtaine de coureurs distancés pour l'instant, avec Nuridinov, Krychko, les coureurs de la Domina Vacanze. Le plus mal en point, c'est bien sûr Magnus Magstedt qui a de nouveau été lâché. Ça va mal aussi pour José Bavelocchi, dont je ne vois pas très bien aujourd'hui comment il aura la tête et le moral, lui l'ancien grand champion, pour arriver jusqu'au bout, pour aller jusqu'au bout de cette étape. Giovanni Lombardi bien sûr, Rodriguez pour les sprinteurs et Vrolic, Forster aussi, Kritzkens, Herrero en difficulté aussi à l'instant, le coureur basque de l'équipe Euskaltel-Euskadi, dont on attendait évidemment beaucoup dans les Pyrénées, dont on attend toujours beaucoup évidemment dans les Pyrénées. Bradley Magee aussi, qui a toujours autant de difficultés à suivre le rythme, juste devant moi en train de lâcher prise à son tour, le Dossard 193, c'est Unai Echevarria. Et puis je surveille avec attention les maillots de la Gerolsteiner, parce que petite parenthèse pour revenir à ce qui s'est passé ce matin sur une des 10 attaques qui a eu lieu ce matin. Et bien à un moment toute l'équipe, en tout cas 7 coureurs de l'équipe Gerolsteiner, s'est retrouvé distancé avec dans ses rangs Leva Hilfeheimer, qui est quand même dans les 10 premiers au classement général. Et ça a été un grand moment de frayeur et il a fallu rouler une dizaine de kilomètres pour voir l'équipe Gerolsteiner revenir et ramener Levi Hilfeheimer. Il y avait quelques garçons comme Manchebo aussi qui avaient été pris dans cette petite bordure.
mur. Et ça a été un petit moment de frayeur. Heureusement que c'était au début de cette étape. Sinon, après, on aurait pu avoir quelques surprises. Il y avait quelques garçons bien classés qui n'étaient pas tout à fait réveillés. Alors que là, eh bien, c'est de nouveau Denis Menchoff, le leader de la Rabobank, qui a trois coéquipiers devant, qui est en train de lâcher prise. Merci. Il a un Tour de France bien difficile, le Russe. Merci Thierry. Nous venons d'assister au passage des 14 coureurs de tête au sommet du col de Mente. Et les trois Rabobank sont passés en tête, hein, sans sprinter. Oui, ils sont passés à un rythme rapide puisque déjà quelques coureurs se sont plus distancés. C'est pas bien méchant, ils vont revenir dans la descente. On a vu Laurent Brochard notamment et Jérôme Finot, les deux Français de l'échappée, perdre quelques mètres au sommet, tout comme Iker Camagno ici qui maintenant occupe la dernière position. Très attendu certainement Camagno par tous les supporters basques bien présents sur le parcours aujourd'hui. Et juste un petit souvenir parce que bien sûr, on a parlé de Casartelli. J'aimerais qu'on n'oublie pas non plus Kivilev qui a aussi marqué l'histoire du Tour et qui a perdu la vie aussi en course, c'était pas sur le Tour. Mais il a perdu la vie quand même, tout comme Lorios ou Ochoa dans des circonstances douloureuses, victime de la route aussi. On va évoquer aussi dans cette descente, qui est une descente rapide, étroite, difficile, très sinueuse, la chute évidemment de Luis Ocaña. C'était en juillet 71, il avait le maillot jaune sur les épaules. Et ce jour-là, il avait évidemment perdu son maillot jaune, c'est un tout petit peu plus bas. C'est une descente extrêmement rapide que cette descente du col de Mente, Jean-Paul. Le col du Mente qui met en communication la vallée du Gers avec celle de la Garonne. Et ce jour-là, eh bien, il faisait moins beau qu'aujourd'hui, puisqu'il pleuvait des torrents et des torrents de boue aussi. Et Eddy Merckx avait à plusieurs reprises attaqué Luis Ocaña qui portait le maillot jaune donc sur les épaules. Et Ocaña s'était toujours escrimé à le suivre. Et dans une courbe, eh bien, il a glissé et il est allé au bord du ravin et il a ensuite été heurté par Joop Zoetemelk et par Agostinho. Il a été conduit à l'hôpital de Saint-Gaudens aussitôt. Il y a toujours une plaque d'ailleurs dans le virage à cet endroit-là hein, qui rappelle que c'est là que Luis Ocaña a sans doute perdu ce Tour de France. Voilà. Henri, on nous a dit qu'on va peut-être revoir l'accident de Luis Ocaña. Voilà. Ocaña avec Joop Zoetemelk, avec Lucien Van Impe. 1971. Ainsi que Joop Zoetemelk. Vous voyez cette descente, ce virage là que les coureurs vont passer aussi. Et on va retrouver Ocaña à terre. Heurté par Agostinho et par Zoetemelk. Vous voyez, Ocaña est là, Agostinho et Zoetemelk sont passés. C'était le 12 juillet 1971 déjà, la chute de Luis Ocaña. Et évidemment, tout cela a éclipsé la victoire de Fuente à Luchon ce jour-là. Et Merckx refusera de porter le maillot jaune le lendemain, au départ de l'étape, qui filait vers Revel. On va retrouver tout de suite Thierry Adam à l'arrière du peloton, car ce col de Mente a fait très très mal, tout comme le porté d'aspect juste avant. Hein. Oui, alors je vous ai dit, hein, José Babeloki en énorme difficulté qui paye un petit peu tous les efforts consentis dans les Alpes et qui a quand même du mal à retrouver son vrai niveau, celui qui faisait de lui un des adversaires directs de Lance Armstrong. Et là en difficulté, celui qui a été un des animateurs hier hein, de l'étape, c'est Stefano Garzelli, l'italien de l'équipe Liquigas, qui vient de lâcher prise à 5 km du but. Santiago Botero aussi a été un petit moment en difficulté, il avait laissé 10 mètres de retard, du coup il en a profité pour appeler John Nolan, son directeur sportif, son manager général. Quelques bidons, une petite accélération et le voilà revenu. Il va ramener des bidons pour Floyd Landis, fantasque colombien. Juste un mot pour vous dire que Eddy Merckx aujourd'hui eh bien, fait l'étape dans une des voitures de la direction du Tour. Cette étape, cette 15e étape qui est partie relativement vite, plus de 46 km/h dans la première heure. Dans la première heure, c'était dans les premiers kilomètres avant d'aborder les premiers cols, mais ça va vite. Oui, c'est souvent en fait dans des étapes, c'est vrai que c'est des étapes de montagne, on pourrait penser que les coureurs appréhendent ce qui les attend et vont prendre les choses avec un petit peu de calme, il n'en est rien. Et c'est bien souvent que certains essaient de prendre de l'avance dans la plaine, avant déjà les premiers cols et la première heure de course est souvent très rapide jusqu'à ce que se dessine la bonne échappée. Voilà, ça s'est décidé après une heure de course et 46 km avaient été couverts dans la première heure. Et cette échappée est en train maintenant de prendre le large avec une avance plus que confortable. Et devrait normalement permettre à un de ses composants de pouvoir aujourd'hui penser à la victoire d'étape. Sérieusement, aller jusqu'au bout. Même s'il reste encore beaucoup de cols à franchir,
c'est réalisable. Hein. J'ai le souvenir donc de la longue échappée que j'avais effectuée dans la. C'est vrai que vous avez beaucoup donné sur cette étape. Vous. C'était exactement la même étape. Pareil. Nous ne partions pas de l'Esat sur l'Aise, mais nous montions exactement la même col. Et j'étais sorti dans la descente du porté d'Aspé avant de me faire rejoindre seulement par Lance Armstrong et Yann Ulrich et José Babelotti notamment, à 4 km de l'arrivée à Saint-Lary-sur-Orne. Donc c'est vraiment possible d'aller au bout. C'est une succession de montées, de descentes. Il faut savoir bien gérer l'effort dans la montée. On peut se permettre de perdre une paire de minutes. Il faut cravacher un peu la descente pour essayer de reprendre un peu de temps quand le peloton récupère. Mais là, avec 18 minutes d'avance, je suis convaincu que le vainqueur de l'étape est dans la première échappée. C'est plutôt bien parti, effectivement. Ils sont 14 en tête. On va les retrouver dans quelques instants. Auparavant, si vous nous rejoignez, je vous donne les passages au sommet du col de Mante. C'était il y a quelques minutes. C'est Eric Decker qui est passé en tête devant deux coéquipiers de la Rabobank, Carsten Krohn et Michael Bogart. Oscar Pereiro de la FONAC est passé derrière devant Pietro Coccioli, l'italien de l'équipe du Crédit Agricole, Oscar Sevilla, Alan Davis et Rubens Bertoliati. Voilà, Jean-René Godard dans la descente derrière les 14 hommes de tête. Ça va vite, semble-t-il. Ah oui, incontestablement, cela va vite, plus de 80 km/h au compteur de notre moto, dans une descente qui est très marquée, des virages très marqués, une descente très technique, et il faut préciser, et cela confirmera tout à fait ce que vous disiez avec Laurent il y a quelques instants, que les coureurs de la Rabobank, qui figurent à 3 dans ce groupe de 14, avec Bouguerque, avec Kerr et avec Carsten, eh bien les coureurs de la Rabobank ont idée de devenir les patrons de cette échappée. Non seulement ils passent tous les trois au sommet des cols, mais ce sont eux qui mènent le train dans la descente, ce sont eux en fait qui assurent le rythme de cette échappée et ce sont à coup sûr eux qui pour l'instant pensent déjà à la suite et pensent déjà compte tenu de l'importance de cette échappée. Pense déjà aux perspectives qui pourront s'offrir tout à l'heure à eux et notamment probablement à Bogart. Donc trois coureurs de Rabobank pour assurer, je vous le répète, un rythme extrêmement soutenu dans cette école, dans cette descente du col de Mente que nous allons terminer dans quelques instants. Merci, merci Jean-René. On a bien fait les comptes, nous, effectivement, il y a trois Rabobank, il y a deux Bouygues Télécom, mais il n'y a pas de CSC dans l'échappée. Hein. Ils ont raté le coche. Ah, ils ont raté le coche, c'est vrai qu'on on aurait pu penser qu'ils devraient avoir une présence dans ce groupe. Toutes les équipes qui ont des grands leaders sont représentées dans la première échappée, sauf la CSC, justement. Donc c'est un petit peu dommage pour eux, mais enfin ça ne change pas la donne. Hein. Basso reste un client sérieux pour les accessites, pour la deuxième ou la troisième place sur le podium par exemple. Puisque pour la première, je crois que la position de Lance Armstrong semble assez inaccessible. Et quand l'on voit qu'aujourd'hui c'est l'étape la plus difficile, avec cette longue échappée qui est partie de loin et qui a pour effet de calmer les ardeurs du peloton, eh bien, chaque col qui est passé est une difficulté de moins, non seulement pour l'ensemble de la caravane du Tour, mais surtout pour le maillot jaune. Et il se rapproche encore davantage de la victoire finale. Thierry Adam, à l'arrière du peloton, pardon, parce que Thomas Vauclair est en difficulté. Oui, exactement. Encore une fois, comme souvent depuis le début de ce Tour de France, il a du mal à retrouver le bon coup de pédale. Il dit qu'il n'est pas tout à fait à son meilleur niveau. Il le ressent et tout à l'heure, eh bien, il avait déjà été lâché dans la montée des portées d'Aspé. Il était même venu à la hauteur de la voiture neutre pour récupérer de l'eau. En fait, il a des petits coups de... Il court toujours de la même façon. Hein. Des fois, on a l'impression qu'il est très très mal et puis il se relance. Sauf que là, c'est derrière le peloton. C'est toujours plus difficile que lorsque vous portez, évidemment, ça va de soi, un maillot jaune avec lui à ses côtés. Laurent Lefebvre, juste derrière lui c'est Vrolić et puis c'est Servec Naven, un peloton déjà très 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 étiré qui continue de perdre quelques coureurs. Il y a Walter Beneteau là-bas qui a ouvert le maillot, héros hier quasiment hein, pour les Français qui essayent de se battre. Il y a Bradley McGee qui est en train de lâcher prise. La chaleur est un peu plus étouffante que ce matin, il y a du soleil, il y a moins de nuages et effectivement les kilomètres qui viennent vont être difficiles, très difficiles pour certains parce que le rythme du peloton s'est quelque peu accéléré. David Moncoutier aussi mal placé en que de peloton aujourd'hui. Eh oui, Bradley McGee qui éprouve quelques difficultés. On a vu Thomas Vauclair. C'est dommage pour Thomas parce que nos confrères de la rédaction de l'équipe font une parade des baroudeurs. Eh bien, Vauclair, c'est le troisième baroudeur hein, derrière Fletcha, Dacruz et Bahia Vauclair. Vauclair qui a fait 305 km en tête de la course depuis le début du Tour de France. Il faut le saluer. C'est vrai qu'il est téméraire, il est courageux. Il n'a plus le paletot, il n'a plus le maillot jaune sur les épaules et c'est vrai qu'il a moins les ailes. Alors, on va parler de Pierrick Fédrigo aussi. On l'a vu ce matin au départ. Il estime que c'est une étape difficile
et que pour être bien, mais il faudrait être devant. Bah, il a bien vu parce qu'il y a quand même deux coursiers de son équipe qui sont devant. Pierrick Fédrigo. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'accrocher un maximum. Pourquoi pas prendre l'échappée parce que ça sera, je pense, moins difficile devant que de subir eh bien, le rythme du peloton. Quoi, ouais. L'étape d'hier a laissé des traces. Ah ben, l'étape d'hier, moi je me suis écarté au pied du premier col, donc à partir de là j'ai pas fait, j'ai fini avec le groupe Eto, donc j'ai pas fait d'effort. Donc bon, l'étape d'hier, c'était une journée, je pense, plutôt tranquille. Quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur? C'est la longueur, c'est le nombre d'ascensions, c'est la bagarre? Ben, la bagarre, j'espère qu'elle commencera pas trop tôt, hein, parce que c'est vrai que... Le temps, je pense, c'est un peu fatigué et bon, on va voir déjà au départ comment ça va se passer. Quoi. Belle étape, hein, sinon. Ah ouais, c'est ça va être une belle étape. J'espère que l'échappé qui partira de bonne heure ira au bout et bon, on va essayer de s'accrocher, quoi. On va essayer de s'accrocher, puis il faut espérer que l'échappé qui partira de bonne heure ira au bout avec avec lui, avec Jérôme Pinault et avec Brochard. Deux membres de son équipe qui se sont accrochés tout à l'heure, on l'a vu au sommet de Mante, parce que c'était pas évident, mais ils font partie de cette échappée qui est partie tout à l'heure, qui compte plus de 18 minutes d'avance et qui comprend 14 coureurs. 3, on le disait, 3 de l'équipe Rabobank et 2 coureurs français, Brochard et Pinault de Bouygues Télécom. Pour eux, c'est plutôt bien parti. Ça devrait aller au bout. Hein. Ah, l'échappée, je pense qu'elle ira au bout, ouais. Ils n'iront peut-être pas tous au bout. Hein. On le voit, dès qu'il y a une étape de montagne, 18 minutes, c'est vite perdu en montagne. Hein. Il ne faut pas connaître les défaillances, donc lorsqu'on se retrouve dans une échappée, il ne faut négliger aucun détail, il faut bien s'alimenter dès que c'est possible, bien s'hydrater bien sûr, essayer de garder son potentiel intact le plus longtemps possible. Et surtout quand on n'est pas grimpeur, comme ici Bertogliatti, on sait qu'on risque de devoir revenir. Les as du peloton dans les dernières ascensions, mais enfin il sera tiré d'affaire pour les délais, ce ne sera pas le cas de tout le monde peut-être. Descaires qui souffle un peu, il a beaucoup donné, là, il se dit ça devient dur. Oui, il attend je pense la voiture voilà, pour aller chercher des bidons très certainement. Il n'a certainement pas eu la possibilité de se ravitailler puisqu'il vient de sortir de la zone de ravitaillement. Il a dû manquer sa musette. Hein. Et il va donc chercher pour lui et pour ses équipiers. Il joue le rôle d'équipier aujourd'hui, Descaires dans cette échappée. On l'a vu hein, tout à l'heure, imprimer un rythme dans le porté d'aspect, ensuite dans le col de Mente. Il ne pense pas à lui, il ne garde pas de force. Son rôle est simplement d'essayer de creuser l'écart pour faire rentrer Descaires dans les 10 premiers, très certainement, du classement général, et assurer à cette échappée de pouvoir disputer la victoire d'étape. Le team mobile de service, on l'a vu, c'est Oscar Sevilla. Georges Gincapi qui satisfait un besoin naturel et qui est là, qui s'est glissé d'une manière très à propos dans cette échappée. C'est bon pour Lance Armstrong. Alors certains disaient Armstrong va essayer de gagner aujourd'hui pour son dernier Tour de France. Il faudrait qu'il gagne une grande étape en altitude. Il va passer à côté là, il lui restera plus que Saint-Etienne. Hein. Oui mais bon l'essentiel est de gagner le Tour de France avant tout. Et je dirais que la victoire d'étape c'est la cerise sur le gâteau. C'est vrai que c'est l'étape reine du Tour aujourd'hui avec peut-être celle de Briançon. Cette grande étape pyrénéenne promettait de grands assauts. Bon, cette longue échappée, c'était bien vu de la part d'Armstrong qui a réussi à glisser un échappé à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de danger majeur, ils vont prendre les choses avec tranquillité. Il vaut mieux laisser filer peut-être une victoire d'étape qui n'est pas non plus acquise d'avance. Hein. Il aurait eu une possibilité, mais il y en a d'autres qui auraient pu prétendre à la victoire. Les Basso, Rasmussen, voire Jan Ullrich auraient pu aussi penser remporter l'étape aujourd'hui. Bon, il préfère laisser filer le gain de l'étape et assurer à son équipe de passer une journée relativement tranquille sur une étape très difficile. Tout est relatif, mais c'est vrai qu'on est censé tranquille. Ouais, de conserver surtout l'acquis qu'il avait au départ, hein. Il faut surtout conserver ça. Thierry Adam à l'arrière du peloton avec un José Babelocchi vraiment mal en point. On l'a aperçu tout à l'heure et là ça ne s'arrange pas. Oui, on s'est arrêté parce que c'est quand même un nom hein, du cyclisme international, un nom de ce Tour de France. Et là, malheureusement pour lui, eh bien, c'est une image toujours terrible de voir un grand champion à l'agonie qui n'avance quasiment plus. Il est presque à l'arrêt sur la droite de la route, doublé par l'ensemble des voitures des directeurs de course. Et après avoir discuté un petit peu avec Manolo Zes, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que Joseba Belocchi n'ira pas aujourd'hui au bout de cette étape. Grosse difficulté aussi pour Stefano Garzi.
Zélie, très loin d'un peloton qui a largement accéléré son allure. Denis Menchoff aussi, le leader de la Rabobank, mais là c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue puisque c'est un trio de coéquipiers qui mène la chasse, enfin qui mène le bal devant, et en énorme difficulté aussi aujourd'hui Denis Menchoff, mais il est mal, hein, il n'a pas du tout récupéré depuis son excellent Tour d'Italie. Et nous remontons maintenant à la file des coureurs alors que nous sommes, la queue du peloton est à un petit peu moins d'un kilomètre du sommet. Ouais, Manolo Sainz qui a pas de chance, hein, cette année avec Roberto Heras qui n'avance plus. Bellocchi qui a fait impression, qui a fait illusion pendant quelques étapes mais qui coince là manifestement. Hein. Oui, enfin moi je connais assez bien cette équipe, la façon d'aborder ce grand événement qu'est le Tour de France, et c'est vrai que la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous. Alors autant on peut penser que Armstrong et ses équipiers ont la bonne recette parce qu'ils arrivent toujours dans une forme éblouissante sur le Tour de France, autant on peut penser que visiblement du côté de l'équipe de Manolo Sainz, on n'a pas toujours réussi à trouver la bonne recette. C'est ce qu'il a dit Manolo ce matin, il a dit moi je vais investir beaucoup plus au niveau des jeunes maintenant. Ouais, l'avenir, c'est toujours les jeunes de toute façon, ça c'est une évidence, mais l'approche du Tour est tellement particulière, il ne faut pas se tromper, et je pense que bon, je le connais un petit peu quand même, et il est souvent un peu pressé, et sur le Tour il faut de la fraîcheur, et on ne peut pas briller maintenant, dans le cyclisme d'aujourd'hui, on ne peut pas briller en début de saison. Sur les premières courses, prétendre vouloir gagner des courses comme Paris-Nice, toutes les courses qu'il y a au calendrier espagnol, et encore avoir de la fraîcheur sur des étapes comme celle-là dans le Tour de France où il fait extrêmement chaud, où il faut beaucoup d'énergie. Quand on a beaucoup d'honneur en début d'année, forcément à un moment donné, on plie les ailes. Et l'on voit les coureurs qui ont su se réserver. On dit souvent qu'Armstrong ne fait le tour, ne fait que le tour. Eh bien il a ma foi assez raison, puisqu'il réussit très bien, et il faut de la fraîcheur sur le tour, il en a. Le seul reproche qu'on puisse le faire, c'est de ne faire vraiment que le tour. Mais il réussit, on ne peut rien dire. Oh, il fait quelques courses de préparation, ouais. Mais vraiment, celle qu'il fait dans un état d'esprit de vainqueur, c'est le tour. C'est le tour et il ne lâchera rien, quoi. Ça c'est évident. Mais il sait très bien l'approcher, le Tour de France. Et il l'aborde avec sérénité, avec un tempérament offensif, avec l'envie de gagner. Peut-être ce qui manque à certains autres prétendants à la victoire. Il donnera peut-être quelques petites recettes après quand il sera plus sur le vélo, une petite réunion de directeur sportif, il en dira. Voilà les amis, comment je faisais moi pour gagner. Il y a quand même quelque chose qui ne peut pas se transmettre, c'est son talent. Hein. Le talent, ça on l'a ou on l'a pas. Et Armstrong est quand même un coureur hors catégorie. Hein. Vous avez vu le chrono, 17 minutes 38 déjà de retard pour le peloton. Il va passer au sommet du col avec un écart qui est inchangé hein, depuis tout à l'heure, qui sera de l'ordre de 18 minutes. Toujours 18 minutes d'avance pour les hommes de tête après les deux premières grandes difficultés de la journée. Derrière, on va retrouver Thierry Adam avec, j'ai cru comprendre, Walter Beneteau en difficulté, alors que le peloton passe au sommet du col de Mante. Exactement, le début du peloton, parce que le peloton est très 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 étiré, beaucoup de coureurs sont en difficulté, c'est chacun pour soi, mais ça, on savait aujourd'hui que dans cette étape, c'était vraiment chacun pour soi, même si tout à l'heure, je pense qu'il y aura un groupe Eto'o et le plus tard sera le mieux, Cancellara distancé, Juan Antonio Flecha distancé, Thomas Vauclair, la puce à l'arraché, je dis la puce parce qu'il fait des petits sauts de puce, qui remet son maillot en train et qui a demander de l'eau sur le bord de la route, et c'est Walter Beneteau donc qui a lâché prise tout à l'heure aux côtés de Laurent Lefebvre. Walter Beneteau, un des animateurs hier de l'étape, en tout cas le français de référence hier sur la première étape de montagne dans les Pyrénées. Merci, on va faire un petit détour par Paris histoire de déguster quelques pubs. On vous dit à tout de suite et merci d'être avec nous sur France 2 cet après-midi. Nous vivons une grande étape, la 15e étape du Tour de France. À tout de suite. Avec Cochonou, goûtez à la tradition de la grande boucle. Cochonou, fournisseur officiel du Tour de France. Vous êtes l'énergie de ce monde, nous sommes fiers d'être la vôtre.
EDF. Pour ton épargne, l'avenir c'est mieux avec deux R. T'as compris? Oui, j'ai compris. Ah bah alors. Bah alors, l'avenir c'est mieux avec deux R. Ah, c'est toi? Entre! Comment tu trouves? Ce sont des planches stratifiées. Stratifiées? Waouh! Magnifique! Mmh, quelle chaleur! Et la pose est parfaite. Alors toi aussi tu trouves ça en bassin? Quickstep, de superbes sols qui durent. Découvrez maintenant, en plus, des aspects de surface révolutionnaires. Jusqu'à 20 mégas en ADSL de plus, 9,90€ par mois pendant 3 mois. Appelez Club Internet au 3204. Et une nouvelle fois la route du Tour de France en direct. C'est aujourd'hui, je vous le rappelle, la 15e étape entre Lézat-sur-Lèze dans l'Ariège et Saint-Lary-Soulan, plein d'AD, 205 km. À travers l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et bientôt l'Espagne. C'est sans doute l'étape la plus dure du Tour de France. Nous apercevons l'avant-garde du peloton, mais devant, avec 17 minutes 50 d'avance, il y a 14 coureurs. Et derrière ces coureurs, Jean-René Godard. C'est Habla Frances, Jean-René. Attention. Si. Habla espagnol. Très bien. Nous sommes, et on a tous là dans l'équipe de France Télévisions un formidable professeur. C'est Laurent Jalabert qui est complètement bilingue, bien sûr, français-espagnol. Nous sommes effectivement en Espagne. On ne va pas y rester longtemps, très exactement 6,5 km, mais on pourra dire que le Tour de France cette année, c'est-à-dire en 2005, aura effectivement pendant quelques kilomètres traversé l'Espagne. Et dans ce groupe de 14 coureurs que nous suivons, eh bien plusieurs coureurs, bien évidemment, ont dû ressentir une certaine émotion en voyant sur la droite le panneau indiquant Espagne. Il s'agit bien sûr de garçons comme Oscar Sevilla, comme Comano, comme Astar Loza, qui appartiennent à ce groupe de 14 et qui sont bien sûr de nationalité espagnole. Alors dans cette échappée, je vous disais tout à l'heure que les coureurs de la formation Rabobank, à savoir Eric Decker, Carsten Krohn et Michael Bogert, étaient les patrons, les tauliers un peu de ce groupe d'échappée. Eh bien, cela se confirme et cette échappée continue de progresser à un rythme assez régulier. Il faut noter que le sprinteur australien de la Liberty, Seguros, Alan Davis, est très souvent à l'arrière de ce groupe. Alan Davis, on le sait, est avant tout un sprinteur, un garçon qui va vite. Et il est évident que le profil à venir de l'étape n'est probablement pas pour lui convenir parfaitement. Voilà donc Alan Davis d'ailleurs qui est actuellement en dernière position de ce groupe en train de s'entretenir avec l'ancien professionnel Hermino Diaz-Zabala qui est devenu maintenant l'adjoint de Manolo Saez. Merci Jean-René. Des problèmes à l'arrière pour Thomas Vauclair qui vient de crever et qui appelle désespérément sa voiture. C'est vrai que dans la descente, c'était pas ce qui pouvait lui arriver de mieux. Hein. Oui, il était déjà mal. La voiture est neutre. Il va prendre une roue, donc voilà, reparti. Il va repartir dans la file des voitures, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de bobo. Non, ça va revenir. Tant plus qu'en bas de la descente, ils vont arriver à la zone de ravitaillement. Le peloton ralentit toujours pour prendre les musettes. Il fait très chaud et on n'a surtout pas envie de manquer tout ça. Et ça va permettre à Thomas Vauclair de reprendre sa place en peloton. Il va arriver dans la zone de ravitaillement de Saint-Béat. La ville du général Gallieni, il est né à Saint-Béat. Oui, tout à fait. L'artisan de la victoire de la Marne en 1914, le général Gallieni, qui est décédé en 1916. Et puis justement, en face de sa maison, il y a la maison consulaire dont le balcon a inspiré à Edmond Rostand la célèbre scène de Cyrano de Bergerac, entre Cyrano et Roxane. Et entre Cyrano et Roxane, entre ces deux maisons, donc, se trouve la maison natale du général Gallieni. On va faire une petite incursion en Espagne, donc nous serons dans la province de Lérida, comme ça que l'on dit, Lérida. Lérida. Et comment on dit là, tout à l'heure on parlait d'Iker Camano. Camagno. Camagno. C'est en espagnol le N avec la, la,
la virgule tilde, dessus. La tilde, voilà, absolument. Voilà, c'est ça. Se dit mieux. Et ça, on fait mieux. Donc, c'est Iker Camagno. 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 Et hasta loza, c'est hasta loza. Il n'y a pas de problème. Et Valverde, c'est Valverde. Ah, c'est Valverde. Oui. Et le V se dit B en espagnol. Et c'est Alejandro. Alejandro. Voilà. Il se dit B légèrement, très légèrement. On dit Bino, Bino, Valverde. Mais Bino très léger, c'est toujours mieux que le Bino trop... trop lourd. Trop lourd. Il y en a qui frappent. Il y a trop de tanins. Et voilà la tête de la course qui rentre en Espagne, précisément. Petite incursion en Espagne. Cette vallée pour aller chercher le pied du col du Portillon. Eh oui. Ah oui, là il faut. Ça rampe. Ça rampe, oui. Bah, ils sont là. Hein. Ils sont là, ils assurent le train pour l'instant. Et derrière, ça suit, y compris Bertoliati, le sprinter. Et s'il est à l'arrivée, celui-là, il peut faire mal. Mais c'est pas joué encore. Il va certainement avoir mal à l'arrivée, ça, oui, il n'y a pas de doute. Oui. Celui-là, oui. Oui, oui, non, mais il prend pas mal à grand monde, mais je crois pas, non. Oscar Ferrero est là. C'est un bon coureur, Roberto Liatti, mais c'est pas un grimpeur. Hein. Non, regardez Brochard, à l'aise. Brochard, Oscar Ferrero, Pinot, Jérôme Pinot, ça nous fait plaisir, parce qu'il nous disait l'autre fois, j'en ai marre, parfois j'ai envie de m'arrêter, j'arrive pas à suivre, ça va trop vite. Eh bien, il est là, bravo, c'est une belle réponse de Jérôme Pinot, qui est un beau coureur. Il faut penser aux copains maintenant, il ne faut pas rouler trop vite, parce qu'il y en a qui vont se battre derrière pour rentrer dans les délais. Hein. Ouais. Continuez de calculer là. Hein. Continuez de calculer, mais avec 18 minutes d'avance, c'est vrai que c'est pas. Alors bah écoutez, le calcul, on peut le faire qu'à l'arrivée, lorsque l'on connaît la moyenne précise et surtout le temps du vainqueur. Pour l'instant, c'est approximatif, mais ça va tourner aux alentours d'une heure. Voilà, et Iker Flores est en train de prendre large là. Mais il a anticipé, hein, il a quand même ah ouais, il a déchaussé sur le côté gauche, il allait peut-être mieux là, non? Oui, mais il a essayé de retrouver l'équilibre, mais ouais, ça sert pas grand-chose en fait de déchausser comme ça. Il a mal évalué la vitesse, il aurait dû freiner davantage avant d'aborder le virage. Il est arrivé beaucoup trop vite, ce qui l'a mené à sortir très large. Toujours impressionnant d'être dans le sillage des coureurs, surtout dans les descentes rapides comme celle-là. Et il s'agit d'une descente rapide que cette descente du col de Mante. Oui, elle est rapide, elle est très rapide. Et elle peut être piégeuse, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Elle a été piégeuse d'ailleurs. Et on salue le travail, le boulot des motards et des cadreurs de la SFP. Vous avez vu, ça va très très vite. Ils sont partout, ils voient tout sur le bord de la route. Et ils retrouvent les coureurs. Là, on les retrouve devant le peloton, toujours emmené par l'équipe Discovery Channel. Avec modération quand même, hein. Ça roule vite parce que ça descend. Mais vous voyez, ça descend en roue libre. On y va gentiment. Et je pense qu'il y a dans cette équipe peut-être une certaine envie de laisser cet échappé prendre pas mal de temps. Georgine Capi est très bien, on l'a vu l'autre jour sur les pentes du Galibier, imprimer un rythme soutenu, hein, il n'était qu'une vingtaine dans le groupe maillot jaune. Et une Capi pourrait aller savoir peut-être remporter l'étape ici, à Saint-Lary-Soulan, et surtout faire un beau rapproché au classement général, si l'écart reste inchangé, 18 minutes 40, voilà qu'il a encore grandi cet écart. S'il y a un peu de bagarre dans le final, il pourrait se réduire, mais on risque d'avoir à l'arrivée un peloton très attardé. Et surtout des coureurs qui vont avoir fort à faire pour entrer dans les délais. Hein. Parce que tous ceux qui seront lâchés à partir de maintenant, il va falloir quand même serrer les fesses. Hein, parce que là, s'ils perdent demi-heure, ils auront du mal à revenir, 30 et 18, ça fait 48, ils sont déjà pratiquement hors délai. Donc là, il va falloir vraiment s'accrocher. Et nous rentrons à Saint-Béat pour le ravitaillement. Enfin, c'est le peloton qui entre à Saint-Béat. Saint-Béat avec ses marbres blancs et gris et qui ont fait la renommée de la cité dès l'époque romaine, et en particulier au grand siècle, puisqu'ils furent utilisés pour les bassins et les statues du parc du château de Versailles, et également pour le tombeau de Napoléon. On aperçut aussi l'église de Saint-Béat, entourée de son cimetière. Et on rappelle que le général Gallieni, devenu maréchal de France, à titre posthume en 1921, est né là, à Saint-Béat. Jusqu'à Bosso, on dit Bosso ou Bossost? Sur 17 km, on va rouler le long de la Garonne maintenant. Après ce ravitaillement, et là c'est vrai que le peloton a coupé l'allure là. Hein. Toujours 18 minutes 30, hein, vous avez vu le dernier pointage, 18 minutes 30 de retard pour le peloton et les Discovery qui... Ça va monter ça, et quand on va monter encore, hein, regardez le peloton qui et là, est à l'arrêt pratiquement. On ne s'affole pas du tout, on se ravitaille. Tous les lâchés vont pouvoir peut-être reprendre place dans le peloton grâce à cette accalmie. On passe à Thomas Vauclair hein, qui est peut-être pas encore tout à fait rentré. Là, il faut se refaire une santé hein, parce qu'il y a le col du Portillon hein,
qui se profile à l'horizon. Et c'est pas le dernier. Hein. Après, il y aura Persourde, il y aura Val-Louron d'Azette et il y aura la montée ici vers le sommet à 1580 mètres à Salary-Soulan-Pladadet. Il y a un petit peu de vent ici aujourd'hui, c'est une étape de montagne, donc on ne parle pas souvent du vent en montagne, pourtant il peut y jouer un rôle important, surtout dans les vallées comme ça. Alors la petite question, c'est de savoir comment est le vent. Nous d'ici, on ne peut pas trop se rendre compte, on va peut-être demander faible à modéré, à Thierry. J'avais ça tout à l'heure, mais il y avait peu de vent. Peut-être, à Thierry Adam qui... Non, on ne peut pas, là, on est déconnecté des motos, là, manque de peau, juste au moment où on pose la question. On le saura tout à l'heure, mais c'est important parce que dans la vallée, si le vent est de face, ça risque de gêner la progression de l'échappée. Ils vont devoir forcer encore pour maintenir cet écart. S'il est favorable alors que le peloton lève un peu le pied, l'écart pourrait grandir de façon très rapide encore. Oscar Pereiro en tête des 14 hommes de tête. C'est quand même une vingtaine de kilomètres là. De 17 kilomètres exactement. Ouais. 17 kilomètres exactement. Vous êtes toujours très précis. Ah, moi je suis précis, moi je regarde, vous savez, j'ai mon roadbook, comme on dit, hein, ma petite feuille de route. 17 km de plat. Avec Jérôme Pinault qui est assez fringant avec les, ouais, ça avec bien, les rabots devant, c'est bien. Sur le plat, tout le monde collabore, ça passe bien. Donc, Et nous allons pendant un petit bout de temps longer la Garonne, qui est un fleuve espagnol et français qui draine l'Aquitaine, 575 km. Un fleuve qui est né dans les Pyrénées, Pyrénées centrales d'ailleurs, dans le massif de la Maladetta, au pied du pic d'Anto. C'est le point culminant des Pyrénées. La Rose Saint-Gaudens reçoit la Sala, reçoit la Noue, reçoit la Rize, la Gimone, et plus loin encore le Tarn, le Lot. Vous avez vu, Armstrong, là, il a son petit profil à la main, il regarde, c'est utile ça, il l'a dans la tête, il n'a pas besoin de ça. Si. Oui, je pense qu'il cherche simplement à vérifier combien de kilomètres déjà de plage jusqu'au Portillon. C'est le genre de calcul que l'on fait, on se rappelle forcément qu'il y a une vallée, que le Portillon arrive ensuite, parce qu'ils l'ont reconnu tous, hein, tous ceux qui ont des ambitions en montagne ont reconnu ces étapes. Et ils sont déjà passés, certainement, Armstrong en tout cas, il est déjà passé, il a déjà fait plusieurs fois cette étape. Et voilà, il vérifie certainement le kilométrage. Et le col du Portillon, qu'a déjà franchi Armstrong dans le passé, eh bien, a été franchi pour la première fois par un Belge qui s'appelait Désiré Kettler, qui était un peu le domestique de Fred De Bruyne à l'époque. Il venait toujours s'entraîner d'ailleurs dans les Pyrénées à Massat, les Pyrénées ariégeoises. Il y a eu Massignan, il y a eu le Français Guignol, il y a eu aussi Laurent Jalabert. On n'a pas entendu ce qu'il nous disait, mais il doit passer une journée tranquille. Hein. J'essaie de traduire là, sur les lèvres, pas évident. Il parle en français ou en américain? Ouais, je sais pas. Alors, c'est en français, il sait que c'est la télévision française qui est là. Quoi? Quoi, 18 minutes de retard? On va appuyer. Non, non pas du tout. Parfaitement le retard qu'ils ont en ce moment. Il est supérieur à 18 minutes, il est peut-être même déjà supérieur à 19 minutes. Parce que là, vraiment, ça roule... Je vais tout vous dire. 18.45. Ça roule tranquille. 18.45 à 80 km de l'arrivée ici en altitude. Troisième arrivée en altitude, 18.45, c'est confirmé. Dernier pointage à 80 bornes de l'arrivée. Oh là, mais c'est un gypaète barbu ou un aigle royal? Alors... Ah, c'est vrai que c'est la région des gypaètes barbus. Hein. Je pencherai pour un gypaète barbu. Ah, vous avez de bons yeux. De par ses ailes. Ah, ils sont... Et par la grosseur. Oui. Complètement préservés dans cette région. Ils sont chez eux ici. Hein. Et il suit le peloton ou pas? Ou il va plonger sur le peloton? Non, parce que c'est juste après le ravitaillement. Il a repéré. Il reste quelques victuailles. Mais celui-là est lâché. Ah, ça n'a pas troublé le peloton. Hein. Alors regardez quand même Benjamin Deval qui roule en tête ici, il roule vraiment tranquille, les mains au du guidon. C'est pas un gros rythme et ça va permettre à Bellotti de revenir, peut-être. C'est pas mini marqué, hein, Bellotti. Hein, oh là là, il n'a pas la tête des grands jours. Il va mettre un point d'honneur à aller jusqu'au bout aujourd'hui. Il ne va pas bâcher sur cette étape quand même. Ok, il est près de chez lui là. Mais c'est pas une raison. Il est quand même tout seul. Hein. Ouais, il est seul. Et lui, il est en train de passer à peine maintenant au ravitaillement. C'est quand même pas très bien parti pour lui. Hein. Je pense pas qu'il aille bien loin. Puis surtout, s'il reste là tout seul, lâché, quand on voit l'avance de l'échappée, il serait probablement hors à l'arrivée. Donc
que ça. Quand on fait le bilan dans la tête, entre l'envie de continuer de souffrir encore et celle d'avoir l'humiliation d'arriver hors délai, quand on sait que c'est perdu d'avance, quelquefois les coureurs préfèrent abandonner. En regardant ces images, on a tous une pensée émue pour Patrick Feignier, l'un de nos cadreurs, qui vit des moments extrêmement difficiles. Patrick vient de perdre sa fille de 16 ans, qui a été touchée par un cancer foudroyant il y a quelques jours. On pense très très fort à lui cet après-midi, toute l'équipe de France Télévisions. Joseba Bellocchi, ouais, Bellocchi toujours en difficulté à l'arrière du peloton, loin derrière. 4 minutes, plus de 4 minutes du peloton, non, je crois que c'est fini pour Bellocchi. S'il continue, il aura énormément de mal à arriver dans les délais, dans des voitures le double, il va rester tout seul dans la campagne. Il aurait pu s'arrêter en catimini, loin derrière, pour l'instant il ne le fait pas. C'est ça l'orgueil du champion. Oui, on aime aller au bout sur le tour quand on n'est pas malade, quand on n'est pas blessé. Même si l'on n'est pas à la fête, on aime aller au bout parce qu'il faut savoir aussi accepter la défaite. On dit souvent les coureurs rêvent d'arriver à Paris. Vous savez, des fois on a du mal à se trouver une motivation. Pourquoi j'ai été jusqu'à Paris, j'ai galéré pendant 10 jours. Mais c'est bien de savoir finir aussi dans l'anonymat, c'est bien de connaître la souffrance. On apprécie encore davantage les victoires et les bonnes sensations par la suite. C'est des moments qu'il faut savoir vivre aussi. C'est dur là quand on est sur la route et dans le peloton et qu'on aperçoit, il n'y a pas d'issue là, il faut grimper. Hein. Il n'y a pas. À droite ça grimpe, au bout ça grimpe très fort et sur le côté gauche aussi. On ne peut pas musarder là. Hein. À moins de connaître quelqu'un qui a une maison dans le coin, s'arrêter, se reposer un petit peu, faire une sieste ici à l'ombre, non. Franchement là il n'y a pas trop d'issue. Et les coureurs de CSC maintenant ont pris les choses en main. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ivan Basso commence peut-être à craindre pour sa troisième place. Ben oui, les CSC, il n'y a personne devant. Hein. Ils ont raté la bonne échappée. Hein. Avec l'équipe de Lance Armstrong qui lève le pied, qui laisse filer. Et un écart qui est supérieur à 19 minutes, eh bien, on commence à se dire, attention, Incapi, on va l'avoir par les pattes ensuite. Maintenant, il n'y a plus de grosses étapes de montagne. Il reste bien celle de Mourinxpo, mais il n'y a que Marie Blanc et l'Obisque. Ouais. Bon, enfin, Incapi loin de l'arrivée. Hein, ouais. Incapi ou Pereiro ou Oscar Sevilla sont tout à fait capables de passer ce col. Ils ne devraient pas être à la dérive dans ce type d'ascension. Et ça deviendrait directement des coureurs inquiétants pour une place sur le podium, pour un garçon comme Ivan Basso. Et Pereiro qui fait une bonne opération hein, pour l'instant, 19 minutes d'avance sur le peloton. Et 19 minutes d'avance, ben, ça le ferait revenir si les choses en restaient là, à la hauteur d'Ulrich et de Lepheimer au classement général, dans les 5 premiers. Hein. Bien sûr. Pas mal, c'est bien joué pour l'instant. C'est pour ça que Basso roule, parce qu'il commence à craindre pour sa place. Et si cet écart monte au-delà des 20 minutes, il risque d'avoir un client supplémentaire à battre plus tard, dans le dernier contre-la-montre ou... Il n'y aura plus beaucoup d'occasions ensuite de distancer les coureurs qui ont déjà. Enfin, qui sont des concurrents. En tout cas, c'est fort dommage quand on a un petit peu d'avance sur certains de les laisser revenir dans le jeu. Et c'est bien souvent ce que l'on voit dans la dernière semaine. Les coureurs campent sur leur position, ils défendent plutôt que d'attaquer. C'est bien joué de la part de Pereiro hein, qui s'était fait oublier hier. Et les coureurs sont à Fosse, situé sur un plateau rocheux, avec son pont de bois que l'on a aperçu tout à l'heure. Et ici, c'est. Cette église qui s'appelle Saint-Pierre aux Liens. C'est une église assez classique des Pyrénées, mais à l'intérieur, il existe un tableau attribué à Le Sieur, une Pietà de bois du XVIe siècle. Est-ce qu'on a retrouvé les motos ? On va peut-être aller. On a retrouvé Jean-René. Eh bien, nous allons voir Jean-René, puisqu'il a la bonne fortune d'être derrière les hommes de tête. À vous, Jean-René. Oui, effectivement, derrière ce groupe de tête où plusieurs coureurs sont en train de se faire ravitailler, il fait chaud hein, sur la route du Tour, mais je le répète, moins chaud que ce n'était le cas hier. Les coureurs qui vont bientôt quitter l'Espagne, sortir d'Espagne et qui vont attaquer, nous venons à l'instant de passer devant le panneau indiquant le sommet du col du Portillon à 8 km, il y a très exactement 8 km 400 de montée à 7,3%, les 14 coureurs de tête donc qui attaquent cette ascension. On peut imaginer que dans cette ascension, comme
commenceront peut-être pour certains coureurs qui composent ce groupe et qui ne sont pas des grands grimpeurs. On peut imaginer que pour certains d'entre eux commenceront peut-être à se faire sentir des signes de lassitude. Nous allons avoir cette réponse dans les kilomètres qui viennent, avec toujours en tête de ce jeu de sapé un travail extrêmement régulier, comme je le souligne depuis le début, des trois coureurs de l'équipe Rabobank, Dekker, Krohn et Bougaert, qui, c'est une certitude, ont d'autres idées en tête dans la perspective notamment bien sûr de l'arrivée tout à l'heure à Salary-Soulan. Autre coureur qui mène régulièrement, il vient d'ailleurs de prendre la tête du groupe, c'est bien sûr Oscar Pereiro, qui pour l'instant, dans un classement provisoire, ferait bien sûr la grande opération de la journée au classement général. Et oui, effectivement, c'est ce que nous soulignions tout à l'heure. Donc l'ascension, c'est parti pour l'ascension du col du Portillon. Toujours 18 minutes 52, vous le voyez d'avance pour les hommes de tête. 8 km 400 d'ascension à plus de 7%, ça va faire mal. Et c'est vrai qu'on va tout de suite voir qui peut rester dans le groupe de tête. C'est vrai que certains sont étonnamment là. Hein. On voit Alan Davis, par exemple. Ouais, on l'attendait pas à la fête hein, aujourd'hui, lui. Il n'y a pas la bagarre encore. Non, il n'y a pas la bagarre. Ça roule vite, mais à un rythme régulier. Et les coureurs, lorsqu'ils sont échappés, font toujours un effort supplémentaire pour s'accrocher. Oscar Celia, maintenant, est en train d'emmener ce groupe. Ah, ça monte assez vite, mais il n'y a pas de changement de rythme. Il n'y a pas d'attaque pour désagréger ce groupe, pour le scinder en plusieurs parties. Donc, tout le monde arrive à peu près à suivre. Et c'est la 17e montée du col du Portillon. Je l'ai dit, la première c'était en 57 et les deux derniers à passer en tête au sommet du col du Portillon étaient Richard Virenc, c'était en 2003, et Laurent Jalabert en 2001. Nous sommes à 75 km de l'arrivée, on va faire une nouvelle pause. Respirez un grand coup car le final s'annonce particulièrement difficile. A tout de suite. Nouvelle Ford Mondeo, ces petits détails qui font toute la différence. Reprise Argus plus 4000 euros pour l'achat de la nouvelle Ford Mondeo. L'énergie de ce monde, nous sommes fiers d'être la vôtre. EDF. Imaginez, vous emmenez votre caméscope Samsung à la soirée entreprise. Avec votre lecteur MP3, vous en montrez les meilleurs moments à votre directeur. Vous obtenez une voiture de fonction. Vous les envoyez au patron, vous obtenez un vrai bureau. Vous montrez au directeur général les couleurs, le son. Il vous charge de la région Méditerranée. Puis un jour, le PDG vous dit « J'espère que vous apporterez votre caméscope à la prochaine soirée » et vous répondez « Avec plaisir ». Avec la technologie et le design Samsung, il suffit d'imaginer. La route du Tour de France en direct, c'est aujourd'hui la 15e étape entre Les Attes-sur-l'Aise et Salary-Soulan, Plat d'Adet, dans les Pyrénées. 205 km à travers l'Ariège, la Haute-Garonne, l'Espagne, le peloton qui rentre en Espagne d'ailleurs, et les Hautes-Pyrénées, c'est sans doute l'étape la plus dure du Tour de France. 14 hommes en tête et derrière le peloton qui est emmené par l'équipe CSC qui a raté le bon wagon. Il n'y a pas de CSC dans l'échappée et ils vont essayer de rentrer, mais ça va être dur hein, parce que 18 minutes 23 encore. Oui, je pense que le tempo est assuré maintenant pour essayer de réduire sur une portion favorable. Puisque ils sont maintenant dans une vallée, le peloton est en train d'essayer de réduire l'écart. Mais je pense que pour le revenir, ce sera pratiquement impossible. Il y a quand même des très bons grimpeurs dans ce groupe de tête. On pense à Pereiro, Celia, Coccioli, Georgine Capi qui grimpe bien aussi, Michael Bogert, autant de coureurs qui peuvent remporter l'étape aujourd'hui. Et donc logiquement, cette échappée doit aller au bout. L'un d'entre eux va l'emporter très certainement. On va assister, c'est sûr, à deux courses, un petit peu comme hier. À l'avant pour le gain de l'étape et à l'arrière peut-être pour essayer une nouvelle fois d'attaquer le maillot jaune.
et de distribuer les places d'honneur. Et pour l'instant, les CSEC roulent parce que, tout simplement, Incapi et Pereiro, avec 19 minutes pratiquement d'avance maintenant sur le peloton, deviennent des clients dangereux. Ils seraient en train de se glisser dans les 10 premiers du classement général et viendraient inquiéter peut-être les plans d'Ivan Basso. Les hommes de tête avec toujours plus de 18 minutes d'avance à 6 km à peu près du sommet du col du Portillon. Et derrière, le peloton, Laurent le disait à l'instant, le peloton a accéléré, Thierry. Ah oui, c'est très net. Alors je vais donner une réponse que je ne pouvais pas donner tout à l'heure à Laurent parce que l'on m'avait coupé le micro. Non, c'est des problèmes techniques avec l'Espagne. Non, vous êtes trop loin, évidemment. Vous savez, on va expliquer aux téléspectateurs. Il y a une dizaine de kilomètres entre vous et la moto qui est devant. Et là, on avait des petits problèmes techniques, ce sont des difficultés qui arrivent. Hein. Mais là, ça y est, on vous a retrouvé, va bien. Oui, ça me permet de faire un petit clin d'œil à Phil qui gère entre l'avion et tout. Et je peux vous dire, je sais pas comment il fait. Hein. Ça, il a un nom prédestiné parce que Phil, pour tous les fils qu'il y a, même si c'est du virtuel. Bon, alors revenons à la course avec un peloton qui a un vent favorable de 3/4 d'eau qui vient de la gauche. Et un peloton qui, là, est à près de 60 km/h alors que Ivan Basso vient de crever sur la droite de la route. Alors ça, c'est un moment important parce que le peloton était emmené par l'équipe CSC au grand complet. On était à 60 km/h à l'entrée du village de Ponto et quand soudain Ivan Basso vient de crever de la roue arrière attendu par Kurt Halvorsen et Bobby Julic, le coureur italien qui va remonter là sur son vélo à droite de la route, dépanné par Bjarne Riis, poussé par son mécano et qui reprend maintenant sa marche en avant, mais ça va désorganiser quelque peu le peloton qui était en file indienne, un coureur l'un derrière l'autre, il n'y avait plus personne qui s'amusait là, c'était du 60 km/h et ça allait très très vite, mais maintenant les CSC doivent attendre le retour Ivan Basso, que Bobby Julic et Kurt Halvorsen attendent maintenant à leur tour. Ils rentrent dans la voiture de la Quick-Step. Un petit mot pour vous dire quand même l'admiration que vous avez légèrement donnée tout à l'heure. C'est vrai, l'admiration pour Joseba Bellocchi. Bellocchi qui tout à l'heure était en perdition, quasiment à l'arrêt, qui est allé en haut de montée et puis qui dans la descente a essayé de se refaire un peu une santé. Il est perdu sur les routes d'Espagne, malheureusement, près de chez lui. Il a retrouvé Backsted, Kretschkens et Herrero, un espagnol avec qui il va pouvoir discuter. Est-ce que les quatre vont pouvoir revenir? Pour l'instant, l'écart est au-delà des 5 minutes. Hein. Et puis, j'ai rattrapé encore coureurs attardés qui ne sont plus dans le peloton. Menchoff, l'allemand Beck des îles Baléares, Axel Merckx, victime d'une crevaison, Robert, le sprinter de la Gerolsteiner, et Nuridinov, le coureur ukrainien de l'équipe Domina Vacanze. Alors que pour l'instant, Ivan Basso est toujours dans les voitures des directeurs sportifs. Il est à hauteur de la voiture de John Lelang et de Juan Fernandez, l'équipe Fonac. Et le peloton du coup occupe toute la largeur de la route, voilà, donc nouveau visage là pour l'instant, mais dans quelques instants, dans quelques mètres, Ivan Basso va revenir en discussion là avec Bjarne Riis. Ivan Basso qui s'arrête à la voiture de Bjarne Riis, donc le peloton va mettre autant de temps encore à reprendre sa marche Merci. En avant et à reprendre son rythme. Merci Thierry, il se passe des choses devant. Éric Decker vient d'être décramponné. Jean-René Godard. Oui, effectivement, et en fait, ce qui se passe maintenant est la conséquence logique de ce dont nous parlons tout à l'heure, à savoir que trois coureurs de l'équipe Rabobank, Éric Decker, donc Carsten Krohn et Michael Bogert, figuraient dans le groupe des 14 coureurs, et l'on sait que Michael Bogert est particulièrement à l'aise sur ce type de parcours, et Éric Decker a effectué tout à l'heure dans ce groupe de 14 un très très gros travail en faveur donc de Michael Bogert, et en prenant résolument la tête, que ce soit dans l'ascension ou dans les descentes que nous avions effectuées jusqu'à présent. Et là, Éric Decker paie ses efforts, il s'est sacrifié, c'est clair, c'est net, c'est incontestable, et c'est aussi très très bien, il s'est sacrifié, Éric Decker, au profit de Michael Bogert, que les coureurs de la Rabobank espèrent placer aujourd'hui dans des conditions idéales, avant bien évidemment d'aborder tout à l'heure en fin d'étape la montée vers Salary. Merci, un peu plus de 18 minutes, 18 minutes 14 toujours d'avance, et on a vu que Carsten Krohn maintenant va se dévouer pour Michael Bogart, c'est lui qui a pris à son compte le train. Vous avez vu le petit geste C'était quoi, là, de Carsten Krohn qui montrait le brassard de la Fondation et D'accord. Fabio Casartelli et qui faisait le petit geste qui montrait du doigt vers sa tête, d'un air de dire Fabio, on n'oublie pas. Fabio qui est dans la tête de tous les coureurs, de tous les coureurs depuis ce matin. Et c'est l'occasion de penser à tous ceux qui ont perdu la vie malheureusement sur un vélo. En course, c'est des passionnés, on est tous des passionnés, vous savez, quand on fait ce sport, et
Et on est tous à la merci des mêmes dangers, et bien évidemment, on ne reste pas insensible. Mais vous êtes conscient du danger, on n'a pas l'impression, quand on vous voit descendre hein, à 80 ou 85 km/h, on n'a pas l'impression, vous êtes des grands professionnels, mais on a l'impression que vous n'êtes pas conscient du danger. Il y a une certaine conscience, bien sûr qu'on est conscient du danger, on est tout à fait conscient que la protection pour un cycliste, elle est pratiquement inexistante. Le port du casque aujourd'hui permet de protéger la tête. Mais... en cas de chute, évidemment, les conséquences peuvent être dramatiques, ça on le sait pertinemment, mais il faut éviter d'y penser, évidemment. C'est vrai que les cyclistes ont une assez bonne maîtrise, ils sont pris dans le feu de l'action, ils font les choses avec automatisme, je dirais, sans vraiment penser aux risques qu'ils encourent. Heureusement, sinon on ne se lève plus le matin. Et c'est la fatalité, malheureusement. Mais on sait que tous au fond de nous-mêmes, on est à la merci d'une péripétie comme ça. Ce qui est arrivé à Kibilev, c'est arrivé en plein milieu du peloton. Il y avait des collègues à côté de lui qui l'ont vu tomber et ça aurait pu lui arriver de la même manière. Voilà, il a pris un trou, il est tombé, il est mal tombé. Ça peut arriver à n'importe qui. J'ai suivi des descentes avec Eddy Merckx notamment. Il y avait Axel qui était devant et Eddy me disait « Moi j'ai beaucoup plus peur en voiture que je n'avais peur sur le vélo. » Mais parce que quand on a du recul ensuite, on voit le danger différemment. Lorsqu'on est dans l'action, on ne se rend pas vraiment compte que l'on est encore en danger. On a l'impression de maîtriser ce que l'on fait. Et l'on maîtrise d'ailleurs ce que l'on fait. Mais effectivement, on est à la merci de certains dangers. Une crevaison, une sortie de route et les conséquences peuvent être dramatiques. Lorsque l'on est dans une voiture, comme nous sommes derrière un écran de télévision, on a beaucoup de recul. Et on tremble pour eux parce qu'on a l'impression vraiment qu'ils encourent des dangers énormes. Et le stade... Notre stade aux cyclistes, c'est la route. Mmh. Et la route, vous voyez, sur les bas côtés, il y a d'un côté un rail, de l'autre côté des rochers, donc il ne faut pas faire d'erreur. À Starlozza, qui commence lui aussi à donner des signes de fatigue et qui vient d'être lâché du peloton de tête. Donc ils ne sont plus que 12 en tête, puisque Mikel Starlozza, l'espagnol de l'équipage E2R, donne lui aussi des signes de fatigue et de lassitude. Jean-René Godard. Oui, effectivement, en fait, se passe ce que nous pressentions tout à l'heure au début de l'ascension du col de Portillon, c'est-à-dire que cet échappé commence à laisser des traces dans les organismes. Il y a quelques instants, c'est Eric Decker qui était décroché, nous l'expliquions il y a un moment, parce que Eric Decker a énormément travaillé pour faciliter la progression dans cet échappé de Michael Boogert. Donc Eric Decker décroché. Maintenant, c'est Astarloza qui vient donc de lâcher prise. Et Jérôme Pinault aussi, hein, regardez, juste au-dessus. Voilà Jérôme Pinault, effectivement, il est juste devant nous. Il est 23 trentaine de mètres devant nous, Jérôme Pinault. Et il vient donc lui aussi d'être décroché. Il était certain que cette ascension du col de Portillon allait commencer à provoquer des dégâts dans ce groupe de 14, qui est un groupe bien sûr extrêmement nombreux. Il était certain qu'il y allait avoir des dégâts. Et voilà, nous en avons actuellement l'illustration. Desquer, Alastaloza et Pinault ont donc été pour l'instant lâchés de ce groupe d'échappés. Et Bertoliatti qui s'accroche, mais qui va avoir du mal à tenir, Rubens Bertoliatti. Hein. Bon, c'est pas sa spécialité vraiment, mais est toujours sous l'impulsion des Rabobank et de Carsten Krohn. Ah, il imprime un train soutenu. Hein. Ah, les Rabobank qui font la course pour Boogert. Regardez. Et pour Fabio aussi. Hein. Toujours, hein, il le dit, il le redit. Et c'est vrai que ça compte pour un coureur cycliste, vous le disiez tout à l'heure, avec Carsten beaucoup d'émotion. Krohn l'a peut-être pas connu du tout, mais on sait qu'on est embarqué de la même manière, que ça peut arriver à n'importe qui. Donc ce côté-là, c'est pour ça aussi que les cyclistes, même en course, même s'ils sont concurrents, se signalent les dangers. Il y a bien sûr sur le Tour de France des drapeaux jaunes pour signaler le moindre danger, mais entre eux, dès qu'ils voient quelque chose d'anormal qui pourrait être préjudiciable au coureur qui arrive derrière, eh bien ils n'oublient pas de le signaler. Oscar Pereiro, il a l'air bien lui. Hein. Ah, il est sur son terrain quand même, hein, oui, Pereiro oui. Qui hier a été un peu en retrait. Aujourd'hui, dans la bonne échappée, il va faire une bonne opération, quoi qu'il arrive. Il se sent bien, il court devant. Mais pour l'instant, c'est les coureurs de la Rabobank qui font la course. Ils font la course pour Boogert, qui doit se sentir évidemment lui aussi très bien. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'explications à apporter. Si Boogert n'était pas dans un grand jour, on ne voit pas pourquoi les Rabobank mettraient autant d'énergie à essayer de creuser l'écart. Alors devant, les CSC sont venus. Hein, ils ont pris à leur compte le train devant les Discovery Channel. Alors que Basso a crevé tout à l'heure, oh là là, oui, c'est ce qu'on disait, Bertoliatti, c'est dur, hein, ça a craqué d'un seul coup. Et oui, le rythme est trop élevé pour Bertoliatti, regardez, il s'en va quand même déjà très loin. Et bon, il faut essayer de limiter les dégâts jusqu'au sommet, peut-être revenir dans la descente, mais vous voyez, derrière, ça revient, ils vont pouvoir former un petit groupe à trois, Jérôme Pinault, Astarloza et Bertoliatti, mais enfin,
Il y a Descaires qui doit être derrière aussi. Descaires qui est encore un petit peu plus loin, peut-être à 4, mais après la descente du Portillon, ils seront directement au pied du Pays-Ressourde. Maintenant, les montées et les descentes s'enchaînent. Et s'ils sont lâchés maintenant, et bien même s'ils reviennent, je pense qu'ils vont à nouveau se faire lâcher dans le col du Pays-Ressourde ensuite. Allez, on se faufile, regardez. Et Bertolini n'est pas bien non plus. Il commence à regarder derrière. Oula, c'est mauvais signe. C'est pas très bon signe. Mais il garde le contact quand même, Bertolini. Et Laurent Brochard qui est toujours là. Pinot s'est fait lâcher tout à l'heure et lui il s'accroche, Bertolini. Jean-René, on aperçoit Nicolas Sarkozy sur la course. On sait qu'il aime le vélo, mais il est là en tant que ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Jean-René Godard. Oui, en fait, Henri, je pense que Nicolas Sarkozy est là aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, bien évidemment, car il est ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et on sait qu'il y a 30 000 gendarmes et policiers qui contribuent au bon déroulement du Tour de France, et c'est bien sûr une belle occasion pour lui de leur rendre hommage. Mais il est là aussi, Nicolas Sarkozy, parce que chaque jour, eh bien, il est avec nous sur France 2 pour suivre le Tour de France. Alors nous allons nous approcher de lui et lui demander, en fait, tout simplement, eh bien, son sentiment comme amateur de Tour de France. Alors, monsieur le ministre, vous suivez le Tour très régulièrement, on peut le dire. Ça fait des années depuis que je suis enfant. Chaque année, je viens sur le Tour. Aujourd'hui, c'est pour rendre hommage, bien sûr, policiers et gendarmes qui assurent la sécurité du Tour, à Jean-Marie Leblanc et à toute l'organisation, à Christian Prudhomme. Et puis c'est un régal parce que la France est magnifique et le spectacle est extraordinaire. Alors, depuis le début de ce Tour de France, bon, il y a eu des étapes énormes, l'étape de Courchevel par exemple, l'étape d'hier. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, vous vraiment qui suivez fidèlement l'actualité cycliste? Je trouve qu'Armstrong, pour son 7e Tour de France, on dit que c'est le dernier, mais je trouve qu'il a une fraîcheur dans sa mentalité, dans sa volonté de gagner, qui est absolument exceptionnelle. Puis j'étais content pour mon coutier. Et vous allez, bien sûr, bon, vous êtes avec nous aujourd'hui, vous allez continuer la semaine prochaine à suivre les derniers jours du Tour. Je ne peux pas trop le dire, mais enfin, je regarde les étapes sur France Télévisions. Je suis très heureux des audiences, mais j'y contribue parce que, franchement, je ne peux pas voir toute l'après-midi, mais les arrivées, j'en loupe aucune. Merci beaucoup, merci et bonne étape. Ben merci monsieur le ministre, il est comme des millions de téléspectateurs, il fait grimper l'audience et c'est vrai qu'on ne va pas faire de cocorico excessif, mais c'est vrai qu'on en est à plus de 60, allez, près de 70% de part de marché, c'est-à-dire que 7 téléspectateurs sur 10 regardent France Télévisions au moins dans la dernière heure du Tour de France. Chapeau, on n'est pas loin des records, ça fait plaisir et ça montre que la France de juillet aime le cyclisme. Il n'y a pas que la France de juillet d'ailleurs qui aime le cyclisme. Ça montre que le cyclisme est un sport populaire. Tout à fait. Et que, évidemment, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment. Les images sont belles, la course est disputée. Vous savez ce que disait notre ami Antoine Blondin? Il disait le Tour de France constitue l'une des plus magnifiques, l'un des voyages les plus magnifiques, un des voyages organisés et les plus magnifiques dont on puisse rêver. C'est vrai que pour nous, c'est un voyage organisé. Hein, c'est un vrai voyage tous les jours. C'est la France telle qu'on peut la découvrir vue du ciel, avec de l'émotion, avec de la passion, avec de l'enthousiasme. Et on va passer à Luchon tout à l'heure, et là il disait, parti du bas Luchon, on se fait la valise. Elle est bonne. Et ensuite pour le col de Père Sourde, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Elle est bonne aussi. Elle est très bonne aussi. Thierry Adam à l'arrière. En forme aujourd'hui. Hein. Là on plaisante, mais derrière c'est dur. Hein. Ah oui, il y en a qu'un qui fait qui doit être sérieux, c'est moi parce que notre ami Polo. Polo est dans un grand jour. Polo est dans un grand jour. Ah, il se révèle dans la montagne et dans les Pyrénées. Il a tellement donné pour l'image du cyclisme et tellement donné au cyclisme. Et je n'oublierai jamais qu'il était avant moi sur cette moto. Donc je ne peux que m'incliner devant mon maître S Moto, ça va de soi. Merci, donc merci. Je ne dirai rien sur les égarements de Jean-Paul Olivier aujourd'hui, que toute la France nous envie. Je le prendrai bien sûr comme professeur pour mes enfants bientôt d'histoire géographie. Sérieusement, Tombac est en train de lâcher prise du moulin en état. On vient de passer le panneau, col du Portillon, sommet, 8 km, Forster aussi. Tous ceux qu'on avait déjà vus, mais il y a des nouveaux qui viennent de revenir dans le petit groupetto, dans ce groupetto là. Il y a Thomas Vauclair en difficulté, je vous l'ai dit, Vanotti, Robbie McEwen, il y a Krivko qui est là, Wouters qui est là, Van Sevenant, Bradley McGee, Baden Cook aussi, Fred Rodriguez qui est là et qui accompagne Matthew White, la face à Bortolo avec Christophe, il y a le petit Francis Mouret qui est là, Krzysztof qu'on avait vu beaucoup hier, les coureurs de la Gerolsteiner aussi, Sanchez et Laurent Lefebvre. C'est le premier groupetto lâché par le peloton qui monte à
allure très rapide cette ascension du Portillon. 17 minutes 20 secondes, le peloton a repris une minute à peu près aux hommes de tête. 17 minutes 20 secondes d'avance pour les hommes de tête par rapport au peloton. Et le peloton qui fait le forcing, hein. Vraiment là le rythme, c'est plus celui d'un tempo, c'est plus celui que l'on imprime pour maintenir un écart. Là il y a vraiment une volonté de la part des coureurs de CSC de réduire cet écart maintenant. Hein. D'essayer de faire en sorte que les Incapi, Pereiro ou autres Sevilla ne rentrent pas dans les 10 premiers du classement général ce soir. Très bien s'ils remportent l'étape, mais surtout venez pas nous embêter pour la lutte pour le podium. Vous avez c'est vu certainement ce que doit se dire Ivan Basso. Eh oui, tout à fait. Vous avez eu Garzelli derrière. Alors Garzelli qui avait fait une belle étape hier. Hein. Oui, qui fait l'addition aujourd'hui. Hein. Ouais. Hier échappé à la lutte avec Jörg Tochnig qui a... Brillamment remporté, il a très bien résisté au retour des mobilettes. Ans, hein. À 34 ans, un des vétérans du peloton, on n'est pas vieux à 34 ans, mais c'est superbe. Superbe ce qu'il a fait hier. Et Garzelli, lui, il s'est accroché, mais il a été repris, distancé ensuite. Et finalement, il aura laissé beaucoup de force. Sevilla devant est en train de souffrir également. Hein. Un kilomètre du sommet avec Oscar Sevilla et les autres, tout au moins ceux qui restent. Ils sont encore 5 ou 6 et à l'arrière, ça souffre et Moncoutier est en difficulté, Thierry. Oui, David Moncoutier lâché par le peloton. Sangel là vient de crever, le coureur slovaque de l'équipe Lampre. David Moncoutier vient d'être lâché là par le peloton qui monte vraiment à allure impressionnante. Stéphane Auger, Philippe Gilbert aussi viennent d'être lâchés. Je pense que là j'ai déjà remonté quasiment entre 40 et 50 coureurs en difficulté parce que le peloton sous l'impulsion effectivement des deux coureurs de la CSC suivi par deux coureurs de Discovery Channel puis le maillot jaune, puis tous les favoris du tour, eh bien le peloton a vraiment accéléré dans cette ascension du Portillon et on perd, on ne cesse de perdre des éléments, d'autant qu'il fait chaud dans cette ascension. Et donc Stefano Garzelli qui a complètement lâché prise et là maintenant c'est le maillot vert de Tourouchov qui s'est accroché mais qui est à son tour en train de perdre pied à l'arrière du peloton. Encore 16 minutes 50 d'avance pour les hommes de tête. Vous nous parliez de David Moncoutier en difficulté à l'arrière. David ne se faisait pas d'illusions ce matin, on va l'écouter. Épuisante avec la chaleur, c'est la deuxième semaine, je connais bien l'étape, il y a 6 cols difficiles, donc là je pense que c'est l'étape la plus dure aujourd'hui et ça va être le plus fort qui va gagner, là il n'y a pas de tactique je pense. C'est vraiment chacun pour soi aujourd'hui? Ouais je pense que c'est chacun pour soi, derrière ça va être dur et devant il va falloir encore avoir des réserves pour aller chercher la victoire et pour le maillot jaune, Armstrong je pense qu'il voudrait bien gagner pour son dernier tour donc... Là, c'est sûr, ça va être le plus fort. Et vous, entre devant et derrière, vous vous situez au milieu? Ouais, c'est vrai qu'hier, j'ai fait grouper tôt vite, donc dans l'espoir aujourd'hui de pouvoir partir dans une échappée. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien faire une étape devant en montagne, donc on va voir aujourd'hui. C'est compliqué quand même, hein? Ouais, c'est compliqué, il suffit de prendre le bon wagon au départ, mais après, c'est vrai que je préfère des fois garder des forces pour des étapes de transition. Oui, David qui n'a pas pris effectivement le bon wagon. Armstrong le plus fort, disait-il, Armstrong qui peut gagner. Ça semble difficile car les 10 hommes de tête, puisqu'ils ne sont plus que 10 en tête, eh bien, les 10 hommes de tête à 68 km de l'arrivée comptent toujours 16 minutes, un peu plus de 16 minutes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Alors derrière ça souffle, ça sont les poursuivants avec Jérôme Pinault hein, qui s'est fait lâcher tout à l'heure, avec Rubensberg, Bertolt Galti, oui c'est lui qui est là aussi, lâché. Lâché, irrémédiablement lâché dans l'ascension et dans le final du col du Portillon. Oh, il y a Brochard qui donne des signes de... Ah non, qui ouais, donne des signes de lassitude. Jean-René Godard, vous êtes juste derrière lui. Oui, effectivement, c'est Bertolini qui vient d'être décroché et en dernière position de ce groupe de tête, Brochard, Laurent est en train de s'accrocher alors que le groupe passe au sommet du col du Portillon. Troisième difficulté de la journée, les hommes... Il reste 9 dans le groupe de tête à bord de maintenant donc la descente du Portillon. Bertolini, je vous l'ai dit, a été le dernier coureur décroché. Pour l'instant, début de descente où tout le monde se met en place, se désaltère, voire éventuellement glisse sous son maillot quelque chose pour se protéger, pour ne surtout pas prendre de froid. Ce n'est pas le moment de choper une bronchite à une semaine de l'arrivée du tour. Et la descente que nous commençons avec un scénario similaire à ce que nous avons vécu tout à l'heure, à savoir les coureurs de la Rabobank, Carsten Krohn et Michael Bogert, qui se sont placés en tête du groupe de tête. Alors on rappelle brièvement la composition de ce groupe de tête, hein, pour ceux qui nous rejoignent
sur France 2 cet après-midi. Il y a là le lieutenant de Lance Armstrong, George Hincapie. Il y a Oscar Sevilla, il y a Michael Bogart et Carsten Krohn, les deux néerlandais de la Rabobank. Il y a Oscar Pereiro, l'espagnol de la FNAC. Il y a Alan Davis, l'australien, Liberty Siguros. Il y a Pietro Coccioli et Laurent Brochard, un peu derrière. Bertolini, Camagno et Bertoliatti, de même que Jérôme Pinot. Alors, dans le fond, c'est une bonne journée aussi pour le porteur du maillot à pois, Michael Rasmussen, lui. Très bonne opération pour lui. C'est une superbe opération pour lui. Hein. Oui, parce qu'il aurait pu craindre, si dans ses échappées, un coureur comme Botero ou Christophe Moreau s'était glissé, et il aurait pu craindre de perdre son maillot aujourd'hui ou de voir ces coureurs-là remonter et venir l'ennuyer ensuite pour le gain du maillot à Paris. Et là, il y a des équipiers qui, à chaque passage de col, viennent ramasser les points. Il y avait quand même pas moins de 110 points aujourd'hui d'attribuer aux différents passages de col. Et donc, sans faire un seul effort, il va conserver son maillot à pois, Rasmussen. Et ce sont ses équipiers qui vont venir se replacer directement, pratiquement derrière lui, qui vont peut-être même se rapprocher, voire dépasser Botero ou Christophe Moreau. Le dernier écart, ça ne bouge pas, 16 minutes 29 d'avance pour les hommes de tête. Les trois poursuivants sont à 1 minute 30. Comme quoi, il y a eu des écarts sur le sommet du col du Portillon, qui est un col roulant mais difficile. C'est monté vite devant, ça monte vite derrière aussi. On a vu pas mal de coureurs lâcher. Vous avez parlé de Moncoutier. Moncoutier qui, comme tous les coureurs, n'aime pas avoir mal aux jambes. Quand il a mal aux jambes, il se relève. Et quand on le voit devant, vous pouvez en déduire qu'il n'a pas mal aux jambes. L'autre jour, je pense qu'elle ne lui faisait pas très mal, en tout cas au début. Mais je suis certain qu'il a une idée derrière la tête, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, il a les capacités de suivre le peloton, mais il n'a pas envie de puiser dans ses réserves. Il doit avoir une petite idée derrière la tête, David Moncoutier. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie dans les jours qui viennent à l'offensive à nouveau. Un membre, pourquoi pas, hein ? Ne trahissons pas le secret. C'est encore difficile le tour jusqu'à Paris. Hein. Ouais, attention, l'étape Morinxpo est une étape exigeante, avec le Marie Blanc, l'Obisque et le Soulon. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a ensuite l'étape de Mende qui est difficile, il y a l'étape du Puy-en-Velay qui est loin d'être facile. Donc il y a quand même encore de quoi faire. Et il faut avoir de l'énergie. Et Moncoutier a compris qu'il valait mieux garder un petit peu des forces que de courir après tout, et tous les jours de dilapider ses forces à tort et à travers. A noter que c'est la première fois qu'un Hollandais passe au sommet du col du Portillon. Vous en êtes sûr ? Oui, je vais vérifier. Enfin, je vais vérifier dans la tête. Il a vérifié dans la tête. C'est un ordinateur. Je pense que c'est un ordinateur. Bon. Il y a eu des Français, il y a eu des Belges, il y a eu des Espagnols, bien sûr. Il y a eu de l'ordre. Allez, on va profiter d'un petit moment de répit puisqu'on descend là, et on ne fait pas de partie de manivelle. Vous pouvez nous envoyer des SMS au 63002. Tiens, j'ai une question pour vous, Jean-Paul. Question de Geneviève de Fontenay Sous-Bois. Sous-Bois. Ah, il a eu peur. Que d'émotion. J'ai pas eu peur. De Fontenay Sous-Bois. Sous le chapeau. Elle sera sur la 17e étape. Non, sérieux là. Elle demande s'il y aura une abbaye cistercienne sur cette étape. Sur laquelle ? Sur la 17e étape. Sur la 17e étape. Je vous laisse un quart d'heure pour trouver quand même, non ? Là, il n'est pas sûr. Il y aura beaucoup. Sûrement. Oh, ouais, sans doute. Oui, il y a le pays des Bastides, mais je n'ai pas d'abbaye cistercienne. Aux grandes dames d'ailleurs de Daniel Bulalian, qui les aime toutes. Eh oui. Et Geneviève aussi, manifestement. Hein. On passera le canal du Midi. Non, je ne vois pas d'abbaye cistercienne ce jour-là. Mais on finit par l'abbaye école de Sorèze aussi. Bon, quand même, donc là, bon. Mais enfin, il n'y a rien sur la 17e. C'était une abbaye bénédictine, mais c'est dans la 17e étape. Hein. Ah bon, c'est dans la 17e. Eh ben voilà. Mais ça n'est pas une abbaye cistercienne, abbaye bénédictine, de fondation royale carolingienne d'ailleurs. Ben, on se contentera d'une abbaye bénédictine. Une autre question, Vinokourov, champion du Kazakhstan. Combien y a-t-il de coureurs au Kazakhstan et combien y en a-t-il de coureurs du Kazakhstan dans le peloton? C'est Fred de Gauchy qui nous demande ça. Alors là, on a regardé un petit peu. Dans le tour, il y en avait trois au départ du tour. Ouais. On connaît Vinokourov, Kachechkin. Rivko, notamment. Rivko. Voilà. Je peux vous dire aussi qu'il y a trois coureurs ukrainiens. Popovic, Gustav Kutsov et Onchar, je crois. Onchar est peut-être ukrainien. Onchar est ukrainien. Il y a un estonien qui est Tombak et il y a un ouzbek. L'ouzbek, le nom de l'ouzbek, vous l'avez le nom de l'ouzbek? Pardonnez-nous, je reviens sur le kazakh. Ah. C'est pas Grishko le troisième. Ah, c'est pas Grishko. C'est Iglinski. C'est pas facile à dire. Comment vous Iglinski, le domine à vacances, qui porte le dossard 186. Maxime. D'accord. On l'appellera Maxime s'il attaque. D'accord. Il est d'ailleurs pas mal classé. Iglinski, c'est un jeune coureur, il a moins de 25 ans.
Et il est d'ailleurs pas mal classé au classement du maillot blanc, puisqu'il occupe la troisième position, à 27 minutes quand même, de Yaroslav Popovic. Bon, là j'ai une question difficile. Y a-t-il dans le peloton des coureurs insomniaques? C'est Jean-Paul de Marseille qui nous pose la question. Et si oui, comment font-ils pour bien dormir? On ne peut pas tout savoir hein, quand même. Non, c'est pas. Mais... non. Non, mais c'est la suite de la question qui est importante. Les insomniaques, est-ce qu'ils peuvent prendre quelque chose pour essayer de dormir? Oui, il y en a partout des insomniaques. Il y en a certainement dans le peloton aussi. Ah, pas chez nous. Mais là, avec, à mon avis, les doses d'efforts qui fournissent chaque jour, à mon avis, il ne va pas avoir beaucoup de mal à trouver le sommeil le soir. Hein. Bon, Thierry, qui n'a pas de mal à trouver le sommeil, qui ne s'endort pas sur la moto, qui est à l'arrière du peloton. Thierry. Ouais, c'est difficile, là. Le groupe est resté compact avec environ le peloton 80 coureurs et nouvelle accélération. La fin du col du Portillon est difficile et de nouveau un groupe en train de lâcher prise, une trentaine de coureurs là, à l'image de Thierry Maréchal. Alors j'essaye de voir si... c'est marrant, il y a Tourouchov qui arrive à s'accrocher à tout ça. Mais là ça commence à se mettre en danseuse, c'est donc que ça accélère et là... Le peloton va se couper en deux, oui, le peloton se coupe en deux. Et parmi les lâchés, il y a Santiago Botero qui est à hauteur de Tourouchov, qui n'a pas très bien récupéré Santi Botero qui s'arrose le visage là à l'instant même. Patrice Algan aussi qui est en train de lâcher prise. Ouais, une cinquantaine de coureurs dans un peloton coupé en deux pour l'instant sur cette nouvelle accélération de l'équipe CSC, de deux coureurs de l'équipe CSC, de deux coéquipiers d'Ivan Basso. J'ai l'impression, Laurent, que l'on va retrouver la même configuration qu'hier, hein, dans la dernière ascension. Ils vont être 3, 4, 5 ou 6 peut-être, allez, avec autour d'Armstrong. Tout dépend de la suite des opérations. Hein. La dernière fois que nous avions fait cette étape, et d'ailleurs ce qui m'avait à moi fait perdre la course, c'était l'offensive des télécoms à l'époque, hein, qui avait attaqué derrière, avec Ulrich, avec Vinokourov notamment. On se souvient de la chute d'Ulrich d'ailleurs dans la descente du col du Pays Ressourde. S'il y a des offensives dans le Pays Ressourde, bon, ils seront peut-être moins nombreux dans ce groupe maillot jaune. Mais pour l'instant, tant que ce sont les équipiers d'Ivan Basso qui mènent le train, ensuite peut-être ceux de Lance Armstrong, nous risquons d'avoir un rythme certes élevé mais soutenu et qui devrait permettre aux plus fringants de pouvoir suivre et d'avoir un peloton maillot jaune un peu plus compact au pied de la dernière ascension. Nouvel abandon, un coureur d'Euskaltel vient d'abandonner, Herrero je crois. Herrero d'Euskaltel, l'équipe Euskaltel, décidément qui n'est pas à la fête, alors que l'on voit énormément de supporters de l'équipe basque là, et bien Herrero. C'est pas celui qui a le bon goal, hein, Herrero. Ah non, c'est pas le rugbyman, tiens on le salue, hein, parce que je sais qu'il aime les efforts, il aime le vélo. Toujours un bon client en télévision, notre ami Herrero, le Toulonnais. Il parle bien, il a le sens de la formule, hein, comme vous dites. Thierry, le Picard, Thierry Adam, derrière le peloton. Oui, alors que Tochnig est lâché, l'homme qui a remporté son étape hier est en train normalement et logiquement de payer ses efforts. Sandy Cazard aussi lâché, Sylvain Chavanel lâché là à l'instant même avec Didier Rousse dans sa roue qui dit à Sylvain, attends-moi, on va faire ça tous les deux. Ils sont en difficulté parce que le peloton est véritablement en accélération. Côté de Lance Armstrong, on a perdu Benjamin Noval et logiquement Pavel Padernos. Du côté de Jan Ulrich, on vient de perdre Steinhauser et Schreck. Je vous confirme que Santi Botero a fait l'effort pour revenir. Côté Euskaltel-Euskadi dans une étape qui leur était quand même un peu promise, en tout cas où il devait se montrer. On vient de perdre Inigo Landaluz qui vient d'être distancé à son tour par le peloton. Là c'est Thomas Lundqvist, le coureur de la Française des Jeux qui est en train d'être lâché. Le peloton qui n'est plus maintenant composé que d'une quarantaine de coureurs. Et on vient de voir Fabian Cancellara qui fait l'élastique. Hein. Il est dans le dur lui aussi. Ascension difficile, sous le soleil, on ne le répétera jamais assez, hein, depuis tout à l'heure, près de 30 degrés au soleil. Hein. Tochnik qui n'est pas bien aujourd'hui, mais c'est normal, hier il a été puisé loin hein, dans ses réserves, dans ses tripes pour aller conserver moins d'une minute, mais c'était largement suffisant pour remporter cette étape. On était pris par les actions à l'arrière, on n'a peut-être pas assez parlé de l'exploit de Tochnik. Bel exploit. Beaucoup d'émotions à son arrivée. Ah, il a tout donné, hein. Il était dans un état à l'arrivée, on l'a vu, il s'est allongé sur le sol, mais il est allé la chercher cette victoire et c'était très généreux parce que vous souvenez, à 2 km de l'arrivée, on s'est dit il va peut-être pas aller au bout, hein. Armstrong va peut-être revenir. Il y a un sacré contraste justement entre des coureurs qui sont dans le peloton comme ça, comme Tochnik depuis de nombreuses années, déjà plus de 10 ans de carrière et qui n'avait encore jamais remporté la moindre étape sur le Tour de France. On a vu quand même hier que ça restait quelque chose de tellement important que
l'émotion l'envahit tout d'un coup. Et il y a un contraste avec ceux qui sont habitués aux honneurs, au podium, comme Lance Armstrong ensuite, qui quelquefois a même du mal à décrocher un petit sourire. Tellement pour lui ça devient naturel maintenant, c'est grisant. Vous l'avez dit hier Jean-Paul, il a plus de 60 jours en jaune. Donc pour lui c'est vraiment le podium, ça fait partie des formalités du jour. Et il y en a certains qui en rêvent. Alors que le peloton, enfin les hommes de tête rentrent à Luchon, c'est ça? Oui, ils sont sur les allées d'Étigny, ces célèbres allées d'Étigny. Le baron d'Étigny a contribué à la célébrité de la ville. Il en a vanté les charmes. Et Luchon qui a été à 49 reprises, ville arrivée d'étape du Tour de France. La dernière fois c'était en 98. Et puis alors on va parler aussi des arrivées célèbres à Luchon. Robic en 53, un homme qui vous est cher. Oui, il y en a beaucoup, hein, vous savez. Ici c'est l'étape par exemple Cotteray-Luchon, gagnée effectivement par Jean Robic. Il montait l'Obis, le Tourmalet. Au sommet du Tourmalet, Robic qui porte le maillot vert est passé en tête devant le Breton Jean Le Guilly. Louison Bobet suit là. Et il passe ensuite tout seul en tête du col d'Aspin. Et il passera Persourde et remporte la victoire ici à Luchon. Et paradoxalement, c'est le premier maillot jaune de son histoire. Puisque quand il a gagné en 1947, il a porté le maillot jaune, le tour était terminé. Hein. Il a pris la dernière étape. Et là, c'était son premier maillot jaune. Premier maillot jaune de Jean Robic. Allez, on profite du passage à Luchon pour faire un petit signe amical à l'ami Manu, un fan de cyclisme. On vient de passer juste devant chez lui. Et les CSC en tête du peloton. Le peloton qui accuse toujours un retard de 16 minutes, 16 minutes 10 au dernier pointage, 16 minutes 10, ça revient, mais enfin ils ont repris 2 minutes en 30 km, bon c'est pas mal, mais on est à 57 km de l'arrivée maintenant. Oui c'est bien, mais l'écart reste important encore, hein. On a vu Gobert, on a vu Pereiro notamment, ou Incapi, n'a pas donné le moindre coup de pédale pour l'instant. C'est selon l'expression, bien sûr, il pédale pour monter. Mais ouais. Popovic en porteur d'eau. Oui, Popovic qui fait son rôle d'équipier. Et j'entends par là, quand je dis qu'ils n'ont pas donné le moindre coup de pédale, c'est qu'ils n'ont pas encore. Ouais. Ils ne sont pas passés à l'action, ils n'ont pas vraiment collaboré dans cette échappée de façon très efficace. Je pense qu'il va y avoir une explication entre les meilleurs ensuite. Déjà sur le Peyresourde, Valouron très certainement, et après sur l'arrivée finale. Mais voilà déjà donc l'ascension du Peyresourde, la sortie. Thierry Adam à l'arrière du peloton avec des dégâts, toujours des dégâts, et un peloton qui devient peloton peau de chagrin. Hein. Oui, peloton moins de 40 unités, peloton à 1 km du sommet, et là on a eu quelques petits soucis, enfin en tout cas les coureurs ont eu des soucis parce qu'ils voulaient absolument tous prendre de l'eau. Botero s'est même un petit peu énervé à la hauteur de Jean-François Pécheux parce qu'il voulait voir en la recherche de l'eau, alors que là il y a eu une chute sur le côté, c'est Savoldelli qui vient de tomber là à l'instant même sur le côté droit de la route. Il y avait une barrière de sécurité, une racine qui dépassait, et Savoldelli est tombé sur le côté. Heureusement il y avait un ravin, heureusement qu'il y avait la barrière de sécurité, il a pu s'appuyer dessus et tout de suite reparti poussé par son mécano. Le vainqueur du Tour d'Italie du Giro en train de revenir dans le peloton. Vous avez vu tout à l'heure effectivement Popovic qui a réussi à revenir à la hauteur de Johan Brunel. C'était la première voiture à être revenue parce qu'il a fallu doubler l'ensemble des coureurs à Parvet, et donc eh bien on manquait d'eau un petit peu. Il fait très très chaud et les coureurs ont très très soif, et là le peloton va sans doute profiter du dernier kilomètre avant l'ascension pour venir chercher des bidons à hauteur des directeurs sportifs. Ah, on a assisté tout à l'heure au retour de Salvoldelli, c'est vrai que ça allait vite, hein. Il est rentré très très vite, il n'a pas perdu une seconde, hein. Bien aidé par le mécanicien certes, mais propulsé après, hein. Oui, mais ça fait du bien, hein, quand le mécanicien change la roue, déjà ça permet de reprendre un petit peu le souffle, de refaire descendre un petit peu les pulsations. Et ensuite, lorsqu'il repart pour vous pousser, mécano est sous pression. Hein, lorsqu'il vient de changer la roue, lui, il est sous pression. C'est vraiment le match, c'est l'action, un petit peu comme en Formule 1, il ne faut pas perdre de temps. Hein. Bon, ça n'a pas une importance aussi capitale que la Formule 1, quoique quelquefois, ça peut faire perdre ou gagner une course aussi. Mais le bon coup de poussette du mécano là fait énormément de bien, et ça permet surtout de retrouver rapidement la vitesse de croisière. Ah, il l'a remis sur orbite immédiatement, hein. Bien propulsé, un bon lanceur. Bertolini qui va rejoindre le groupe de tête. Ouais, Bertolini qui attend peut-être un petit peu de ravitaillement, un bidon. Le groupe des poursuivants qui plafonne à 1 minute 10 et qui ne rentrera pas. Il ne rentrera pas, il va perdre encore du temps dans cette ascension maintenant. Ce groupe composé de Decker notamment, de Starloza, mais aussi de Jérôme Pinault. On se rapproche du sommet de la troisième difficulté de la journée.
Alan Davis qui commence à piocher un peu, mais qui est toujours là. Et Carsten Krohn qui continue, qui fait admirablement son travail, j'allais dire, d'équipier pour Michael Bogaert. Bogaert qui amène un braquet beaucoup plus important. On sent qu'il a de la force, hein, les jambes, Bogaert. On le sent très motivé, très concentré sur l'effort, prêt à bondir. Je pense que si Carsten Krohn venait à coincer, je verrais bien Bogaert essayer d'attaquer. Il y a maintenant plus que 7 ascensions, le Val Louron derrière et puis l'ascension finale sur Saint-Lary-Soulan. Je dis plus que, parce qu'il n'y a plus de vallée en fait. Et donc monter, descendre, quand on est bon grimpeur, quand on est bien, mais Bogaert le sait, c'est pas forcément un handicap. Et avec une avance supérieure au quart d'heure, il y a vraiment des possibilités de victoire. Et il va falloir dans un deuxième temps, puisque la première action était d'éloigner le peloton au maximum, dans un deuxième temps maintenant essayer de distancer pour Bogaert les Laurent Brochard, les Camagno, les Pereiro, Coccioli, les bons grimpeurs quand même, qui vont s'accrocher, hein, ils ne vont pas s'en laisser compter, ils vont essayer de saisir l'opportunité aussi. À l'arrière, il y a des petits Français qui s'accrochent et qui rentrent, Thierry Adam. Oui, la décélération du peloton là dans le dernier kilomètre pour récupérer des bidons avant la descente a permis à beaucoup de coureurs, une quinzaine, de revenir. Parmi eux, il y avait Cédric Vasseur, Sandy Cazard, il y avait là Sylvain Chavanel, il y avait là aussi Teuchnig, et là c'est Nicolas Jalabert qui est en train de revenir dans la descente, dans les voitures, ça n'est pas facile. Tourouchoft aussi va tenter de revenir juste derrière lui. Voilà le peloton qui va sans doute récupérer une bonne trentaine de coureurs dans cette descente du Portillon. Les hommes de tête à 55 km de l'arrivée, c'est la 15e étape, belle étape avec du suspense, des offensives, des exploits. Voici quelques secondes de pause, histoire de souffler un peu. A tout de suite. Des lecteurs DVD à gagner. Téléphonez au 3213 et dites gagner. Et une nouvelle fois, la route du Tour de France en direct, c'est aujourd'hui la 15e étape entre Les Attes-sur-Lèze et Salary-Soulan, Plat d'Adet. 205 km 500 à travers l'Ariège, la Haute-Garonne, petite incursion en Espagne dans la province de Lérida et les Hautes-Pyrénées. C'est assurément l'étape la plus dure du Tour de France, 54 km de l'arrivée. Et toujours quelques coursiers en tête avec notamment les Rabobank. Les Rabobank emmenés, vous le voyez, par Carsten Krohn. Et aussi par Michael Bogaert. Bogaert qui est assurément l'un des favoris de cette étape. 16 minutes, plus de 16 minutes d'avance pour les hommes de tête. Dans ce groupe de tête, il y a également Georgin Capi, il y a Oscar Sevilla, il y a Laurent Brochard, Bertolini, Camagno et Alan Davis. Coccioli était là aussi tout à l'heure. Derrière les hommes de tête, on va tout de suite retrouver Jean-René Godard. Oui, effectivement, les hommes de tête qui ont abordé depuis environ 2 km maintenant l'ascension du col de Peyressourde, quatrième difficulté de la journée. Le panneau indique placé sur la droite, comptant pour le classement des meilleurs grimpeurs, indiquait très précisément 13 km d'ascension à 7% de pente moyenne, ce qui veut dire que ce col de Peyressourde n'est pas facile, d'autant plus qu'il intervient en quatrième difficulté de la journée et avant bien sûr les deux dernières difficultés, notamment la dernière qui nous mèneront à Saint-Lary. Il faut noter que dans ce groupe de tête, Carsten Krohn, groupe de tête qui est en train d'ailleurs d'exploser littéralement sur ce forcing effectué par les Hollandais. Carsten Krohn a mené tout le début de l'ascension de Peyressourde et il vient à l'instant de rendre les armes à Carsten Krohn. Carsten Krohn qui vient d'être décroché, tout comme Alan Davis et tout comme le 282 de l'équipe Domina Vacanze, c'est-à-dire Bertolini. Carsten Krohn qui véritablement aura effectué un super boulot aujourd'hui en faveur de Michael Bogaert. Alors d'autres coureurs sont en train d'être décrochés du groupe de tête. Laurent Brochard notamment, qui vient de perdre quelques longueurs et qui, au courage, à son rythme, va essayer de raccrocher groupe de tête emmené par Oscar Pereiro. Oscar Pereiro de la formation Fonac, qui, comme Michael Bogaert, est l'un des hommes les plus intéressés par cette échappée. Pereiro dans la perspective d'un bond au classement général, et Michael Bogaert, bien sûr,
dans la perspective éventuelle d'une victoire d'étape. Autre coureur qui vient de décrocher, il s'agit de Camano de l'équipe Euskaltel qui porte de sa 192 et qui vient à son tour. Il a complètement baissé la fermeture éclair de son maillot. Il vient lui aussi d'être décroché et c'est Michael Bogert et Oscar Pereiro qui maintenant assure le rythme en tête d'un groupe de tête qui ne comprend plus que 6 coureurs. Avec Laurent Brochard qui éprouve quelques difficultés mais qui s'accroche. On en profite pour saluer Carsten Krohn qui a fait un boulot extraordinaire tout au long de cette matinée pour l'équipe Rabobank. Je vous rappelle qu'il s'était imposé lors de la 8e étape du Tour de France en 2002. C'était le 14 juillet à Plouay en réglant au sprint un groupe de 6 coureurs. Il y avait là Knaven, Decker, déjà Eric Decker, Renier, Hino, Auger et Belochkovic. Bravo à Carsten Krohn qui a effectivement là baissé pavillon parce qu'il a fait énormément de travail en tête de la course, comme l'avait fait d'ailleurs Decker tout à l'heure. Brochard qui s'accroche et Brochard qui connaît bien aussi cet endroit et il a certainement aussi en mémoire sa victoire le 14 juillet à Loudun-Vienne. Il descendait le Val-Louron, mais enfin il fallait monter de l'autre côté quand même. Et Laurent Brochard était revenu dans la descente, avait contre-attaqué. Il était allé cueillir une belle victoire le 14 juillet. Il va y passer tout à l'heure, tout près. Ça ne manquera pas de lui rappeler le bon souvenir. Alors, on a souvent dit que c'est une étape très difficile. On va quand même peut-être expliquer pourquoi. Il n'y a pas moins de 6 cols, donc on ne compte pas bien sûr les petites côtes, les faux plats et toutes les parties ascendantes. Mais si l'on fait simplement le cumul du dénivelé positif sur l'ensemble des 6 cols, eh bien on arrive à un cumul de 4 mm. Voilà. Pas 4 mal. Mm d'ascension positive aujourd'hui. C'est très, très important, c'est une grosse étape de montagne. Ici on rajoute évidemment toutes les petites bosses qui ne sont pas répertoriées, tous les faux plats. Les 80 premiers kilomètres étaient en faux plat, hein, Laurent, voilà, faut le rappeler. Toutes les parties légèrement montantes mais qui se cumulent aussi parce que c'est des efforts. Il faut toujours appuyer sur les pédales pour faire avancer la machine. On arrive à un dénivelé positif qui avoisine les 5 mm aujourd'hui. Donc vraiment une très grosse étape de montagne. Et c'est pour ça que dans les derniers cols, on a souvent... ça peut donner lieu souvent à des grosses défaillances. Brochard, toujours là, vous l'avez vu aux côtés de George Hincapie, le coéquipier de Lance Armstrong. Brochard, qui nous avait dit ce matin, pour être dans le coup, il faut être devant. Eh bien, c'est gagné. Laurent Brochard. C'est vrai qu'hier, bon, ils ont essayé. Ils sont bien aperçus que bon, bah, Lance est quand même bien présent. Aujourd'hui, est-ce que déjà, on vient récupérer aussi? Est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de vouloir le faire sauter, ça je sais pas du tout. Et vous dans cette affaire aujourd'hui, vous voyez ça comment? Ouais, nous je crois qu'on reste un petit peu toujours sur la même optique, c'est essayer de provoquer les coups, d'aller dans une échappée pour éventuellement qu'elle aille au bout. Bon c'est vrai qu'il faudra être très fort malgré tout parce que bon il y a quand même beaucoup de cols à passer et je crois qu'il va falloir vraiment s'économiser dans cette étape, ouais. Enfin si on est devant. Aujourd'hui a priori la chaleur est pas trop là, ça c'est quand même un avantage. Oui, enfin bon, on va voir un petit peu dans quelques heures parce que bon, hier c'était un petit peu la même chose au départ et en fait ça s'est bien décanté après et ça a été très très chaud. Donc on verra. Mais c'est sûr que si ça reste comme ça, ce sera plus avantageux pour nous. Eh bien pour l'instant c'est bien joué. Regardez Laurent Brochard qui dès ce matin disait vaut mieux être devant. On va souffrir, c'est sûr, il va faire chaud, mais il est devant, mission accomplie. Hein. Ah, l'effort. Oui, avec courage et il est là. Les cols, il faut les monter devant ou derrière de toute façon, mais quand on est devant, on a un truc en plus, c'est le moral. Voilà. Et quand on est derrière, on subit la course, on se sent pas bien, et puis surtout on craint d'être hors délai, et bien sûr on préfère être devant. Alors, bien sûr, beaucoup essaient de prendre la bonne échappée, tous n'ont pas la chance d'y arriver, mais il faut au moins essayer pour avoir une chance d'y arriver. Et Laurent, on connaît son tempérament offensif, et comme tous ceux qui composent donc ce groupe de tête, il a dû y aller une fois ou une autre avant de pouvoir espérer prendre la bonne. Ah, il a de sérieux clients avec lui, je vous rappelle la composition du groupe de tête, ils sont 6 en tête. George Hincapie, Oscar Sevilla, Michael Bogart, qui est pour beaucoup l'un des favoris de cette étape, Oscar Pereiro, de retour aujourd'hui après s'être un peu planqué entre guillemets hier, Pietro Coccioli du Crédit Agricole et Laurent Brochard. Iker Camagno a été distancé tout à l'heure. On trouve un peu plus loin deux autres poursuivants, Alan Davis et Alessandro Bertolini. Carsten Krohn qui a fait un gros travail, un gros boulot pour ses équipiers de la Rabobank tout à l'heure. Et nettement derrière, distancé. Quant au peloton, eh bien le peloton revient, mais lentement. Hein. Il est encore à plus de 16 minutes. 16 minutes derrière, donc Thierry Adam sur la moto. Oui, un peloton qui a descendu cette ascension, qui a descendu cette descente.
c'est logique d'ailleurs, ouais. De façon assez prudente, sans aller chercher le risque, sans vouloir aller au-dessus et au-delà des vitesses autorisées ou sans prendre de risque. Et ça a permis à beaucoup de coureurs, une trentaine, hein, de revenir à l'image là, à l'instant même de Tour Ruchoft qui a réussi à rentrer avec son maillot vert. Et j'ai vu Patrice Algan aussi par exemple rentrer. Beaucoup de coureurs sont rentrés. Le peloton doit être maintenant composé d'une centaine d'éléments. Et là on est dans Saint-Mamet, donc le peloton est sur une partie un petit peu plate et c'est rare aujourd'hui. Et effectivement le peloton vient de se rallonger un petit peu, mais tous les directeurs sportifs viennent à l'arrière pour donner des bidons, pour donner de l'eau fraîche, parce que beaucoup de coureurs souffrent de déshydratation et ont besoin de respirer un petit peu et surtout de boire beaucoup d'eau. Alors on a fait des petits comptes, là le peloton il a en gros 8 à 9 km, hein, près de 9 km de retard sur les hommes de tête. 9 km ça fait beaucoup. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais, 9 km. C'est quand même pas mal, non, c'est énorme bien sûr, et ça représente pratiquement Val-d'Oron, quoi, l'ascension de Val-d'Oron. Et oui. Bon, c'est 9 km là dans la descente, dans l'ascension de Val-d'Oron, ça représentera moins, hein, 16 oui. minutes, ça représente moins que ça. C'est 9 km de descente bien sûr d'avance. Alors qu'est-ce qui va se passer devant là? Qu'est-ce qui va se passer devant? Il y en a un qui va partir, il y en a un ou deux qui vont partir dans la prochaine ascension. Ou alors qu'est-ce qui... On a le col de Peyresourde. Ça n'arrête pas de monter, hein, très vallonné aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il y a le col du Val-d'Oron d'Azette, et puis il y a l'ascension finale. Tactiquement, que va faire Bogaert, par tactiquement, exemple? Il est tout seul maintenant, la présence d'Incapi dans ce groupe est un élément perturbateur quand même pour les autres concurrents qui composent cette échappée. Bon, bien sûr, Incapi ne roule pas, parce que ses équipiers derrière protègent le maillot jaune. Lui, il est devant, et il protège le maillot jaune également, et il fait un rapproché au général, sans avoir vraiment à travailler, donc c'est une belle opération pour lui, mais sa présence dans ce groupe de tête est en train de déstabiliser un petit peu le groupe. Ceux qui vont travailler énormément s'exposent peut-être à avoir une capi dans le final, si l'occasion se présente, aller les attaquer et aller chercher la victoire d'étape. Il ne va pas s'en priver s'il en a les moyens. Donc moi je pense que si j'étais dans le groupe, j'essaierais de partir. Le peloton qui rentre dans Luchon. Oui, ils sont entrés dans Luchon, ils sont à la sortie des allées d'Étigny, ils vont attaquer tout de suite le col de Peyresourde, venez d'apercevoir l'église de l'Assomption. Alors il faut vous dire quand même, en apercevant Luchon, que c'est une très belle station thermale, et les eaux proviennent de 80 sources de la montagne du Superbagnères, et elles sortent à des températures qui varient de 18 à 66 degrés. Elles sont sulfurées, elles sont sodiques, elles sont radioactives, et elles sont surtout préconisées dans le traitement des rhumatismes et des affections de la gorge ou des voies respiratoires, ce qui explique d'ailleurs la fréquentation assidue de la station par des comédiens et des chanteurs. Mais pas par des coureurs qui n'ont jamais de rhumatisme, ou très peu. Pas à cet âge-là, mais plus tard, certainement, ils en auront comme tout le monde. De vieux coureurs cyclistes perclus de rhumatisme. Ouais. J'ai recru des phrases. Ça reçoit. On s'entend venir le froid éternel. Le squelette, il reçoit, hein, les fractures, oui. les efforts répétés, évidemment. Ça vieillit mal, un cycliste. Hein. Ah oui, ouais, oh. Ça dépend, hein. Les anciens vont m'en vouloir. Ah ouais. On en a vu d'ailleurs sur le tour qui sont très très bien conservés. On a vu à Saint-Florder l'autre jour, très fringant. Fringant à Saint-Florder. À 75 ans. Roger, formidable, on en redemande. Et il a toujours le verbe haut, hein, et tout. Hein. De la conviction, hein, de la passion et de l'enthousiasme chez lui. Hein. Mais de la passion, il y en a aussi chez Laurent Brochard. Hein. Et du talent aussi, dans la roue d'Oscar Sevilla, de Michael Bogaert. Ils sont en tête, ces hommes-là. Oscar Pereiro également. Et devant, Cochioli, vraisemblablement, qu'on n'a pas aperçu, mais que l'on va voir tout à l'heure. Alors 16 minutes d'avance pour ces 5 coureurs. Peut-être pour finir de compléter ma réponse à votre question tout à l'heure, je vais vous dire que si j'étais Pereiro ou Bogaert, j'essaierai d'attaquer, mais je ne le ferai pas de suite. Je le ferai peut-être simplement sur les pentes de Val-d'Oron, qui sont peut-être un peu plus prononcées, parce que la distance est moins longue jusqu'à la ligne d'arrivée. Un coureur qui s'en va dans Val-d'Oron, ça veut dire qu'il est plus frais que les autres, il a toutes les chances d'éviter leur retour. D'accord, mais regardez Incapi comme il a l'air bien. Ah, il est bien, oui. Voilà, mais il est dans les roues. Il gère l'effort, il est dans les roues. Bon, là, ça pas, il n'a pas vraiment d'avantage d'être dans les roues. Il n'y a pas d'effet d'aspiration ici, puisque nous sommes en montée. Mais on sent bien qu'il a encore, des jambes, Incapi, qu'il a encore des réserves et qu'il est loin d'être cuit. Et qu'ils auront peut-être du mal à le larguer. Et derrière, il y a Alessandro Bertolini qui a un peu mal aux vertèbres. Hein. Quand on fait ça avec la tête, c'est quoi les vertèbres, c'est Ricam? Un peu? Ouais, c'est qu'ils ont tellement tordu le cou, le pauvre, hein. Il est en train de se secouer la tête là pour essayer de se détendre un petit peu. Oui. Non, je dis ça parce qu'on voit souvent Armstrong faire ce genre de geste.
Ouais, vous savez, la position peut expliquer ce geste, parce que les coureurs sont donc avec les mains en haut du guidon, la tête un petit peu relevée, le poids du casque, bon, même si les casques sont très légers aujourd'hui, à la longue, ça demande un petit effort au niveau de la nuque, voilà, on tient la position, il y a une certaine tension également, davantage sur les étapes de plaine, hein. Il y a une certaine tension au niveau des épaules et des muscles du cou, donc et quelquefois on a besoin un petit peu de faire quelques mouvements parce que c'est une partie qui est assez figée et on a besoin de se détendre, mais enfin certains n'éprouvent aucune difficulté, aucune douleur à cet endroit-là. Florent Ouzo qui est avec nous en régie et qui nous parle constamment dans l'oreille et qui est plein d'humour me dit c'est pour se remettre les idées en place. Aussi, peut, ouais, pour aussi, secouer aussi. Un peu la cervelle. Quoi. Ouais, ouais, et... temps pour secouer les cocotiers. Hein. Mais il tord le cou, mais à la légende. Et là ça rigole moins, là, hein. Là ça va vite, maintenant tête du peloton avec Carlos Sastre et puis la présence dans sa roue d'un coéquipier de Jan Ulrich, Mathias Kessler qui est en train de prendre position à l'avant. Est-ce que les T-Mobile vont faire comme hier? Est-ce qu'ils vont accélérer à nouveau le rythme? Ça va tellement vite qu'Iban Mayo, pardonnez-moi, vient de se faire lâcher derrière. Oui, là ça a l'air de monter très très vite, hein, pour l'instant, très vite. Trois lâchés, trois pointures derrière, Maillot, Chavanel et Heras, distancé. Allez, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ils sont plus qu'une vingtaine pour l'instant, en Philandienne. Ah, tous les costauds sont là. Mais là, c'est plus un tempo, là. Là, on a accéléré sérieusement le rythme. Et c'est Discovery Channel là, qui mène le bal. Hein. Non, il y en a d'autres devant. Toujours Sastre, Mathias Kessler pour les T-Mobile qui a besoin de trouver un petit peu d'oxygène. Ça monte vite là, Carlos Sastre est en train de faire vraiment le forcing. Azevedo lui a l'air facile. Coureur portugais, équipier de Lance Armstrong. Et ils sont encore 4 autour de Lance Armstrong, les équipiers de Discovery Channel, à pouvoir tout à l'heure si petit problème, l'accompagner, travailler à ses côtés. On l'a vu hier temporiser un peu, essayer d'attendre au moment où il était attaqué, d'attendre le regroupement de ses troupes. Ça n'est pas venu et ensuite lui-même a décidé de partir tout seul à l'assaut, de lui livrer des adversaires, essayer de les contenir et d'imposer son autorité. Il est parfaitement parvenu et il a surtout imposé le respect et la crainte maintenant chez ses adversaires. Mais là j'ai l'impression que ça s'anime quand même. Ça bouge, mais il dispose d'équipiers alors qu'hier il se retrouvait complètement isolé, complètement esselé en tête de la course, derrière Tochnik bien sûr. Il y a un petit groupe d'attardés là avec Goubert et Chalanel notamment. Et Kessler qui a pris le relais de Sastre, voilà, les CSC et les T-Mobile qui roulent de concert. Alors, ils sont pas nombreux les équipiers à pouvoir se relayer en tête, mais ils sont là. Et Kessler, lui, il en a assez là. Il a dit bon ça suffit, un petit relais et au revoir les gars, je vais derrière. Ah c'était efficace quand même. Alors les T-Mobile qui disaient ce matin, on n'est pas déçus, nous notre but c'était d'isoler Armstrong, mission réussie hier, ils ont bien isolé Armstrong, la suite c'était de le déstabiliser et ça n'a pas marché. Hein. Non ça n'a pas marché parce qu'il a fait preuve d'un sang-froid énorme, hein, sang-froid à toute épreuve justement. Il a parfaitement bien maîtrisé la situation, là où d'autres peut-être auraient douté, auraient commis quelques erreurs. Bah, lui il a analysé un petit peu. Le potentiel physique de ses adversaires, il les a laissés un petit peu s'entretuer entre eux, s'attaquer, se neutraliser finalement, et quand il l'a souhaité, il est revenu à l'avant. Et sa seule présence dans le quatuor de tête, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il les a repris, a suffi à leur faire comprendre qu'il était bien, et que s'ils avaient envie d'attaquer, peut-être ils allaient s'exposer à un contre. Ça les a calmés en fait un petit peu, quoi, hein. Et Armstrong a fait preuve d'une grande maîtrise, quoi, hein. Il maîtrise tout. Ulrich lâché dans le dernier kilomètre hier, c'était dur, surtout psychologiquement. Hein. Alors, quelque part, c'est un petit affront quand même. Hein. Les T-Mobile ont essayé de le déstabiliser, donc il faut quand même souligner ce mérite-là. Ils sont pas nombreux à avoir réussi à isoler Armstrong. Et l'équipe T-Mobile hier a parfaitement réussi son opération. Ensuite, elle a peut-être manqué un petit peu d'inspiration, certainement aussi de fraîcheur pour pouvoir parachever le travail. Si Armstrong avait été dans un mauvais jour, eh bien le travail n'était pas si mauvais, mais il était malheureusement pour les autres, pour tous ses concurrents, et notamment pour les T-Mobile, il était très bien, Lance Armstrong. Il est toujours resté serein, il ne s'est jamais affolé.
Mais dans le dernier kilomètre, effectivement, dans les deux derniers kilomètres, lorsqu'il l'a décidé, il a mis un petit coup d'accélérateur. Certains parlent d'humiliation pour Ulrich, c'est peut-être peut-être un peu fort, mais c'est, je pense que c'était pas non plus innocent de la part de Lance Armstrong. Une petite accélération pour lui montrer qu'il en avait encore sous la pédale et pour leur expliquer et peut-être leur montrer que s'il avait envie d'attaquer, ben lui il pouvait répondre. Rasmussen est là, on l'a vu Christophe Moreau également. On a vu Alexandre Vinokourov. Salvodelli qui n'est pas bien, hein, qui est revenu en dernière position du groupe et qui va s'accrocher peut-être, mais si ça continue de monter aussi vite, il aura peut-être du mal. Paolo Salvodelli, 200 numéro 9. Chris Horner juste devant, Cadel Evans. Il faut lire au passage Christophe Moreau qui est mieux qu'hier et qui occupe ici qui occupe une belle position dans ce groupe. Il est mieux qu'hier pour l'instant, Christophe Moreau. Il a connu une mauvaise journée. Alors là, l'équipe Crédit Agricole hier a sacrifié André Kacheskin, qui était un moment avec Alexandre Vinokourov en train de rentrer dans le groupe Rasmussen. Et on lui a dit, tu attends Christophe Moreau. Voilà, on lui a demandé d'attendre son leader. Bon, ça peut sembler logique, mais à la fois, il a perdu pas moins de 3 minutes dans l'histoire. C'est dur pour lui par parce la même que occasion, peut-être une belle opportunité pour le maillot blanc. Hein, il l'aurait certainement sur les épaules aujourd'hui et puis peut-être une belle opportunité de le ramener à Paris. Ça nous verrons plus tard. Moi, je pense que Kacheskin a les moyens de remporter le maillot blanc. Alors, Christophe Moreau sera très certainement le meilleur Français du Tour de France. Quant à Torushov, il est toujours en course pour le maillot vert. Pour l'équipe Crédit Agricole qui réussit pas mal dans ce Tour de France, il manque une victoire d'étape. Mais hier, ça a été un peu discuté, cette attitude d'arrêter Kacheskin alors qu'il allait endosser le maillot blanc. Pour éviter à Christophe Moreau d'être emprunt dans la solitude et peut-être de se laisser aller. C'est jouable encore, vous le disiez à l'instant, Popovic est toujours en tête. Et Kacheskin est deuxième à 2,56 derrière. Iglinski de la Nomina Vacanze dont on parlait tout à l'heure est à 27 minutes 25. Donc effectivement, le maillot du meilleur jeune, à savoir moins de 25 ans, va se jouer entre Popovic et Kacheskin, le coureur du Crédit Agricole. On va écouter Patrice Algan ce matin, il s'attendait à une étape difficile. C'est vrai que ça va faire mal, surtout avec la journée d'hier, on pensait pas que ça allait être si dur et en fin de compte on a vu que ça faisait très mal. Et bah, j'espère qu'aujourd'hui on va avoir récupéré et c'est vrai que ça va faire mal. Hein. Vous avez pris un coup moral au Crédit Agricole après on va dire la contre-performance de Christophe Moreau? Non, pas spécialement, bon, c'est la course, c'est vrai que bon, il a tout tenté, il n'y a absolument rien à regretter et on a, je dirais que l'équipe a fait le maximum, lui aussi. Donc à partir de là, c'est bon et bon, ouais, le tour n'est pas fini. C'est une étape pour vous aujourd'hui, en tout cas qui peut vous correspondre. Après, c'est long. Ouais, c'est long, c'est très dur et j'espère que les gens en tout cas seront meilleurs qu'hier. C'est vrai que j'étais pas super, donc j'espère que ça va aller et bon, essayer de pouvoir accompagner les meilleurs le plus longtemps possible et pourquoi pas prendre l'échappée du début. L'objectif, c'est d'accrocher le wagon de devant. On sait qui est devant. L'objectif, c'est ça. Oui, puis pourquoi pas essayer de devancer un peu et faire comme, pourquoi pas, comme Touching hier. Et on verra ça. Ils sont 22, on les a comptés dans le groupe Armstrong. Il y a la Savoldelli qui s'accrochait tout à l'heure. Il y a Armstrong, bien sûr, il y a Acevedo, il y a Popovic, il y a Rubiera, il y a Ulrich, il y a Clodden, il y a Vinokourov, il y a Basso, il y a Yashke, il y a Mancebo. Cadel Evans, on le disait, il y a Rasmussen, bien sûr, le porteur du maillot à poids, il y a Floyd Landis, il y a Horner, il y a Piepoli, il y a Contador, ne l'oublions pas, il y a Moreau, Kacheskin, Mazzoleni et Levi Leipheimer. Voilà, j'espère qu'on n'en a pas oublié. Oui, je suis surpris par le rythme imposé par Carlos Astré, c'est pas tellement le tempo maintenant. Ça, depuis un petit moment, ça monte vite et il n'a plus d'équipier. Ivan Basso, il n'a plus que... Justement, Carlos Astré qui impose un rythme soutenu. Alors, ce que ça ne veut pas dire que Basso a une petite idée derrière la tête. Tout à l'heure, on pensait effectivement qu'il voulait éviter que des coureurs comme Pereiro ou Incapi reviennent dans les 10 premiers. Pour l'instant, ils sont quand même assez loin maintenant. Ils sont écartés. Ils ont toujours 14 minutes d'avance. Mais avec l'écart qui est leur pour l'instant, ils reviendraient aux alentours de la 10e position. Donc, ils ne représenteraient pas un danger imminent pour Ivan Basso. Mais l'attitude de Sastré me laisse à penser que Basso a peut-être une idée derrière la tête et que tout à l'heure, on risque de le voir attaquer. S'il veut être sur le podium, s'il veut essayer de déstabiliser Armstrong, mais aussi de faire second du tour, il a besoin d'attaquer Ivan Basso, il a besoin de larguer Michael Rasmussen, peut-être Jan Ulrich, il a besoin de prendre encore un petit peu d'avance dans cette étape de montagne. C'est peut-être une dernière opportunité pour lui à saisir
Et je crois qu'il a envie de le faire et l'attitude de sa stream laisse à penser qu'il va le faire. Il a de bonnes sensations, hein. il l'a dit aux confrères, mais il a immédiatement ajouté « Moi, je ne fais pas de plan, je cours au jour le jour ». Il y a peut-être une partie de bluff aussi là-dedans. Mais oui, bon. Il court au jour le jour, comme tous les coureurs du Tour, pratiquement. Oui. Certains ont des ambitions à long terme, ils prévoient des plans d'attaque sur des étapes bien précises. Enfin, on court au jour le jour, suivant les sensations, c'est une évidence, mais si lui n'a pas de plan, je pense que celui qui le suit dans la voiture, Bernerie, ça en a des plans. Et à mon avis, c'est lui qui donne les indications. Et c'est certainement lui qui a dû demander à Carlos Sastre d'accélérer le rythme, de faire monter le Peiro Sourde au maximum. Et ça a accéléré effectivement en tête du peloton, puisque le peloton n'a plus que un petit peu moins de 14 minutes de retard. C'est encore conséquent. 14 minutes de retard à 47 km de l'arrivée ici à Salary-Soulan, Pladadais. Armstrong bien calé dans la roue de Popovic, le maillot blanc du meilleur jeune. Visage creusé quand même, mais on l'aurait à moins. Basso derrière, Ulrich et Rasmussen. Ulrich a l'air mieux qu'Armstrong là, au niveau du visage, l'apparence comme ça me semble mieux qu'hier, en tout cas Yann Ulrich. C'est vrai que le col de Payère, le port de Payère était peut-être un peu trop pentu pour Yann Ulrich, qui n'aime pas trop ce style de col. Quand c'est un peu plus roulant, il apprécie davantage. Rasmussen qui a retrouvé un bon coup de pédale aussi lui. Hein. Lui aussi a l'air mieux qu'hier, effectivement. Ouais. Hier il a souffert. Ah, hier c'était court mais intense, le final était... Enfin court, l'étape était longue mais... l'offensive était courte et intense. Et Rasmussen a mal digéré le changement de rythme. Il a l'air un petit peu mieux aujourd'hui, effectivement. Lévi Lepaimer, qui est toujours là lui aussi. Pas très loin des premiers, Lévi Lepaimer. Hein. Lepaimer est cinquième au classement général à 4 minutes 45 de Lance Armstrong. Je vous rappelle le classement général. Lance Armstrong est toujours en tête avec le maillot jaune devant Rasmussen qui a perdu du temps. Il était à 38 secondes, il est maintenant à 1,41. Ivan Basso est troisième à 2,46. Yann Ulrich est quatrième à 4,34. Et Lévi Lepaimer, cinquième à 4,45. Ce ne sont pas de gros écarts. Hein. On a encore des sommets à passer et il peut encore se passer des choses. Il peut y avoir du suspense encore. C'est pas de gros écarts effectivement, mais vous savez, bien souvent quand les forces commencent à manquer, on essaie de préserver l'acquis. Et lorsque l'on commence à sentir la fatigue, je crois que là aujourd'hui la fatigue elle est présente bien chez tous les concurrents, même les meilleurs, hein, ben on essaie de préserver l'acquis. Ça se traite bien tellement de se faire lâcher. Enfin lâcher. En tout cas lâcher la première position. Et c'est Acevedo qui a repris les commandes, relayé par Rubiera, les équipiers de Lance Armstrong. On a vu merci, un grand merci France Télévisions vu du ciel. Ben c'est nous qui remercions les téléspectateurs. Hein. C'est vous qui battez des records tous les jours. Merci, très sincèrement. Et Christophe Moreau là qui est à la peine un peu derrière. Il est en train de perdre le contact à nouveau. Il se bat Christophe là pour essayer de garder les roues. Cadel Evans est lui aussi en difficulté. Et Carlos Sastre qui vient de se relever donc est maintenant lâché. Il a donné le maximum Sastre. L'écart est fait là maintenant avec les autres coureurs, tous ceux qui ont perdu, qui ont lâché prise, Paolo Salvodelli ici maintenant. Tous ceux-là ne reviendront pas. Hein. Il n'a pas pu suivre non plus le rythme imposé tout à l'heure par Sastre. Les trois équipiers autour de Lance Armstrong. Alors que les hommes de tête se rapprochent du sommet du col de Peyresourde, 1569 mètres. Les hommes de tête se rapprochent du sommet, ils seront à 44 km de l'arrivée. Je pense qu'ils sont à 2 km à peu près du sommet. Le col de Peyresourde qui est aussi le pays de James Bond, j'ai lu ça quelque part. Disons que un James Bond, je crois que c'est l'avant-dernier James Bond qui a été tourné là. Que Laurent a vu. En tout cas, le générique a été tourné. Oui, il y a eu une scène sur la piste. Voilà, c'est ça. De la station de Peyresourde. Hein. Exactement. Bravo. Disons que la station de Peyresourde est la dernière née des stations pyrénéennes. Elle est équipée d'un altiport. Le peloton à 13 minutes et 11 secondes des hommes de tête dont je vous rappelle les noms. Il y a devant George Incapi, Oscar Sevilla, Michael Bogart, Oscar Pereiro, l'Espagnol, Pietro Coccioli et Laurent Brochard. Et derrière les hommes de tête, Jean-René Godard. Oui, effectivement, alors que nous sommes à 2 km 800 du sommet du col de Peyresourde, en compagnie des 6 hommes de tête, Oscar Sevilla pour l'instant qui assure le train dans ce groupe de tête, Laurent Brochard en dernière position,
qui s'accroche, Laurent Brochard, qui a vu il y a quelques instants venir à sa hauteur Christophe Faudot, l'un des directeurs sportifs de la formation Bouygues Télécom. Et au courage, je vous l'ai dit, Laurent Brochard s'accroche. Georgine Capi maintenant à côté de lui. Oscar Sevilla juste devant. Il y a un petit écart là qui s'est creusé. J'ai l'impression que Oscar Sevilla est lui aussi peut-être actuellement dans un moment difficile. Michael Bogert qui emmène le rythme dans ce groupe avec Oscar Pereiro, Coccioli, Laurent Brochard, Georgine Capi et Oscar Sevilla, le coureur de la Télécom, ancien maillot blanc du Tour de France. Oscar Sevilla qui est maintenant en dernière position de ce groupe, mais qui s'est recalé dans ses roues. Il faut noter, alors que nous sommes à un tout petit peu plus de 2 km du sommet, il faut noter que la chaleur est véritablement brûlante ici dans la fin de cette ascension du col de Persourde. Nous retrouvons des conditions météo qui se rapprochent beaucoup de celles que nous avons connues dans l'étape d'hier. Il fait véritablement très 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 chaud, une chaleur brûlante, et les hommes de tête sont très régulièrement ravitaillés en boissons, en eau fraîche par leur directeur sportif. Véritablement des conditions difficiles dans un décor absolument somptueux. Il est magnifique le final de ce col de Persourde. 2 km du sommet, on a retrouvé Jean-René Godard. On n'avait pas oublié Jean-René ni Thierry Adam sur les motos. On a tout simplement un petit problème avec l'avion relais qui a été confronté à des problèmes de givrage en altitude. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez, il fait chaud ici, ça se passait beaucoup moins bien là-haut. Et il y a du vent, hein. Il y a énormément de vent en altitude. Mais ça s'est arrangé. On a retrouvé Jean-René Godard derrière les hommes de tête. Et puis on retrouvera, je l'espère, Thierry Adam tout à l'heure derrière le peloton. Vous avez vu le petit regard d'Oscar Sevilla là, un petit sourire. Ils ont encore la force de sourire à la caméra. Moi, je trouve ça fabuleux. Hein. Alors qu'il y a le masque, regardez Bogart, lui, il n'a pas le temps de jeter un petit coup d'œil sur le côté droit. Hein. Oui, il y a la concentration sur l'effort, la concentration aussi sur les adversaires. Il faut bien sûr être toujours très vigilant, prêt à bondir s'il y a une attaque, à condition d'en avoir les moyens. Mais Sevilla, au passage, c'est un garçon sympathique, Oscar Sevilla. Hein. Toujours un mot pour rire, il a toujours le sourire d'ailleurs. Et donc, il y a un petit sourire à tous ceux qui regardent le Tour de France, c'est plutôt sympa. C'est vrai que dans le col du Persourde, en général, on n'a pas trop l'occasion de nous regarder. Et a priori, quand on est là en altitude, dans une étape du Tour de France comme ça, on n'est pas là pour rigoler quand même. Non, hein. Mais il doit être certainement très content de se retrouver dans le groupe de tête, dans le col du Persourde. Et il nous le montre par un large sourire. Bogart qui prend la roue de Sevilla, devant Incapi, Coccioli, vous l'avez vu, Oscar Pereiro et Laurent Brochard qui s'est refait une santé, hein, et qui se dit dans le fond, je suis peut-être mieux devant ou dans les premiers que derrière. Hein. Le peloton, allez, on est en train de compter. Je vois Laurent qui compte scrupuleusement. L'avant-garde du peloton, ils sont beaucoup moins que tout à l'heure. Hein. 15 coureurs. Oui, on a Contador qui a craqué, Yashke qui a craqué, Christophe Moreau n'est plus là non plus, Carlos Sastre n'est plus là non plus. Ouais, il y en a quelques-uns qui ont disparu. Mazzolini aussi a sans doute disparu. Ils sont pas loin, mais bon, le problème c'est qu'ils viennent de se faire distancer. Ils vont peut-être réussir à limiter un peu l'écart. Ils sont plus très très loin du sommet non plus, le peloton. Il doit leur rester 4 km environ. Même s'ils reviennent dans la descente, j'ai envie de vous dire que c'est pas très bon signe, parce que par la suite, ils vont directement entamer la montée de Val-Louron, le col d'Azay en fait. Et c'est une montée exigeante aussi. S'ils ont déjà donné des signes de faiblesse ici, je pense que tout à l'heure, ça se confirmera. Et l'addition risque d'être encore un petit peu lourde pour Christophe Moreau. Et je pensais qu'il aurait eu peut-être les moyens de se refaire, mais la nuit a été trop courte. Il n'a pas retrouvé tous ses moyens. Jean-René peut-être tout de suite derrière les échappés en compagnie du directeur sportif de la Rabobank. Oui, effectivement, je suis aux côtés de Frans Basson, le directeur sportif de la Rabobank. Alors, Frans Basson, on peut dire que depuis le début de cette échappée, l'équipe Rabobank a pris ses responsabilités. Il y a eu un énorme travail de Decker et de Carsten Kroon. Maintenant, Michael Bogert fait pour beaucoup figure de favori. Comment est-il? Va-t-il tenter quelque chose? Va-t-il attaquer? Quelle va être votre stratégie? Pour lui, c'était important aujourd'hui pour aller faire sa présence. Et ça s'est réussi parce que c'était une bonne échappée pour nous. Et alors maintenant, ils sont 6 très forts coureurs à l'avant. Et je pense que tout le plus fort va gagner.
Merci Franz Sebastian. J'espère Henri que vous nous avez bien reçus, car nous, c'est absolument inaudible ce que nous recevons dans les casques au niveau du retour. J'espère que les téléspectateurs et vous-même nous avez bien reçus. Je vous rassure, nous vous recevons 5 sur 5, mon cher Jean-René. Une petite question, une petite constatation à l'arrière du peloton, c'est bon pour les Français. Christophe Moreau est revenu sur le groupe Maillot Jaune. On vient de l'apprendre à l'instant. Vous pouvez nous poser des questions, je vous le rappelle, par SMS au 63002. On a une question de Pierre, l'ami Pierrot de La Rochelle. Depuis combien de temps un maillot jaune et un maillot vert n'ont pas gagné l'étape, Polo ? En ce qui concerne le maillot vert, je ne m'en souviens plus. Je ne pense pas, là, du reste, qu'il y ait eu un maillot vert qui n'ait pas gagné l'étape, en calcul. En ce qui concerne le maillot jaune, je pense que ça remonte à Lucien Aymar en 1966, qui avait été aidé par Jacques Anquetil beaucoup pour gagner ce Tour de France. Et puis, il y en a eu plusieurs. Il y a eu en 1960 aussi Gastone et Mancini, qui avait gagné le Tour sans gagner l'étape. Il était toujours là, battu par Rivière aux arrivées d'étape, mais il n'avait pas gagné l'étape. Il y a eu aussi en 1956 Roger Valcoviac qui gagne le Tour, qui n'avait pas gagné l'étape lui non plus. Merci pour cette nouvelle page d'érudition. Il est incollable. Incollable. Page. Vous pouvez continuer de poser des questions. On finira bien par le coller, remarquez. Hein. Mais ça va être dur. Les hommes de tête, vous les reconnaissez, Georgine Capi, Oscar Sevilla, Michael Bogart, Oscar Pereiro, Pietro Coccioli et Laurent Brochard. À moins d'un kilomètre du sommet, il possède toujours 12 minutes, un peu plus de 12 minutes d'avance, 12 minutes 19 d'avance sur l'avant-garde du peloton. Et dans ce col du Pays Rosso, on a vraiment un point de vue assez impressionnant et le peloton aperçoit certainement les échappés, même s'ils sont 12 minutes devant et vice-versa d'ailleurs. Hein. Les échappés doivent avoir le peloton en dessous, c'est très beau le sommet du col du Pays Rosso. Très dégagé. Ça a été l'un des premiers cols franchis par les coureurs au Tour de France, puisque la première fois que les coureurs l'ont passé, c'était en 1910, comme Galibier ou Pizot. Je rigole, mais il rigole pas là. Hein. Moi, il me semble un peu tendu, Lance Armstrong, non, vous qui le connaissez bien. Ah, je le connais, j'ai l'impression que vous le connaissez mieux que moi. Non, mais moi, Et vous posez des questions à moi. Vous qui l'avez côtoyé dans le peloton, regardez, il a un peu le masque là. Ah ben là, il fait attention parce qu'il est filmé, mais tout à l'heure, quand la caméra est passée, et furtivement, j'ai eu le sentiment qu'il avait une tête, la tête un petit peu plus tendue, moins serein qu'à l'habitude. Bon, c'est peut-être aussi, on ne sait pas trop avec lui en fait. Il bluffe quelquefois, il profite de ce qui est à sa disposition. Il a l'air plus marqué que Jan Ullrich aujourd'hui. Et il sait que les images sont aussi analysées par tout le monde et donc il s'en sert. Mais là, c'est vrai qu'il a le visage plus marqué qu'hier notamment. Et Ullrich a l'air mieux qu'hier, par contre. Et Rasmussen aussi. Hein. Rasmussen, il n'est pas tellement expressif, mais il a l'air bien là. Entre l'air et la chanson, il y a quelquefois un monde d'écart, donc on verra tout à l'heure. Méfions-nous, les apparences sont parfois trompeuses. Jean-René Godard avec les hommes de tête. Oui, effectivement, nous sommes dans les derniers hectomètres de l'ascension du col de Peyresourde. Je vous confirme ce que je disais tout à l'heure, à savoir que véritablement, il fait une chaleur brûlante dans la fin de cette ascension. Derrière ce groupe de tête dont le train est assuré par Michael Bogert. Michael Bogert qui prend ses responsabilités et qui est en train de terminer donc en tête d'ascension. Laurent Brochard est dans ce groupe bien calé, tout comme George Incapi, Oscar Sevilla et il y a également bien sûr Oscar Pereiro de la formation Fonac. Beaucoup de monde dans la fin de l'ascension du col de Peyresourde, une chaussée qui est dans d'excellentes conditions, une chaussée qui n'est pas très très large, on le sait, mais je vous le répète, il fait véritablement très très chaud, chaleur brûlante, et nous avons juste devant nous le panneau indiquant le sommet de ce col de Peyresourde, avec une accélération au sommet de ce col de Laurent Brochard, de Michael Bogart, voilà, Laurent Brochard qui passe en tête au sommet devant Michael Bogart et Oscar Pereiro, Laurent Brochard qui avait pris quelques longueurs dans le final de l'ascension et qui est passé en tête au sommet. Et on a vu que Coccioli s'était laissé un petit peu déborder sur la fin.
Est-ce que Brochard va continuer dans la descente? Non, il a intérêt à attendre. Hein. Il a intérêt à attendre effectivement ceux qui sont avec lui. Ah, son intérêt, c'est de lâcher tout le monde. Hein. Et d'arriver en vainqueur à Saint-Lary-Soulan. Mais là, c'est peut-être un peu tôt quand même. On est à 43 km de l'arrivée. Je pense qu'il a compris, Laurent, qu'il y aurait peut-être un marquage entre certains coureurs dans ce groupe et que lui, étant loin au général, peut profiter peut-être à un moment donné de ce marquage. Il a attendu le sommet et le sprint. C'est assez judicieusement fait de sa part. Et il a voulu profiter de cet instant où tout le monde a envie de souffler au moment où on passe le col pour lui se lancer dans la descente rapidement. Je pense qu'il avait l'intention de faire la descente à fond et d'entamer le col de Val-Laurent-Azé avec une certaine avance. Malheureusement, Bogert veillait au grand et il est venu dans sa roue assez rapidement. Oui, je voulais apporter une petite précision parce qu'on avait parlé du maillot vert tout à l'heure. Les maillots verts qui n'ont pas gagné, qui ont remporté le maillot vert sans gagner des étapes, il y en a eu quand même. Puisque deux années consécutives, Zabel, en 98 et 99, a remporté le trophée par le maillot vert, donc le classement par points, sans remporter d'étape. C'est à ce moment-là l'époque des Steels, etc., qui allait très très vite. Précision importante, alors qu'Alan Davis va passer à son tour au sommet. Il vient de passer, il est passé à l'instant même, à 1.08. Alan Davis qui était dans le groupe, mais qui a été distancé. Tout comme Iker Camagno, comme Alessandro Bertolini et comme Karsten Kroon qui doit être beaucoup plus loin maintenant. Le peloton donc à 12 minutes. 12 minutes, on l'aperçoit dans la vallée, dans l'ascension encore, à 12 minutes des hommes de tête, à 41 km de l'arrivée. Le peloton qui est réduit, hein, le peloton. Je vais vous donner la composition du peloton que vous apercevez avec Lance Armstrong. Il y a Armstrong, il y a Azevedo, il y a Popovic. Il y a Rubiera, donc encore trois équipiers pour Lance Armstrong. Il y a Ulrich, Kloden, Vinokourov, donc ils sont trois de la Team Mobile. Basso, Mancebo, Rasmussen, Floyd Landis, Horner est encore là, Piepoli, Christophe Moreau qui est donc revenu tout à l'heure, Kashechkin, le coureur kazakh du Crédit Agricole, Rasmussen et les Palmer. Voilà, ça c'est la composition du groupe que vous apercevez avec Kashechkin qui revient en tête, avec Ivan Basso, avec Christophe Moreau. Qui a recollé courageusement derrière, vous avez vu, à la fin, on retrouve Alexandre Vinokourov, qui est là, toujours, courageux hier, Alexandre Vinokourov, téméraire un peu quand il a attaqué dans la dernière montée, et Ivan Basso, Piepoli, Kashechkin, Rasmussen, derrière Ulrich, Lance Armstrong, Popovic, et toujours les équipiers, les fidèles équipiers de Lance Armstrong, Azevedo et Rubiera qui sont encore là aujourd'hui, alors qu'Armstrong, vous vous en souvenez, était complètement isolé hier dès la grande ascension du port de Payerne. Les derniers pointages, donc on vous les rappelle, 11 minutes 42, 11 minutes 42, ça baisse, 11 minutes 42 de retard pour le peloton par rapport aux hommes de tête. Un peloton qui revient et qui aura du mal à rattraper les hommes de tête, effectivement, parce que 11 minutes à 39 km de l'arrivée, même avec deux cols, ça va être extrêmement délicat, Laurent. Oui, normalement, c'est une avance assez confortable pour penser que l'un des échappés va emporter l'étape, d'autant plus que ce sont pour la plupart des bons grimpeurs. Et moi, j'imagine qu'ils vont pouvoir tenir le coup. Le peloton, en plus, emmené par le Discovery Channel, bon, il est amené un rythme soutenu, mais c'est pas non plus, on le voit, hein, c'est pas non plus la course poursuite. Et Lance Armstrong il a peut-être envie de gagner cette étape, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a chaud. Ouais, j'ai l'impression qu'il a chaud. Alors, n'est-ce qu'une impression ou est-ce qu'il est vraiment dans une grande journée? Ça doit certainement lui arriver. Et il a aussi ce don de savoir masquer peut-être les jours difficiles. On a souvent dit qu'il n'avait jamais connu de défaillance. Et c'est vrai, on ne l'a jamais vu vraiment en difficulté, mais ça c'est un don aussi de savoir masquer quand on a un mauvais jour, hein, de savoir passer, il faut être bien entouré avec ses équipiers bien sûr, savoir faire illusion alors qu'on n'est pas super. Et quand la caméra passe, vous avez vu, il jette un petit coup d'œil, il a conscience de la présence de la caméra. Là tout à l'heure il s'est peut-être laissé surprendre d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu un petit rictus. Hein. C'est aussi peut-être qu'une impression, bon, il a certainement chaud comme tous les autres. Hein. Alors Armstrong, il aime la chaleur ou il n'aime pas la chaleur? On entend tout à son sujet. Apparemment, il n'aime pas la chaleur. Il préfère quand la température est plus fraîche, quand il pleut.
mais qu'il aime la chaleur. Qui est meilleur que lui quand il fait chaud? La question elle est là aussi. Mais pour l'instant on n'a pas eu de réponse. Hein. Voilà, courant d'air dans la cabine, très mauvais pour nous. Un petit vent frais ici qui est pas mal. Il y a un petit vent frais qui est bien. On s'en accommode. Allez, on regarde le visage de Lance Armstrong. Ouais, il est en danseuse, il grimpe avec un bras qui est plus important qu'à l'habitude. On a plutôt l'habitude de le voir monter assis avec une fréquence de pédalage élevée. C'est un style, c'est pas son style des grands jours, j'ai pas l'impression en tout cas, voilà. Alors, Jean-René Godard, au frais, dans la descente. Oui, effectivement, Henri, nous sommes dans la descente à 85-90 km/h. Une descente très roulante, une descente qui n'est pas très difficile. L'état de la chaussée parfait et deux coureurs qui assurent alternativement le train. Il y a Laurent Brochard et il y a Oscar Pereiro. Oscar Pereiro et Laurent Brochard qui ont assurer l'essentiel du train dans cette descente. George Hincapie étant toujours en sixième et dernière position de ce groupe. George Hincapie qui, bien sûr, depuis la naissance de cet échappé au début de cette étape, bien évidemment, n'a pas pris de le relais, n'a pas roulé. Voilà, nous sommes en train de terminer la descente de Peyresourde avec Michael Bogert qui s'est replacé en première position de ce groupe devant Coccioli. Oscar Sevilla en sixième position et juste devant lui George Hincapie est calé à la quatrième place. Laurent Brochard qui a effectué tout à l'heure une très belle fin d'ascension de Peyresourde, qui est passé, nous l'avons vu, en direct au sommet et qui donc a assuré une grande partie du train dans cette descente de Peyresourde. Les hommes de tête qui vont descendre rapidement. Alan Davis est à leur poursuite. Il a été plus ou moins lâché tout à l'heure. Il fait une belle descente. Ils vont retrouver la vallée du Louron. C'est une vallée authentique. Hein. Joli patrimoine dans cette vallée. Oui, tout à fait. Une vallée qui est située au cœur des Pyrénées centrales et qui s'étend sur une vingtaine de kilomètres de la chaîne frontalière espagnole jusqu'au confluent de la Neste d'Or. C'est effectivement, comme vous disiez, une vallée authentique puisqu'elle offre un patrimoine culturel et architectural tout à fait exceptionnel, avec ses petits villages, ses églises romanes, ses tours de guet. Nous allons apercevoir tout à l'heure certainement le lac lorsque nous serons à proximité. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que notre ami le réalisateur Jean-Paul Jaude a tourné ici un très très beau documentaire dans cette vallée du Louron sur la vie d'un berger qui s'appelle Les Quatre Saisons du Berger. Un film qui a été distingué lors de plusieurs festivals au Canada, aux USA. On nous signale un abandon à l'arrière, celui d'un équipier de l'équipe Quickstep, Kretzken, qui vient d'abandonner. Comment vous dites ? Comment vous avez dit ? Kretzken. C'est pas ça ? À peu près, ouais. Ah bah, à la flamande, Kretzken. Kretzken. C'est Wilfried, dans tous les cas. Étape difficile derrière, hein. On n'arrête pas de le dire, et on l'a dit tout à l'heure avec Thierry Adam. C'est vrai qu'il y a des hommes en tête qui vont très vite, il y a derrière le peloton des favoris. Et puis, tous ceux qui s'accrochent, loin derrière le peloton des favoris que nous apercevons avec Lévi Lepaimer, avec Alexandre Vinokourov. Contador est là encore. Hein. Il n'est plus là, Contador. Non, c'est pas lui qui est sur la droite. C'est Yashke qui est là. C'est Yashke qui est là. Non, Contador a été lâché. Yashke qui a été lâché tout à l'heure. C'est toujours assez Bédo qui mène le bal de ce petit groupe. Groupe maillot jaune, où a repris sa place Christophe Moreau depuis un bon moment déjà. Semble avoir récupéré, ou alors ce qu'il faut analyser par le rythme qui est moins élevé maintenant, le rythme imposé par les équipes d'Armstrong. Alors, je ne sais pas si c'est le peloton qui a accéléré ou si c'est devant qu'on a un peu lâché le pied, mais 11 minutes 17 au dernier pointage. Le peloton revient. 11 minutes 17, c'est encore conséquent évidemment à une quarantaine à 35 km de l'arrivée, mais le peloton revient sur les hommes de tête, 11-15. Et les échappés ont eu une descente d'avance. Rendez-vous compte, le groupe maillot jaune est à 1 km du sommet et dans le dernier kilomètre maintenant de cette ascension du col de Peyresourde. Alors que les échappés, eux, sont déjà à Loudenviel, pratiquement dans le faubourg de Loudenviel, et presque au pied de la montée vers Val-Louron.
Donc une descente complète d'avance pour les échappés. Les échappés qui ont déjà 10 minutes de retard. On va attendre leur passage au sommet, mais pour l'instant, 10 minutes de retard. D'avance peut-être. Les échappés, oui, non, c'est les... Oui. Quand je parlais des échappés, c'est le peloton. Je regardais le peloton, effectivement. Bon, on peut considérer qu'ils sont échappés par rapport à tous ceux qui sont derrière. Mais c'est vrai que le peloton a plus de 10 minutes de retard. On va assister au passage du peloton au sommet du col. Le Landis est toujours là. Oui, Landis qui est, bon, qui était pas si mal hier, hein, qui s'est fait distancer à 6 km du sommet par Lance Armstrong, par Yann Ulrich et par Ivan Basso, qui à la sortie a perdu une trentaine de secondes à peine, tout comme les Claimers. Donc ils ont bien limité les deux. Bon, ils étaient équipiers il y a quelques années aux côtés de Lance Armstrong, ils se connaissent bien, mais enfin ils ont bien collaboré, ils ont bien limité. Alors c'est vrai qu'Armstrong semble dominateur, il est toujours dominateur. Hier, c'est lui qui a été attaqué, c'est lui qui finalement sort en vainqueur de cette grande étape avec Jörg Tochnig, le coureur autrichien de Gerolsteiner. Mais au final, ses concurrents ne finissent pas tellement loin, hein. Il n'y a pas d'écart non plus très important. On le sent un peu meilleur, on a bien l'impression qu'il maîtrise la tactique, mais non plus, il n'y a pas... une grande domination physique, il n'est pas capable pour l'instant, on ne l'a pas vu capable de les distancer tous et de partir tout seul. On l'a pas vu pour Chevel, on l'a pas vu hier non plus. Le peloton au sommet, vous l'avez vu passer avec 11 minutes 30 de retard, 11:30 de retard pour le peloton des favoris. Le lac de Genos-Loudenvielle, superficie de 32 hectares pour ce lac où se pratiquent de nombreuses activités aquatiques. Ces berges sont le point d'atterrissage des parapentes, des deltaplanes. Et au bord de ce lac, parfois on peut apercevoir les ruines de l'ancien château fort avec son donjon du 14e. Et alors, puisqu'on arrive à Loudenvielle, on va évoquer une nouvelle fois la victoire de Brochard, un 14 juillet. Ça lui rappelle des souvenirs, là? Ah oui, c'était en 97 et il avait le maillot à poids, d'ailleurs. Il avait été lâché dans le col d'Azet, il était revenu après ce col d'Azet et il l'avait emporté haut la main. C'est un très très grand moment que nous avions vécu là. 32 km de l'arrivée, justement Brochard s'en souvient, il est devant. Il savoure sans doute cet instant en sachant pertinemment qu'il va falloir remonter. Hein. Il va arriver au pied dans un kilomètre. Il sera au pied du col du Val-Louron d'Azet. 7 km 400 à plus de 8%. Montée très sinueuse avec des lacets. Heureusement, il y a le début à travers la forêt. Ils seront un peu abrités du soleil. Mais c'est la nouvelle difficulté qui s'achèvera en altitude, 1580 mètres. Énième difficulté de la journée. Il y avait 5 cols. Et je vous le rappelle, une arrivée en altitude tout à l'heure au Plat d'Adet, où nous nous trouvons. On a retrouvé Thierry Adam. Thierry Adam avec Armstrong dans la descente. Le groupe Armstrong. Oui. Exactement, une descente assez prudente, une descente qui est large, mais une descente que font prudemment pour l'instant les coéquipiers de Lance Armstrong. Armstrong toujours en quatrième position. Je vous confirme que le peloton est d'une vingtaine de coureurs, pas plus, hein, même pas, on les comptera tout à l'heure, mais on a d'abord essayé de régler nos problèmes techniques, on vous prie de nous excuser, hein, mais bon, rien n'est facile sur cette étape. Les grands battus du jour, hein, parce qu'ils sont très très loin, s'appellent Sylvain Chavanel, s'appellent Roberto Heras, s'appellent Santiago Botero. On s'appelle Jörg Tochnig, le vainqueur d'hier qui n'a pas récupéré. Et puis ont été décrochés dans les trois derniers kilomètres. Savoldelli, Guerini, Fedrigo, Julic. Voilà pour les principaux coéquipiers qui ne sont pas dans le groupe de tête. Et vous avez effectivement vu qu'après avoir été assez mal, Christophe Moreau est bien revenu dans les quatre derniers kilomètres de l'ascension de Perros-Sourde. Christophe Moreau qui fait une course courageuse, qui est revenu au bon moment, Laurent, et qui est avec les meilleurs. C'est bon pour le moral parce que le pauvre hier soir était un peu dépité. Hein. Ah oui, il a perdu du temps hier, il a perdu du temps, il a perdu aussi, je pense, de grandes chances de bien figurer dans les 5 premiers. On pensait que ce serait possible après les Alpes. Après une étape pyrénéenne, ça me semble déjà très compliqué. Et bon, on l'a vu tout à l'heure légèrement distancé, il s'est ressaisi. C'est bien, il faut se ressaisir, il faut rester concentré. Et là, on a un peloton groupé aussi. Hein. Au ravitaillement, il était le peloton. Hein. Ouais. Et les équipiers de Lance Armstrong qui emmènent dans la descente avec 11 minutes 30 de retard
Voilà, vous reconnaissez Armstrong avec Azevedo, avec Popovic, avec Rubiera encore. Ulrich est avec Clodden et Vinokourov. Il y a là Basso, Mansebo, Rasmussen, Floyd Landis, Horner, Piepoli, Moreau, on l'a dit, et Kacheskin qui est toujours là avec lui. Mazzolini est là aussi, Lepheimer, Cadel Evans et Jorge Jaschke. Voilà, on va faire une nouvelle petite pause et on se retrouve sur la route du Tour. A tout de suite, merci. Avec Cochonou, goûtez à la tradition de la Grande Boucle. Cochonou, fournisseur officiel du Tour de France. Nigel Kennedy. Après les 4 saisons, la folie continue avec Vivaldi 2. Nigel Kennedy et Vivaldi 2 à fond le son avec France Inter. Et à nouveau la route du Tour de France en direct, c'est aujourd'hui la 15e étape entre Les Attes-sur-Lèze et Salary-Soulan, Pladadet, 205 km. C'est la grande étape du Tour de France, la grande étape des Pyrénées aussi. Et les hommes de tête, derrière lesquels se trouve Jean-René Godard, sont à 7 km du sommet du col du Val-Louron d'Azette. Jean-René Godard. Ah, on n'a pas Jean-René. 30 km de l'arrivée, Oscar Pereiro qui se retourne. Distancé Jean-René Godard. Eh oui. C'est fait lâcher par les échappés dans la descente. Il y en a un qui n'est pas lâché, c'est Brochard, regardez. Laurent Brochard qui est toujours là, qui a dans la tête effectivement sa belle victoire de Loudenvielle. Ouais. Jean-René vient de passer ? Non. Non, Laurent Brochard est passé devant ce qui était sa ligne d'arrivée le 14 juillet 97 quand il a gagné. Alors on vous rappelle le nom des hommes de tête. George Incapi, Oscar Sevilla, Michael Bogart, Oscar Pereiro que l'on a aperçu tout à l'heure. Pietro Coccioli et Laurent Brochard. Derrière le peloton est à plus de 11 minutes. Ça va aller au bout, ça peut aller au bout. Hein. Oui, ça ira au bout, il n'y a pas beaucoup de doute. Surtout que derrière, il n'y a pas eu la grande bagarre dans le Peyresourde. Je ne sais pas si elle aura lieu d'ailleurs, je ne sais pas si Basso peut attaquer, si Ulrich peut attaquer, si Vinokourov a encore envie de le faire. Il est mal récompensé à chaque fois qu'il essaie, donc... Ensuite, on commence à réfléchir deux fois avant de se lancer dans l'offensive. Et on commence surtout à se dire, il ne faut surtout pas perdre parce que j'ai déjà une tente de mal à acquérir. Et les 6 échappés, à mon avis, ont de grandes chances d'aller au bout. Donc, je ne sais pas s'ils arriveront tous aussi première position, mais en tout cas, l'un d'entre eux sera vainqueur de l'étape. Pour l'instant, il se neutralise un petit peu. J'ai l'impression qu'on n'ose pas trop se livrer à fond. Il y a un certain marquage. Mais ça va bouger, j'ai le sentiment que ça va bouger. Cette ascension de Val-Louron à Azé est difficile avec ses 8%, 8,3% de moyenne. Voilà, ça devient dur pour Oscar Sevilla. Jean-René Godard vient de recoller aux roues des hommes de tête. Jean-René, ça y est, on vous a retrouvé. Oui, effectivement, nous sommes derrière le groupe de tête qui a depuis 1 km maintenant attaqué l'ascension du col de Val-Louron. Et nous sommes aux côtés de la voiture de Discovery Channel, au volant de laquelle se trouve Dirk De Mol. Et à côté de Dirk, il y a d'ailleurs Cheryl Crowe qui suit la totalité de cette étape en compagnie de Dirk De Mol. Alors, Dirk De Mol, George Incapi appartient à cet échappé pratiquement depuis le début de l'étape. Bon, il n'a pas pris de relais, on comprend pourquoi. Quelle va être maintenant son attitude, sa stratégie? Ben, on ne sait jamais, c'est un jeu très dur, il a su monter et on a... On m'a dit qu'il y a un grand groupe qui part au début. De plus de 10 heures, on va savoir quelqu'un et c'est déjà sur un bon coup. Dirk De Mol, moi, à titre personnel, je ne vous entends pas car mon retour est complètement brouillé. Que va viser George Incapi dans les 2 ascensions qui restent et dans le final de cette étape? Moi, il doit attendre, c'est pas lui pour faire le grand boulot, mais aussi il monte déjà quelques... Je ne sais pas comment il semble pour l'instant, encore une fois c'est un jour très très dur, mais on ne sait jamais si on reste devant, il a peut-être la chance pour gagner l'étape. C'est quand même incroyable de le retrouver à un tel niveau. L'autre jour, c'est lui qui a emmené le groupe Armstrong dans l'ascension du Galibier. Là, on le retrouve en tête dans la grande étape des Pyrénées. Il était deuxième de Paris-Roubaix au mois d'avril. Il fait une saison absolument incroyable, invraisemblable, George. Oui, c'est un coureur aussi, un coureur exceptionnel, comme vous dites. Il est là dans les classiques. Cette année, il a gagné des étapes au Dauphiné aussi. Même contre la montre, et il fait encore progression chaque année dans la montagne. C'est vraiment un coureur...
exceptionnel. Merci Dirk De Man, j'en profite bien sûr pour dire que tout à l'heure Strat 2 sera présenté en direct de Salary, du sommet de Salary par François Brabant, et que c'est Lance Armstrong qui sera l'invité tout à l'heure de Strat 2 à 18h sur France 2. Voilà, on parlait de George Hincapie tout à l'heure, Hincapie qui est le seul, hein, c'est important de le rappeler, à avoir accompagné Armstrong dans ses 6 victoires sur le Tour de France. C'est vrai qu'en 2005, il a remporté Kurne, Bruxelles-Kurne en fin février, signant ainsi un troisième succès en Belgique après Gent-Wevelgem en 2001 et les 3 jours de la panne en 2004. Et Laurent Brochard ici qui a relancé le rythme de l'échappée, qui a essayé de changer le rythme en tout cas, passer une petite accélération. Et on le sent, il y a une certaine mésentente maintenant. Bon, c'est vrai qu'on est en montée, mais la présence d'Hincapie qui ne roule pas et dont on sait qu'il est fort en montagne, surtout en ce moment, eh bien, c'est un élément perturbateur. On hésite à se lancer, on hésite à faire l'effort, parce qu'on a peur justement qu'Hincapie en profite et puisse aller remporter l'étape. Et on a peur surtout d'y laisser énormément de force. Ah, c'est bon pour George Hincapie qui n'a pas à passer effectivement et qui fait moins d'efforts que les autres, incontestablement. Mais c'est la logique du sport et de la course. Oscar Pereiro, lui qui est très généreux depuis le départ, Michael Bogart aussi. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'il y a 6 hommes en tête, Hincapie, Oscar Sevilla, Michael Bogart, Oscar Pereiro, Pietro Coccioli et le français Laurent Brochard, derrière les hommes de tête Jean-René Godard. Oui, effectivement, nous sommes toujours derrière ce groupe de tête dans l'ascension du col du Val-Nouran avec Oscar Pereiro de la Fonac, qui est un coureur très généreux. Plus les jours passent et plus l'on découvre la générosité de ce coureur. Juste derrière lui, Michael Bogart, Laurent Brochard. Laurent Brochard qui vient de passer Michael Bogart, George Hincapie, Coccioli et Oscar Sevilla. Oscar Sevilla qui assez souvent perd une ou deux longueurs, les rebouches, recolle, perd une ou deux longueurs, les rebouches, recolle. Alors je ne sais pas jusque quand Oscar Sevilla pourra tenir comme cela, mais il s'accroche véritablement en fin de ce groupe dont le rythme très régulièrement est assuré depuis le pied de l'ascension par Oscar Pereiro avec Laurent Brochard, remarquable de nouveau, et calé juste à côté du coureur espagnol. Les conditions d'ascension de ce col de Val-Nouran sont identiques à celles de Peyresourde tout à l'heure. Il fait très 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 chaud. Je vous parlais tout à l'heure d'une chaleur brûlante. Eh bien cette chaleur brûlante subsiste dans l'ascension de ce col de Val-Nouran. On va rassurer les coureurs, il fait beaucoup moins chaud ici, un peu moins de, ça brûle moins. Un peu moins de 30 degrés. Ça brûle moins, ouais. De temps en temps, on a la chance de disposer d'une petite glace. Et c'est plutôt sympa. Chaleur glaciale, hein. Chaleur glaciale ici, ouais. Et regardez ça, ça rafraîchit un petit peu. Tout ça, ça fait du bien. Thierry Adam à l'arrière avec, non pas le peloton, hein, mais avec le peloton des favoris, hein, avec le peloton Armstrong. Oui, mais ils étaient 19 dans la descente, une descente qu'ils ont fait très prudemment. Il y avait un virage difficile que l'on a pris pratiquement à l'arrêt. Il y avait un rétrécissement. Là aussi, on a eu une grosse baisse de la vitesse. Et le temps de relancer, tout cela a permis à quelques coureurs de revenir, à l'image d'Arroyo qui revient, de Guérini qui est revenu, Ludovic, le coureur de la Domina Vacanze, Pierrick Fédrigo, le champion de France, Stéphane Goubert, le coureur français, le grimpeur de l'équipe AG2R Prévoyance, et puis Savoltelli aussi a réussi à revenir pour l'équipe US Postal, ce qui fait que Lance Armstrong a maintenant 4 coéquipiers autour de lui, et qu'ils sont 4 coureurs depuis le retour de Guérini du côté de l'équipe T-Mobile. On peut donc dire qu'ils sont allés, j'étais à 19, il y en a 8 qui sont rentrés, on doit être à peu près à 27 coureurs, on va dire entre 25 et 30 coureurs pour le peloton maillot jaune maintenant. 30 coureurs, une trentaine de coureurs, on l'a vu avec notamment Christophe Moreau et Pierrick Fédrigo, ça c'est bien, qui est rentré dans ce groupe du maillot jaune dans lequel figurent éventuellement également tous les favoris. On a vu Floyd Landis, on a vu Jan Ulrich, on a vu Michael Rasmussen, alors que devant c'est Oscar Pereiro et Michael Bogart à 4 km, un peu plus de 4 km du sommet, qui font le train. 5 km du sommet, un peu moins de 5 km, Jean-Maurice, du sommet qui font le train. Mais c'est difficile, hein. Ça devient extrêmement difficile devant, d'autant que les hommes s'observent. C'est vrai que la victoire d'étape est en train de se jouer à 27 km de l'arrivée. Ils ont toujours 12 minutes d'avance et c'est sans doute un de ces 6 hommes qui va l'emporter aujourd'hui au Plat d'Adet. La magnifique vallée du Louron, alors que ce col de Val-Louron à Z, qui culmine à 1580 mètres, a été franchi pour la première fois en 91
à l'issue d'une échappée Indurain-Chiappucci. Chiappucci battait au sprint Indurain. En 97, c'est Pantani, le jour précisément où Laurent Brochard l'emportait. En 99, avec Escartine. Et en 2001, avec Laurent Delapeyre. On parlait tout à l'heure de l'homogénéité de ce groupe. C'est vrai que pratiquement tous ont des espoirs de victoire. Peut-être Sevilla semble un peu plus fatigué que les autres. Il semble quelquefois, lorsque le rythme s'accélère, avoir un peu plus de difficultés. Si on reprend le classement de l'étape d'hier, eh bien on constate que Laurent Brochard a terminé en 20e position, mais que c'est lui qui a le mieux fini de tous ceux qui composent cette échappée. Laurent Brochard était 20e hier, à 6 minutes 06 de Lance Armstrong. Michael Bogert était 21e. Donc ils ont fait pratiquement jeu égal hier. Ça veut dire que leur niveau et leur état de fraîcheur est sensiblement le même. À 6 minutes 21, ils sont arrivés pratiquement dans le même temps. Les autres étaient déjà beaucoup plus loin, puisque Pereiro, lui, avait accusé un retard de 8 minutes 34, autrement dit 2 minutes derrière Laurent Brochard, d'un peu plus de 2 minutes 30. Je crois que Laurent Brochard, dans ce groupe, a des chances de victoire, et puis c'est quelqu'un de très malin, qui sait courir, et surtout, il ne va pas lâcher le morceau. Il aime les Pyrénées en plus, ça lui rappelle d'excellents souvenirs, et c'est vrai que dans la tête, il doit être bien, et c'est vrai qu'hier, il n'est pas allé piocher dans les réserves. On l'espère en tout cas qu'il n'a pas été pioché dans les réserves, que cette 20e place est le fruit de sa fraîcheur et qu'il n'a pas été pioché au-delà de ce qu'il pouvait et qu'il possède encore une certaine fraîcheur qui puisse lui permettre de disputer normalement ses chances de victoire ici. Moi j'y crois. Moreau est 10e, mais Brochard est 37e au classement général à 50 minutes. Donc c'est vrai que les hommes qui sont devant ne représentent aucun danger par rapport à la tête de la course, par rapport à Armstrong, Rasmussen, Basso, Ulrich. Voilà, nous sommes toujours dans le Louron. Le Louron qui, pendant l'occupation, a constitué une importante voie de passage vers l'Espagne. Et par ailleurs, elle a préservé, cette vallée du Louron, son identité cantonale, il y a une trentaine d'années, à l'issue d'un conflit avec les autorités préfectorales. Et on peut dire que plus près de nous, les Louronnais ont obtenu du Premier ministre le classement de la Haute-Vallée. Haute-Vallée classée donc pour la vallée du Louron. C'est vrai que nous traversons une région superbe avec un patrimoine qui est complètement préservé. Et vous voyez le col, c'est le début du col seulement pour le peloton là maintenant. Hein. Absolument, le pied du col, oui, le pied du col et retour en tête de Carlos Sastre qui a réintégré donc le peloton maillot jaune au profit de la descente et qui revient à nouveau imprimer un rythme soutenu, peut-être préparer une offensive d'Ivan Basso. On peut remarquer également que Bobby Ulrich est lui aussi dans ce groupe, donc les CSEC sont trois. Il était tout seul, Basso, tout à l'heure. Alors que Basso, effectivement, était complètement isolé tout à l'heure et ils sont tous revenus. Carlos Sastre, qui fait un retour très remarqué, en tête du peloton des favoris. Le problème, c'est qu'il s'est fait distancer tout à l'heure, c'est qu'il doit quand même avoir pas mal aux jambes, mais il n'est pas au mieux, Carlos Sastre. Est-ce que le rythme qu'il imprime maintenant est suffisamment élevé pour aider Ivan Basso? Alors devant, réduire l'écart, je crois pas en tout cas. Hein. Devant, c'est Oscar Pereiro qui a pris l'affaire en main devant Coccelli. Laurent Brochard est là. Vous aviez raison de dire qu'il était bien 12 minutes. L'écart s'est stabilisé alors qu'il était tombé aux alentours des 11 minutes tout à l'heure. Et derrière, à l'arrière du peloton, ça fait mal. Et oui, Bobby Ulrich qui était revenu, eh bien. Et lâché. Et oui, dès les 500 premiers mètres de l'ascension. Dès le début de l'ascension, Thierry, ça commence à craquer derrière. On voit Bobby Ulrich à l'image. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai remonté tout le monde, comme ça vous allez savoir exactement. Alors, on était rendu entre, je crois, 28 coureurs exactement. Là, il y a Ludewig qui est en difficulté, qui vient d'être le premier lâché. C'est-à-dire que tous ceux qui sont rentrés ont des soucis maintenant. Juste derrière lui, le coureur des îles Baléares, c'est Arroyo qui vient de sauter. On est en train de remonter maintenant pour essayer de voir tous ceux qui vont sauter. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde sur le bord de la route. Là, en train de sauter à son tour, c'est Kashechkin qui vient de lâcher prise. Et à chaque fois, ça fait mal, hein, bien évidemment. Bobby Ulrich aussi. Pierrick Fédrigo à l'instant, le champion de France qui monte à son rythme, lâché par l'accélération du peloton. Juste à côté de lui, c'est Andreas Klöden. Ouais, Andreas Klöden.
train de lâcher prise. Paolo Savoldelli aussi qui était revenu en train de lâcher prise. Je vous confirme, Sastre aussi en train de lâcher prise derrière le peloton. Voilà pour l'instant les principaux coureurs qui sont en train de lâcher prise dans ce peloton maillot jaune qui montre vraiment une allure très rapide. Très rapide. Alors on a vu effectivement Clodden en difficulté et lâché. Et on a vu que devant, et bien en devant, c'était Guérini hein, qui avait pris la tête du peloton des favoris. Hein. Il y en a un qui craque, il y a l'autre qui appuie. Oui, Clodden est visiblement un peu dans le rouge, mais Guérini est en train d'imprimer un rythme soutenu. Alors peut-être, vous savez qu'ils sont mieux placés que nous, les coureurs, pour savoir si ils ont peut-être décelé chez Lance Armstrong une certaine, je sais pas, une façon de pédaler inhabituelle. Alors que Zubeldia est lui aussi maintenant distancé, tout comme Goubert d'ailleurs, qui est tout juste devant. Eh bien, ils ont peut-être décelé une petite faiblesse chez lui. Et ils ont envie de tenter quelque chose, en tout cas. Pour l'instant, comme hier, les T-Mobile eh bien, sont passés, ont passé la surmultipliée, sont en train d'accélérer le rythme et peut-être que nous allons assister à une offensive de Vinokourov ou de Yann Ulrich, peut-être d'Ivan Basso, nous allons voir. Les T-Mobile qui avaient bien attaqué hier, on ne peut pas leur reprocher, qui avaient mis de l'animation dans la course, alors qu'Alberto Contador, l'un des coureurs dont on attendait beaucoup, et lui aussi lâché. D'autres lâchés derrière Thierry Adam. Oui, Zubeldia vient d'être lâché, je vous confirme que Clodden a nettement, nettement lâché. Zubeldia a lâché, Jörg Jaschke en train d'être lâché en ce moment même, et Christophe Moreau en légère difficulté juste à l'arrière du peloton, qui donne aussi des signes de fatigue. Christophe Moreau qui pour l'instant s'accroche dans les trois dernières places d'un peloton, toujours emmené par Guérini, me semble-t-il. Alexandre Vinokourov, puis sur la droite, il reste en tout et pour tout, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, je compte 16 coureurs, moi, dans le groupe de tête, dans le groupe maillot jaune. Lance Armstrong en quatrième position. Chanel viennent de reprendre la tête du peloton. Ils sont 1, 2, 3 devant Lance Armstrong. Oh, que ça va être difficile. Difficile pour Christophe Moreau. Oui, Guérini n'a pas fait non plus un travail de sape extraordinaire. Il a bien tenté, regardez, d'ici Vinokourov qui demande à Ulrich qu'est-ce que je fais. Il a fait signe que oui, donc on va voir maintenant Vinokourov peut-être accélérer le rythme. Je pense qu'il a envie, Yann Ulrich, de tenter quelque chose, d'essayer de pousser peut-être Lance Armstrong un petit peu plus dans le rouge. Et Vino, là, est en train d'accélérer maintenant. Alors, on a bien vu quand il est passé à côté, il lui a demandé, lorsque Guérini s'était fait distancier, il lui a demandé qu'est-ce que je fais, j'y vais, vas-y, vas-y, il lui a fait signe, vas-y. Et voilà parti, et ça va provoquer bien sûr la perte de Guérini, mais aussi de Christophe Moreau. Eh oui. Et d'Andreas Clodden, on l'a vu tout à l'heure, et Ulrich avait l'air bien. Hein. Ulrich lui a dit vas-y. Ça veut dire qu'il a de bonnes sensations. Moreau définitivement lâché, Thierry Adam. Rubira aussi. Guérini d'abord, Guérini qui avait fait l'effort. Juste devant lui, c'est Rubira qui est en train d'être lâché par le peloton. Christophe Moreau, Chris Horner lâché aussi. Kadel Ivan en train d'être lâché par le peloton parce que l'accélération d'abord de Vinokourov, puis de Yann Ulrich a obligé l'équipe Discovery Channel à venir exactement batailler derrière avec Lance Armstrong. Et pour l'instant, eh bien, le peloton se réduit à une dizaine de coureurs à peine. Les deux T-Mobile devant Vinokourov, devant Yann Ulrich. Vous avez vu que Mancebo est calé dans la roue encore de Lance Armstrong. Ivan Basso est là, ça nous promet un final extraordinaire. Oui, oui, très très bien de la part des T-Mobile et Armstrong qui amène un braquet plus important que les autres jours. D'habitude, il mouline davantage. Bon, il est toujours là, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème pour l'instant. Et Acevedo, qui est en queue de ce groupe, pour l'instant n'est pas distancé non plus, donc il a toujours... Acevedo est venu se replacer devant, il a toujours un équipier autour de lui. Et Rasmussen est là aussi. Hein. Il veut de l'eau, Armstrong, il lui demande un bidon. Acevedo, est-ce qu'il souffre de la chaleur? Peut-être, hein, on a souvent dit qu'il n'aimait pas trop la chaleur. Ivan Basso place son accélération. C'est un peu téléphoné, hein, il regarde deux fois. Ah, il gicle jamais du peloton, et surtout dans un col, mais bon, il a accéléré. Aujourd'hui, les deux adversaires les plus sérieux pour Lance Armstrong, c'est Basso et Ulrich, mais ils ont tous les deux, de toute façon, un démarrage en douceur, progressif. Et Ulrich, qui avait peut-être envie d'attaquer, mais on le voit déjà accuser un peu le coup derrière Ivan Basso. Allez, Ivan Basso, il se fait mal. Et Armstrong, bien sûr. Il est toujours bien, ouais. On a l'impression qu'il n'est pas bien, mais il est toujours bien. C'est une accélération qui fait mal. Hein. Il n'y a pas photo, Armstrong, comme hier, se retrouve avec Basso et Ulrich dès que le rythme s'accélère. Mancebo va peut-être réussir à accrocher les wagons, c'est pas sûr. Et il continue, il persévère, oui, il persévère. Ulrich a craqué. Et c'est Armstrong qui est derrière. Un seul coureur pour le suivre, c'est Lance Armstrong.
Et derrière, Vinokourov a craqué, Thierry Adam. Oui, alors la physionomie de la course, Pinsot à sa gauche, Lance Armstrong, 4 mètres derrière, 5 mètres derrière, Yann Ulrich qui donne des signes de fatigue avec sa tête, Mansebo sur la gauche de la route, juste devant lui, me semble-t-il, c'est Carsten Prunt qui est encore là, qui attend éventuellement le groupe qui est derrière, où il y a Landis, Rasmussen, juste devant Leipheimer, avec Vinokourov qui s'accroche, Acevedo, lâché maintenant à son tour, Mazzolini, lâché à son tour, je vous confirme que Mazzolini tente de revenir avec pour l'instant juste derrière Christophe Moreau qui est en train de prendre un coup de bambou sur la tête. C'est dur pour Alexandre Vinokourov. Toujours Armstrong devant Pinsot, 5 mètres derrière Yann Ulrich. Et maintenant le trou est fait avec seulement Sebo qui arrive à s'accrocher. Derrière donc Rasmussen, Leipheimer, Landis, Horner et Vinokourov. Et Lance Armstrong qui s'est aperçu effectivement, qui a bien vu que Yann Ulrich était en difficulté, qui en a remis une couche et qui accélère alors qu'Alexandre Vinokourov est lâché et il ne reviendra sans doute pas. Alors voyons un peu. Basso, regardez. Ulrich va revenir. Hein. Ulrich revient. Tente de revenir. Il n'a pas explosé, Yann Ulrich, pour l'instant. Il n'a pas explosé. Bon, c'est sûr qu'il a l'air. De toute façon, je suppose qu'il est dans le rouge. Il a l'air un petit peu à la rupture, mais il continue à maintenir un rythme élevé. Il a peut-être retenu la leçon d'hier où il a collaboré avec les deux coureurs et finalement, dans le dernier kilomètre. Lorsqu'ils ont accéléré, il n'a pu les suivre. Là, il a peut-être levé le pied un petit peu avant, et qui lui permet de revenir maintenant. Armstrong s'est laissé glisser parce qu'il savait que Yann Ulrich allait revenir, vraisemblablement. Il a laissé Basso reprendre ses responsabilités. Thierry Adam, vous pouvez témoigner, donc, et on le voit sur le petit écran. Yann Ulrich est rentré. Oui, moi je vous fais des écarts. Oui, Yann Ulrich vient à l'instant de rentrer sur Basso et Armstrong quasiment côte à côte, tous les trois à droite de la route. 15 secondes pour Francisco Mansebo. Juste derrière, Carsten Kroon est en train de ramener le peloton, un petit peloton dans lequel on a Landis, dans lequel on a Rasmussen, Levi Leipheimer. Et me semble-t-il, oui, à le maillot de champion du Kazakhstan d'Alexandre Vinokourov. Plus, me semble-t-il, alors un coureur de la FONAC, je pense que c'est un coureur de Sonier Duval, c'est peut-être bien Piepoli. Christopher Horner. C'est Piepoli. C'est Piepoli, pardon, que j'ai dépassé un petit peu vite. Basso, Ulrich, Armstrong en troisième position, Mansebo qui tente de revenir sur le groupe de trois. Et donc, juste derrière, Carsten Kroon qui revient maintenant avec Landis dans sa roue, Rasmussen, Leipheimer, Piepoli, Vinokourov, et déjà plus d'une minute de retard pour le groupe Christophe Moreau. Le groupe de trois, donc, emmené par Ivan Basso. Ivan Basso, à une dizaine de minutes des hommes de tête. Yann Ulrich. Et il a l'air derrière. moins marqué quand même, Ulrich, qu'hier, moins marqué par l'effort. Et Lance Armstrong. Lance Armstrong, plus ça va vite, plus il est bien finalement. Il nous semblait tout à l'heure avoir le visage plus marqué que ça. Je pense qu'il bluffait un petit coup, peut-être, sûrement d'ailleurs. Oh, il avait soif aussi hein, tout à l'heure. Là. Il réclamait à boire, il demandait quelque chose. Et il n'a pas eu d'ailleurs, hein. Personne ne lui en a amené. Hein. Si, il a deux bidons là, vous inquiétez pas, il a ce qu'il faut. Hein, il a ce qu'il faut. Ben, j'ai pas vu Popovic, je lui tends un bidon. Bon, enfin, toujours est-il on voit pas tout non plus, mais ils l'ont pas laissé partir comme ça. Avant de se faire distancer. Un équipier essaie toujours, dans un ultime effort, d'être utile en donnant ses bidons à son leader. Et regardez, les autres ne sont pas loin derrière. Vino est toujours légèrement distancé, mais il y a Piepoli qui est devant avec Floyd Landis, avec Mansebo qui est juste devant. Oui, le petit groupe se rapprocher. Ils peuvent se rapprocher des hommes de tête. Va revenir sur Mansebo dans un premier temps, peut-être ensuite sur le trio de tête, le même trio qui occupait les premières positions juste avant l'arrivée derrière Tochnig hier. Sur les pentes d'axe, trois domaines. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien tous les trois là. Ouais, ils s'entendent bien, c'est les trois plus forts de la course, tout simplement. Et les écarts sont très faibles. 10 secondes pour Rasmussen, de perdu pour le groupe Rasmussen, Mansebo. Thierry Adam, vous vous trouvez où exactement Thierry? Nous on est avec Floyd Landis là. Non, c'est les hommes de tête, c'est Pereiro, c'est Oscar Pereiro, oui. Effectivement, on savait plus, on les avait un peu oubliés. Nous sommes avec les hommes de tête, tout à fait. 600 mètres du sommet pour les hommes derrière, de tête. Juste derrière Alexandre Vinokourov en difficulté encore, hein, comme hier, qui de nouveau
s'est avachi sur sa machine, ça c'est quand il n'est pas bien. Et je vous confirme le groupe devant avec Landis, Rasmussen, Leifheimer, Piepoli, qui lui est à 5 secondes simplement de Mansebo. Mansebo à 8 secondes d'un trio de tête toujours composé de Basso, de Ulrich en deuxième position et de Lance Armstrong en troisième position. Accélération là de Rasmussen qui est en train de faire mal à son petit groupe de 4 et qui tente de revenir maintenant et qui va bientôt absorber Francesco Mansebo. Rasmussen que l'on retrouve là, non pas en difficulté, mais Rasmussen qui ne craint rien, il ne perdra pas son maillot à poids. Maintenant il est sûr de rentrer à la maison avec Levi Leipheimer, Floyd Landis et Mansebo et Piepoli. Ces hommes-là vont essayer de rentrer sur les hommes de tête, ça sera dur. En tête de la course, donc, on retrouve Jean-René Godard avec Oscar Pereiro qui mène le train devant Laurent Brochard. Oui, effectivement, et nous allons arriver au sommet du col de Val-Louran en compagnie du groupe de 6 coureurs. Oscar Pereiro toujours en tête. Il faut noter, je vous parlais tout à l'heure de cette chaleur moulante, eh bien il faut noter que dans les derniers kilomètres de cette ascension du col du Val-Louran, nous sommes passés sur des plaques de goudron complètement fondues pour dire à quel point, bien que la direction de l'équipement, on le sait, on l'a expliqué hier, arrose les parties de route qui commencent à trop chauffer, où le goudron risque de devenir dangereux en étant fondu, eh bien malgré cet arrosage qui est effectué régulièrement, eh bien il y a des endroits où quand même des plaques de goudron fondues, mais c'était non pas dans les parties descendantes, mais dans les parties montantes de cette ascension de Val-Louran que Oscar Pereiro est en train de terminer en tête. Oscar Pereiro avec derrière lui Laurent Brochard, puis Oscar Sevilla, puis Michael Gueguer, puis Coccioli. Et pour fermer la marche de ce groupe de 6, le groupe de tête, des coureurs qui sont pratiquement en tête depuis le départ de cette grande étape des Pyrénées, eh bien pour fermer la marche de ce groupe de tête, George Hincapie. George Hincapie, on le dit, on l'a répété. Attaque de Laurent Brochard. Attaque de Laurent Brochard. Effectivement, attaque la virage à gauche et attaque de Laurent Brochard qui va passer en tête comme tout à l'heure au sommet de Peyresourde. Laurent Brochard qui passe en tête au sommet du col de Val-Louran. Un virage à droite maintenant et nous attaquons la descente de ce col du Val-Louran. Laurent Brochard est passé en tête au sommet devant Pereiro et Michael Bogert. Merci Jean-René, on a vu tout à l'heure à l'image, il se passe énormément de choses, hein, pardonnez-nous. Alexandre Vinokourov est revenu sur le groupe Rasmussen, le groupe des poursuivants derrière Lance Armstrong. Courageux hein, cet Alexandre Vinokourov. Il fait l'élastique, il revient. Oui, il se met dans le rouge. Je crois qu'il faut quand même aussi tirer un coup de chapeau à l'équipe immobile qui même face à l'adversité. Face à la supériorité de Lance Armstrong, mais tente le coup, bon, ça n'a pas réussi. On a vu que Ulrich n'avait pas les moyens de distancer Lance Armstrong, mais s'il ne le tente pas, évidemment, on ne saura jamais. Et Vinokourov s'est sacrifié. Il est passé aux côtés de Jan Ulrich tout à l'heure, lui a demandé « Est-ce que tu veux que j'accélère ?» Ulrich a fait un signe de la tête de façon à lui dire « Vas-y », et puis c'est parti. Vinokourov s'est mis dans le rouge, et il a du mal à s'en remettre. Hein. Tous les autres essaient de suivre le rythme imposé par Ivan Basso dans un premier temps, et puis bon, Vinokourov va reprendre peut-être une cadence, un rythme qui va lui permettre de revenir, mais c'est un effort tellement intense quand il faut accélérer qu'on a quelquefois du mal à reprendre les roues. On ne pourra pas leur reprocher en tous les cas à cette équipe T-Mobile de ne pas avoir essayé et de rien avoir tenté. Ulrich donc avec Basso et Lance Armstrong à la poursuite des hommes de tête. L'écart est de l'ordre de 8,56, allez 9 minutes. Derrière le groupe Armstrong, enfin ce qu'il en reste, les trois, les Basso, Armstrong et Ulrich. Voici les poursuivants, le groupe, on va l'appeler le groupe Rasmussen, avec Landis, Piepoli, Leipheimer, Mansebo et Alexandre Vinokourov, dont je vous disais tout à l'heure qu'il était rentré. Pour l'instant, le battu dans ce groupe, le grand battu, c'est Rasmussen bien sûr, hein, qui voit revenir sur ses talons Ivan Basso et Jan Ulrich. Hein, ils sont respectivement 3e et 4e du classement général. Il a encore un petit peu de marge Rasmussen, mais s'il doit avoir une chance d'être sur le podium des trois premiers à Paris, eh bien il faut maintenant avoir les jambes solides. Il a peut-être eu tort de multiplier les déclarations un peu tapageuses. Il avait dit moi je n'ai peur de personne, j'attaque et je serai toujours là, je serai devant. Bon, un peu présomptueux, mais c'est bien ce qu'il fait quand même. Hein. Il faut dire que c'est une belle surprise. À partir du moment où il est sincère, on ne peut pas considérer qu'il ait eu tort, mais c'est sûr que quand on annonce la couleur comme ça, il vaut mieux quand même avoir les moyens de pouvoir le faire, sinon on passe un petit peu à côté. Mais bon, Rasmussen aura quoi qu'il arrive marqué ce Tour de France. Il va remporter très certainement le meilleur poids du meilleur grimpeur.
Il restera néanmoins bien classé au classement général et pour l'instant il est toujours second. Hein. Armstrong à 25 km de l'arrivée, vous l'avez vu, et les hommes de tête à 21 km de l'arrivée. Toujours 4 à 5 km de différence entre les hommes de tête. Et Thierry Adam est en compagnie de Christophe Moreau, c'est ça Thierry? Oui, oh, tout au moins vous l'avez aperçu. Ouais. Non, je l'ai entendu Christophe Moreau, ouais. L'écart. Oui, l'écart n'est pas très grand hein, entre le groupe Rasmussen et le groupe Christophe Moreau. Il n'y a que 28 secondes d'écart. Donc c'est vrai que Christophe a trouvé la bonne locomotive avec José Acevedo, le coéquipier de Lance Armstrong. Juste derrière, il y a pour l'instant Paolo Savoldelli, autre coéquipier de Lance Armstrong. Il y a Chris Horner aussi, il y a Cadel Evans et il y a, me semble-t-il, je me retourne, oui, Eddie Mazzolini qui est là, le coureur dans la lampée. Donc autour de Christophe Moreau, ça fait un bon petit groupe qui pour l'instant se bat, s'accroche et qui va passé sous le panneau, arrivé 25 km. Et le goudron qui semble ici se désagréger complètement. On a vu au passage Bertogliatti qui n'a toujours pas été repris, mais ça va pas tarder par le trio de contre-attaque, le trio des leaders. On l'avait un peu oublié Bertogliatti, mais c'est vrai que c'était un des premiers attaquants de la journée effectivement. Et Jean-René dans la descente derrière les hommes de tête. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, un chiffre. J'avais déclenché mon chronomètre au passage des 25 km. Et au moment où vous avez annoncé, Henri, le passage de Armstrong, Ulrich et Basso, il y avait à mon chronomètre 8 minutes 12 secondes d'écart. Donc, à la banderole, 25 km de l'arrivée. En ce qui concerne la descente, je vous parlais tout à l'heure d'un goudron fondu à certains endroits dans la montée du col du Val-Louron. Eh bien, les circonstances sont à peu près les mêmes dans la descente. Et à l'instant, d'ailleurs, un motard de la garde républicaine nous indique un virage effectivement où le goudron est complètement fondu. Il y a aussi, vous voyez, virage à gauche là, véritablement très difficile à prendre et les coureurs le prennent au ralenti pour ne pas prendre le risque de chuter. Il y a les gravillons et certains endroits, notamment le virage que nous venons de négocier là, véritablement le goudron est fondu. Il faut faire très attention dans la descente. Et ça va très vite, nous sommes derrière Oscar Sevilla, effectivement ça va très très vite et c'est, semble-t-il, effectivement fondu dans les virages, on l'a bien vu et vous nous l'avez bien décrit tout à l'heure Jean-René. Descente rapide mais pour l'instant sans grande difficulté. Si ce qui est piégeuse cette descente, ouais. Quand même, il faut être très prudent effectivement. Il faut être précis aussi dans ses trajectoires parce qu'elle est, vous voyez, il y a quand même d'un côté un petit, bon c'est pas un précipice mais il y a ces petites bornes, voilà la traversée. Alors c'est Dazé qui est assez étroite, assez périlleuse, il faut la plus grande vigilance à tout instant. Avec son église romane qui servait de donjon, qui surveille le col de Perfit, col qui n'est pas franchi par les coureurs. Les trois poursuivants, Ulrich, Basso, Lance Armstrong et derrière, un peu plus loin derrière, Thierry Adam avec Christophe Moreau à 1 km du sommet, c'est ça? Oui, exactement. Christophe Moreau est passé là depuis 10 secondes à 1 km du sommet. Il a retrouvé un peu d'allant. Il est avec Mazzolini, mais ils n'ont pas pu suivre, absolument pas pu suivre. Yaroslav Popovic qui est en train de revenir. Ça y est, qui est revenu dans le groupe Alexandre Vinokourov. Et Christophe Moreau qui vient de faire une belle accélération là dans ce dernier kilomètre et qui lui aussi est en train de revenir. Il est tout près du groupe d'Alexandre Vinokourov. Ah ouais, c'est bien ce qu'est en train de faire Christophe Moreau là avec Mazzolini. Le voilà qui va revenir dans le groupe. Popovic est déjà revenu. Juste derrière, il y a Christopher Horner et Cadel Evans et peut-être Emar Zubeldia. Mais Christophe Moreau qui est à 10 mètres du groupe Rasmussen. Armstrong qui va très vite et qui aborde rapidement alors que Christophe Moreau là, est en train de revenir. On l'a à l'image, hein, ce que nous disait à l'instant même Thierry Adam. Christophe Moreau, ah, qui va, il appuie, il fait l'effort, ouais. Ah, il fait l'effort, il va essayer de rentrer et c'est maintenant qu'il faut rentrer, il faut basculer avec eux là-haut. Ah, l'idéal c'est de rentrer avant la descente, mais ouais. Je pense qu'il va y arriver, là il va y arriver. Il les a tout près, il les a en point de mire et devant Seb Rasmussen pour l'instant assure le train. Moreau semble bien plus efficace que tout à l'heure, il faut dire que la pente est un peu moins relevée à cet endroit sur le final. Cette route est un petit peu plus rigueuse, elle se désagrège aussi sous l'effet de la chaleur. Mais Moreau va pouvoir revenir maintenant, c'est pratiquement fait. Il va pouvoir comme ça récupérer un petit peu la descente et préserver ses chances de bien monter la dernière ascension. Ben, il va retrouver Michael Rasmussen, il va retrouver Levin Epheimer qui est aussi devant. Bien joué Christophe Moreau, Alexandre Vinokourov est là aussi, Yaroslav Popovic. À l'énergie revient quand même, à l'énergie. Hein. Ah c'est dur, les derniers mètres, il faut les... Et c'est derrière, devant plutôt, devant, c'est Ulrich qui est passé devant Basso et Lance Armstrong. Et pour eux c'est la descente.
avec Berthaud Iliati qui s'était accroché. Pas content Armstrong, je ne sais pas ce qu'il a dit à notre moto image, mais il y a une petite explication là. Ah. Et voilà, Landis, Rasmussen, Mansebo qui est toujours là, Levi Leipheimer. C'est pas le même rythme derrière. Ah non. C'est, on peut dire que c'est le peloton des battus, hein. Ça reste néanmoins de sacrés coureurs. Il n'y en a qu'un qui a l'air facile, c'est Rasmussen quand même là. Hein. De sacrés gaillards, oui, facile, mon frère. Il n'a pas pu suivre le rythme, mais il est peut-être plus à l'aise que les autres coureurs qui composent ce groupe. Mais voilà, là je crois qu'ils ont compris ce groupe-là que bah, si Rasmussen voulait préserver sa place sur le podium, et bien qu'il y aille. Mais pour les autres, on a bien compris que la seconde et la troisième place, elles seraient compliquées. Parce que Ulrich et Basso sont à l'évidence derrière Lance Armstrong, les plus costauds. Dans les Pyrénées, en tout cas, si dans les Alpes c'était pas forcément le cas, dans les Pyrénées, ils s'affirment comme les coureurs les plus en forme derrière Lance Armstrong. Voilà, top au sommet pour le groupe des poursuivants. L'écart était de l'ordre de 8,45 si je ne m'abuse. Le groupe des poursuivants dans la descente. Et là, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, Thierry, vous êtes avec le groupe des poursuivants, toujours ? Oui, oui, tout à fait. On a accompagné Christophe Moreau. Hein. C'est le seul Français qui a réussi à s'accrocher. Mais bon, je pense que vous n'allez pas tarder à voir arriver Pierrick Fédrigo, à voir arriver Stéphane Goubert. C'est pas mal côté français, sachant que Laurent Brochard est devant. La descente emmenée maintenant par Floyd de Landis, qui a pris les affaires en main, qui a décidé de donner le rythme à cette descente dans sa roue Rasmussen. Juste derrière, le petit Mansebo, hein, qui nous a étonné hier en descente. Alexandre Vinokourov, dont on connaît les qualités. Yaroslav Popovic, qui a fait une fin d'ascension absolument remarquable. Étonnante parce qu'il était vraiment très très loin de Christophe Moreau tout à l'heure. Il est vraiment revenu comme une bombe. Vinokourov, Pipoli, donc Mazzolini aussi, le coureur de la Lampre. Christophe Moreau qui a pris le temps de se ravitailler, de récupérer un tout petit peu au début de la descente. Et pour fermer ce groupe, c'est Levi Leipheimer qui lui aussi attendait, était attendu par un soigneur, a pris une musette complète et s'en est mis plein les poches entre guillemets pour pouvoir mieux apprécier la descente, manger un tout petit peu, boire beaucoup et pour finir après sur Saint-Lary-Soulanges en bonne condition. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà le groupe de poursuivants avec Christophe Moreau. Et on a vu au passage le groupe maillot jaune qui a repris Jérôme Pinault dans la descente. C'est vrai Jérôme Pinault qui va pouvoir accrocher les wagons, là, Bertogliatti aussi. On les avait un peu oubliés, ils étaient devant tout à l'heure, effectivement. Ils étaient devant avec Incapi, avec Sevilla, avec Bogart, avec Carson Krohn, avec Pereiro, Coccioli et Brochard. Et le groupe maillot jaune qui possédait 1 minute 10 d'avance sur le groupe Rasmussen au sommet du col de Val-Louron-Azé. Ce qui veut dire que pour l'instant Rasmussen a perdu sa deuxième place au profit d'Ivan Basso. Puisqu'il avait seulement 1 minute 05 de retard sur Rasmussen, Ivan Basso. Ça veut dire que Rasmussen doit se battre maintenant pour essayer de conserver encore un petit peu d'avance. Jan Ulrich est quant à lui un petit peu plus loin. Et encore une marge, il y a 2 minutes encore, mais enfin... À la vitesse où vont les choses, ce sera difficile peut-être pour Rasmussen de conserver et même à la troisième place. Thierry, des coureurs viennent de rentrer, 4 coureurs viennent de rentrer dans le groupe des poursuivants, le groupe Rasmussen. Oui, ils sont en train de rentrer dans la descente parce qu'elle est difficile effectivement avec le goudron, avec des petites pierres qui sautent tout le temps dans le visage, c'est assez désagréable. Ils sont 4. Alors il y a Kadel Evans, il y a Oumar Zabeldia et il y a José Acevedo, le coéquipier de Lance Armstrong, et il y a Christopher Horner, le coureur de la Saunier Duval qui décidément fait un sacré tour de France. Et les 4 sont en train de rentrer, pas encore tout à fait, il y a 20 mètres d'écart, mais eux ont fait un début de descente un petit peu plus élevé que les autres. En tout cas, ils ne se sont pas arrêtés pour récupérer ni pour ni pour prendre des boissons sur le côté. Ils ont vraiment fait le début de descente à fond et ça va payer puisqu'ils sont en train de revenir. 4 coureurs, ça fera 9 plus 4, ça fera effectivement 13 coureurs. 13 coureurs, mais il y a un écart conséquent quand même avec le groupe Armstrong. La machine à rincer, oui, elle est là, elle fait des dégâts. Elle fait énormément de dégâts. C'est clair qu'ils seront bien et ce soir, Laurent Brochard est parti. Et c'est Laurent Brochard qui est parti à 12 km de l'arrivée. 12 km de l'arrivée. Et dans les rues de Saint-Lary. C'est pas un peu présomptueux ça, 12 km non, de l'arrivée. C'est bien vu, il va aborder la montée avec une légère avance, ça c'est pas encore acquis, mais
C'est bien vu de la part de Laurent Brochard. On sent bien que dans ce groupe, il y a une mésentente et qu'ils se neutralisent entre eux finalement. Alors que va faire Incapi maintenant? Est-ce qu'il va rouler? Est-ce que les autres vont rouler derrière Brochard? Incapi va pas rouler. Et c'est Incapi qui a roulé. Oui, merci. Ouais, perdu. Incapi a roulé. Perdu. Incapi veut aussi gagner l'étape. Il n'a pas pris un relais de toute l'étape. Et c'est le plus frais. C'est le plus frais des hommes de tête. Dès qu'il y a une attaque, c'est lui qui fait l'effort. Incapi. Dommage pour Brochard qui aurait pu entamer cette montée avec quelques secondes d'avance. Et après, on ne sait jamais. On a pu voir hier qu'il était pas si mal que ça, Laurent Brochard, hein, 20e de l'étape hier. Ça veut dire qu'il est bien, qu'il a de bonnes jambes et qu'il a de sérieuses raisons d'espérer pour la victoire d'étape. Et là, il y a un marquage. On a l'impression que c'est une arrivée au sprint qui va se dérouler dans 2 km. Alors qu'il y a 10 km, 10 bandes de montée à 8,3%. Hein. Et attention quand même, parce que même si l'écart reste confortable, supérieur à 7 minutes, et bien dans la montée finale... 7,47, tiens, on va regarder un petit peu là, ce qui attend les coureurs. Ça pourrait se compliquer maintenant. Si on se regarde trop. Je vois un 13,5 au départ, 13,5. La première rampe est pratiquement toute droite, 1 km, une route étroite avec des gros pourcentages. Oui. Ah, ça part fort. Hein. C'est les 4 premiers kilomètres qui sont les plus compliqués. Ensuite, la pente continue d'être sévère, mais elle devient, du fait qu'elle devient un petit peu moins dure, on a l'impression que c'est plus facile. Hein. Tout est moins dur, mais toujours à 10% pour l'instant. Mais ce n'est qu'une impression. C'est la fin qui est somme toute. Il y a un léger replat, enfin quand je dis un replat, oui, une petite descente à un moment, vous allez le voir, avant d'arriver là-bas. Et puis après ça repart et l'ascension finale. Oui. Le petit replat était à deux bornes du sommet. Jean-René, vous êtes avec les hommes de tête. La grande bagarre finale est lancée. Oui, effectivement, les hommes de tête et la grande bagarre finale pour la victoire de cette étape, eh bien, c'est Laurent Brochard, vous l'avez vu, le premier qui l'a entamé, mais il a été repris. Nous passons à l'instant sous le panneau indiquant arrivée 10 km en compagnie des 6 hommes de tête, emmenés pour l'instant par l'Espagnol Oscar Ferrero. Le coureur de la Fonac qui durant toute l'étape, toute cette échappée aura été à coup sûr un des plus actifs. Il faut noter que George Incapi qui figurait auparavant toujours à l'arrière de ce groupe, eh bien George Incapi est progressivement remonté. Il y a quelques instants, il était en troisième position de ce groupe. Il est maintenant en quatrième position derrière lui. Michael Vogert et Oscar Sevilla et toujours Oscar Pereiro qui effectue la majorité du travail avec dans sa roue Laurent Brochard. Nous sommes au pied de l'ascension. Un panneau sur la gauche là, vient de nous indiquer sommet à 10 km. Et ce qui concerne le classement du meilleur grimpeur, c'est bien ça. 10 km 300 à 8,3%. Voilà, nous avons donc entamé, attaqué l'ascension qui va nous conduire vers l'arrivée à Salary-Soulan avec toujours Oscar Pereiro de la Fonac qui assure le train dans ce rythme, qui assure le train dans ce groupe. Dans ce groupe, moins de 10 km de l'arrivée, 9 km 500. Effectivement, Oscar Pereiro fait une grosse impression avec Laurent Brochard dans la roue. Coccioli, parle-nous derrière. Il en fait peut-être un peu beaucoup là, Pereiro, en tout cas par rapport aux autres qui se préservent davantage. On a vu Brochard essayer de les surprendre, on voit Bogert très à l'aise. Sevilla toujours derrière, mais Sevilla est toujours là. Hein. Il avait lâché prise à 2 ou 3 reprises et il est là. Il est peut-être le moins fort des 6 finalement, Oscar Sevilla. Sur le papier, c'est un bon grimpeur, mais il semble un peu plus fatigué que les autres concurrents. Bogart, le roi des palmarès sur le Tour de France. Nombreuses victoires d'étape. Oui, Bogart qui, à mon avis, a beaucoup de pédales, hein, il me semble frais. Mais Pereiro, ça peut être une belle occasion. Et c'est Sevilla qui va. Voilà. Oui, il y va. On se regarde beaucoup. Je crois qu'ils ont compris tout ce que Sevilla était peut-être pas le plus fort. C'est pas un vrai démarrage. Il accélère. C'est une accélération. Changement de rythme pour Oscar Sevilla. C'est pas Pereiro qui va aller le chercher. Ce sont deux coureurs qui ont évolué jadis dans la même équipe à laquelle met. Alors qui va consentir l'effort derrière? Qui a intérêt à consentir l'effort? Attention, on ouvre le capot. C'est Coccioli derrière. C'est Coccioli qui fait l'effort. Jean-René Godard, vous êtes juste derrière. Départ donc de Sevilla, accélération de Sevilla. Oui, Pereiro qui a contré. Cela pour l'instant a entraîné le décrochage de Laurent Brochard. Décrochage également de Coccioli.
alors que Pereiro fait l'effort et est revenu à hauteur d'Oscar Sevilla. Les choses sont en train de se décanter dans ce groupe. Laurent Brochard, je vous le répète et c'est important, Laurent Brochard a été décroché, Coccioli a été décroché et Sevilla qui avait attaqué a lui aussi été décroché. Nous allons dans un instant pouvoir remonter, voilà, nous allons pouvoir, je pense, dans quelques instants doubler Laurent Brochard qui est vraiment, vraiment dans le dur là, Laurent, qui est juste à côté de nous et qui va se battre courageusement comme il sait le faire. Laurent Brochard qui a perdu beaucoup de terrain, tout comme Sevilla et tout comme Coccioli. On va remonter, nous sommes sur Laurent Brochard effectivement et on vous aperçoit juste dans le sillage de Laurent Brochard devant, c'est Pereiro avec Bogart et George Incapi. Ils sont trois en tête, hein. Et Incapi là qui est dans un fauteuil. Eh oui. Et qui va pas passer. Il a fait un effort une fois. Hein. Mais j'ai l'impression que si ça reste comme ça, il va pas se gêner pour leur prendre un relais dans le dernier kilomètre. Hein. Enfin pour l'instant il a le temps. 8 km de l'arrivée. Il va laisser bosser Bogart et Oscar Pereiro qui sont très courageux, hein, qui font leur part de boulot et qui veulent aller la chercher eux aussi cette étape. Il va falloir le distancer avant, je pense, à l'ami Incapi s'il veut remporter l'étape, parce que celui-ci va s'accrocher, on le sait, rythme régulier, il va tenir le coup, alors peut-être changer de rythme, c'est ce qui peut peut-être le mettre en le rouge. Les derniers écarts derrière avec Thierry Adam. Oui, entre le groupe maillot jaune et le groupe de 13, qui n'est plus 13 d'ailleurs, 40 secondes d'écart, plus 13 parce que Floyd Landis a fait une descente absolument vertigineuse alors qu'elle était très difficile et très technique. Il a lâché tous ses coéquipiers et il voit maintenant revenir derrière lui Jaroslav Popovic et Eddy Mazzolini, le coureur de la Lampre, alors que derrière, eh bien, c'est Christophe Moreau qui emmène maintenant un groupe de 10 coureurs. Et toujours les trois hommes de tête amenés par Oscar Pereiro qui fait un boulot extraordinaire devant, Michael Bogart dans la roue et George Incapi qui a l'air facile derrière. Hein. Il a l'air facile effectivement et je crois que le rythme maintenant imposé par Pereiro ne doit pas être... Bon, il est certainement très élevé, mais il est obligé d'en garder un peu Pereiro. Il ne peut pas non plus rouler comme ça, comme s'il avait un leader dans la roue, prêt à lui préparer le terrain, à préparer une offensive et par conséquent ça pourrait profiter. Bon, ils se sont fait lâcher, Brochard et Sevilla par exemple, mais Laurent Brochard, on le sait, aime les montées régulières. Et il va reprendre son rythme, Laurent, et on l'a vu hier quand même, il est pas mal monté vers Axe 3 Domaine. Je crois qu'il est capable de bien limiter les dégâts dans cette montée. Et Incapi se retourne de temps en temps, parce qu'il se dit, est-ce que ça revient derrière, est-ce que ça revient peut-être, après peut-être, ouais. Effectivement, qu'il sent que ça monte un peu moins fort que tout à l'heure, et que ça pourrait revenir. Imperturbable, Oscar Pereiro, Michael Bogart aussi. Et Jean-René Godard, Jean-René, vous êtes derrière les trois hommes de tête? Oui, oui, nous remontons là derrière les trois hommes de tête. Laurent Brochard derrière, je pense, va pouvoir recoller à la roue de Oscar Sevilla qui est devant lui. Et un peu plus au-dessus, il y a Coccioli. Nous sommes maintenant derrière les trois hommes de tête avec Oscar Pereiro, avec George Incapi et avec sur la gauche de la route, Michael Bogart qui se retourne, qui vient de se retourner sur la droite et qui a pu constater que les trois hommes qui avaient été distancés ne reviendront plus. La grande explication donc pour la victoire au sommet de Salary va se jouer entre ces trois hommes. Oscar Pereiro, Michael Bogart, George Incapi sur la droite de la rouge. Les coureurs vont négocier un virage vers la gauche et sur la droite, ils voient un panneau indiquant sommet 8 km. 8 km du sommet pour, dans l'ordre, Pereiro, Bogart et Incapi. 8 km et que c'est dur derrière. On a aperçu Laurent Brochard qui revenait sur Oscar Sevilla. Mais ça va être très très dur pour Laurent Brochard qui va s'accrocher, qui ne reviendra pas mais qui va s'accrocher devant toujours trois hommes et derrière le groupe des poursuivants avec Lance Armstrong, Bertoliatti qui est là et Jérôme Pinot aussi. Hein. On est heureux de retrouver en excellente compagnie, hein. C'est le moins qu'on puisse dire là. Bien sûr, c'est très bien. Il n'a pas non plus à rougir d'être dans ce groupe. Jérôme Pinot est à la bonne échappée du départ. Et il se retrouve maintenant avec Lance Armstrong, avec Ulrich, avec Basso. C'est pas mal, hein. C'est sympa, bien sûr, c'est très sympa. Il reste malheureusement pour lui encore une ascension. Celle de Saint-Lary-Soulan, c'est pas la plus facile, hein. C'est la plus compliquée du jour. Donc il aura fort à faire pour rester avec eux. Je crois que ce sera quand même compliqué. Les 10 derniers kilomètres à 8%, comme l'on disait. On va faire un nouvel écart derrière avec Floyd Landis, le groupe Vinokourov que l'on aperçoit. Thierry Adam, donnez-nous le dernier écart. Oui, non, c'est... Ah, j'ai pas fait le dernier écart parce que je me suis arrêté aux côtés de Floyd Landis.
descente vertigineuse et qui avait vraiment lâché ses coéquipiers et ses compagnons d'un jour, mais qui a été victime d'un incident mécanique. Il a eu un saut de chaîne, des railleurs bloqués, et donc il s'est arrêté complètement au bord de la route. Et effectivement, il a tout de suite... Christophe Moreau s'est retourné pour se demander à quelqu'un de prendre le relais, pour savoir si quelqu'un allait quand même le relayer à un moment ou à un autre, puisque dans toute la partie plate, c'est lui qui avait pris le relais, et a priori, eh bien, personne ne s'est dévoué. Donc il y a une mésentente totale dans ce groupe qui n'aperçoit toujours pas le maillot jaune, le groupe Lance Armstrong. Ah bah, je peux vous dire qu'Armstrong ne se retourne pas et qu'il s'entend très bien avec Ulrich, avec Basso et avec les deux coureurs qui ont été repris, Bertoliati qui est... tout heureux d'être là, tout comme Jérôme Pinault, ils s'accrochent tous les deux. Ça serait extraordinaire qu'ils puissent rester dans les roues. Ils vont pas prendre les relais, c'est pas leur course. C'est très très bien déjà d'avoir pu accrocher les wagons. Bon, ils se sont fait rattraper à la descente, c'est bien évidemment plus facile. Mais là dans la montée, c'est le train risque de perdre quelques wagons justement. Et Terreiro en tête toujours pratiquement le seul à imposer le rythme. Terreiro devant. Avec Bogart, avec Incapi, le groupe des poursuivants à 30 secondes. Et Jean-René Godard, toujours dans la roue des hommes de tête. Oui, effectivement, dans la roue des hommes de tête, Henri. Et il faut noter les différences d'attitude, à savoir Oscar Terreiro, qui est en danseuse, qui était en danseuse, qui vient de se rasseoir et qui vient de se remettre en danseuse. Même attitude pour Michael Bouguert, très souvent en danseuse sur la gauche de la route, alors que George Incapi, qui emmène un braquet beaucoup plus important, eh bien George Incapi, lui, reste immanquablement assis. Il ne se met en danseuse. Il est toujours assis en ligne de George Incapi, et à l'arraché s'accroche avec Oscar Terreiro et Michael Bouguert qui le précède. Démarrage d'Ivan Basso, accélération d'Ivan Basso dans le groupe Armstrong. Basso est parti et là il a fait plus qu'accélérer et c'est Lance Armstrong en personne qui y va, et a priori Jan Ulrich ne répond pas. Lance Armstrong qui est parti en poursuite derrière Ivan Basso et qui va rentrer sur Ivan Basso. Ah, il se passe des choses derrière. Armstrong et Basso qui sont en train de faire la fête à Jan Ulrich. Eh oui. On sent qu'il y a une certaine complicité entre ces deux coureurs et ma foi, Basso a très bien attaqué. Jan Ulrich qui n'aime pas du tout les changements de rythme, eh bien peut-être préféré tout simplement monter à son train comme il l'a fait tout à l'heure, ce qui lui a permis de revenir sur le duo dans le col de Val-Louron tout à l'heure. Il les avait déjà distancés. Et là ils ont creusé un trou derrière. Armstrong qui s'est mis dans la roue d'Ivan Basso. C'est très bien ce que fait Basso. C'était bien sûr très bien ce que fait Armstrong aussi. Il est revenu avec facilité. Et voilà la présence de la voiture derrière. Jan Ulrich juste derrière dans les gaz d'échappement. Basso qui nous a dit je cours au jour le jour. Et bien il l'a senti, il se sentait bien. Il avait de bonnes jambes et il est parti. Et là c'était une sacrée accélération. Il n'est pas allé au train. Et Armstrong est revenu tout de suite car il a senti le danger, alors que derrière, regardez derrière, Jan Ulrich est en train de coincer. Il n'aime pas ce style d'accélération, vous le disiez tout à l'heure. Il n'a pas vraiment coincé, il a marqué le pas par rapport à l'accélération, au changement de rythme d'Ivan Basso, mais il est quand même encore très efficace, Jan Ulrich. Il monte dans son style à lui, tout simplement. On va voir avec l'hélico, regardez. Il perd pas beaucoup de temps. Hein. Ah, il en perd peu, c'est vrai. Il perd pas beaucoup de temps. Il en perd de toute façon, quand on veut gagner le tour, c'est pas la bonne solution. Mais pour l'instant, il garde en point de mire les deux coureurs qui l'accompagnaient tout à l'heure. Ah, bien sûr, Pinault et Bertogliatti ont fait les frais de cette accélération. Ici, Pierre Camagno qui va être repris à son tour. Lui aussi est intercalé, lui aussi appartenait à l'échappée du matin. Les premiers courageux de ce matin, effectivement. Et Thierry Adam derrière pour... Thierry, vous rentrez un peu sur le groupe Armstrong, enfin sur le groupe s'il en reste, hein, sur Armstrong et Basso, et vous allez apercevoir bientôt Jan Ulrich. Oui, alors d'abord, il y a Christophe Moreau qui est parti tout seul du groupe de 10. Je pense que c'est un peu suicidaire. Juste devant lui, il y a Mazzolini et Popovic. On vient de dépasser Jérôme Pinault qui est en énorme difficulté. De même à l'instant que Michael Astarloza en énorme difficulté. Bertoliati qui n'en peut plus mais qui se bat. Ces trois-là qui étaient dans l'échappée du matin, eh bien, se battent comme ils peuvent avec leurs moyens. Et c'est pas facile, surtout que le public se referme tant il y a de monde. Et donc on arrive à la hauteur de Jan Ulrich qui est encerclé par les voitures, encerclé par le public et qui est en difficulté, mais ne perd pas trop de terrain sur le duo Basso-Armstrong. Et Christophe Moreau toujours seul derrière le groupe, là je l'aperçois juste en dessous de moi dans le lacet. Christophe Moreau qui est toujours seul devant le groupe de Rasmussen, groupe de 9 coureurs. On a aperçu Ulrich et là on remonte et on retrouve tout de suite Ivan Basso
qui mène le train, qui fait le rythme depuis tout à l'heure, avec Armstrong dans la roue. Armstrong qui défend, voilà, Armstrong qui a le maillot jaune, qui est attaqué et qui doit défendre pour l'instant, pour lui l'essentiel, et de suivre le rythme imposé par Basso. Basso a besoin de creuser des écarts sur Yann Gurit, et puis t'es meilleur que lui contre la montre, il pense peut-être déjà au contre la montre de Saint-Etienne. Il n'arrive pas à distancer Lance Armstrong qui lui semble encore avoir des ressources et qui s'accroche parfaitement. Armstrong sait également que les échappés étant trop loin, il n'a pas beaucoup de chances de pouvoir arriver à la victoire et par conséquent il ne collabore pas avec, avec Ivan Basso. Ivan Basso qui réalise actuellement la bonne opération et qui remonte à la deuxième place du général puisque Rasmussen est lâché. En fait il est dans le groupe des battus avec, avec Floyd Landis. Et c'est Floyd Landis qui fait le train là devant. Hein. Guépoli est toujours là aussi. Ah, voici les écarts. Donc le groupe maillot jaune est à 7-0-1. Oui, et Yann Ulrich qui perd que 14 secondes. Ça fait près d'un kilomètre, l'avantage d'un kilomètre qu'il est lâché. Ma foi, il limite pas trop mal Yann Ulrich. Hein. Il n'a pas explosé. Il a simplement pas voulu changer de rythme. Ils ont peut-être senti que, il a certainement senti qu'il voulait le mettre dans le rouge. Et Yann Ulrich se connaît parfaitement. Et alors devant, il gère pas trop mal sa montée. Devant, on retrouve Incapi avec Bogart et Pereiro. Incapi en position idéale à 6 km du sommet et qui va peut-être offrir, s'offrir et offrir à son patron une superbe victoire ici au Plat d'Adet. Nous risquons d'avoir un sprint à 3 au sommet de, du Plat d'Adet. Alexandre Vinokourov, ah, il s'est refait une santé, Vinokourov. Ah, oui. Et regardez, il passe Pino comme un avion et il est parti. Il est parti à la poursuite des, j'allais dire, des poursuivants avec Mancebo derrière qui est sorti également du groupe Rasmussen Landis. Belle allure, hein, Alexandre Vinokourov. Quel contraste avec hier par rapport à hier et la fin de l'ascension. Oui, mais il faut qu'il puisse se tenir à ce rythme-là. Et lui, c'est un coureur qui a un changement de rythme très rapide, très violent et qui peut faire très très mal. Mais bien souvent, et on l'a vu ces derniers jours, ensuite il a un peu de mal, il plafonne. Et quelquefois, il se retrouve même un petit peu pris à son propre piège. Donc, bon, je ne sais pas s'il va avoir la capacité de tenir. En tout cas, il sentait comment c'est bon revenir. Il a levé un petit peu le pied pour l'attendre. Nous allons voir si ensemble ils peuvent récupérer un petit peu du retard. Alors au moment où il était en plein effort, où il était en train de partir, bah, il s'est retourné. Ça, il ne faut peut-être pas le faire parce que là, il a peut-être pris un petit coup au moral. Jean-René avec les hommes de tête une nouvelle fois. Oui, les hommes de tête qui ne sont plus trois mais quatre maintenant, puisque Pietro Coccioli, le coureur italien de la formation Crédit-Agricole de Roger Leget, eh bien Pietro Coccioli qui avait été décroché, tout comme Brochard et Sevilla, au pied de l'ascension de Salari, eh bien Coccioli est monté à son rythme, à son train, et progressivement il est revenu sur les trois hommes de tête. C'est donc maintenant un quatuor que nous suivons, composé d'Oscar Pereiro, qui assure l'essentiel du train dans cette montée, avec lui Michael Bogert en troisième position, George Incapi et Pietro Coccioli qui est venu se caler en quatrième position. Et on peut imaginer que pour l'instant, il ne prendra pas de relais, car Coccioli va récupérer bien évidemment de l'effort qui lui a permis de revenir et de recoller au trio de tête avec une accélération, oui, une accélération progressive du rythme de Oscar Pereiro, de nouveau en tête de ce quatuor. Alors que l'on retrouve Alexandre Vinokourov qui revient bien. Oui, qui revient sur Popovic, sur Mazzolini et sur Mancebo qui pour l'instant il a pris quelques longueurs, mais il va recoller là Alexandre Vinokourov. Cette partie elle est très difficile ici. Ah, il y va à l'énergie, il y va au courage. Hein, il est Popovic toujours là. Qui fait la course pour le maillot blanc, il ne se relève pas comme les équipiers de Lance Armstrong. Thierry Adam pour un écart avec, entre Yann Ulrich et Armstrong Basso. Ouais, Ulrich qui ne perd absolument rien pour l'instant hein, sur le duo Basso-Armstrong. Il a même repris 4 secondes et j'ai eu le temps de faire 2-3 fois les écarts parce qu'on les a de visu et à chaque fois ça tourne autour de 9. 10 secondes, Yann Ulrich en danseuse qui s'est bien remis à chaque fois qu'il aperçoit une petite accélération devant, qui sent qu'Armstrong ou Basso accélère, eh bien il se met en danseuse, il a ouvert le maillot. Mais bon, il est pas mal du tout, hein, je vous dis l'écart, c'est 9-10 secondes à peine. On va s'arrêter là pour faire des écarts avec les poursuivants. Ulrich qui peut compter sur de nombreux supporters. Il y a énormément de camping-cars avec des Allemands qui sont là. On les a vus hier soir. La colonie allemande est là, elle est mobilisée. Elle encourage Lance Armstrong, elle encourage aussi Andreas Klöden. Alors que nous retrouvons Ivan Basso et Lance Armstrong qui n'ont rien repris pour l'instant à Yann Ulrich. Si ce n'est une quinzaine de secondes, hein. Il faut rappeler qu'ils ont une quinzaine de secondes d'avance sur Yann Ulrich. Mais Ulrich s'accroche courageusement. Et Ulrich qui ne se désunit pas dans son effort. Hein. Il continue à monter à son train. Il les a toujours en point de mire.
Je pense qu'il gère sa montée Yann Ulrich. Il fait pour l'instant jeu égal. Voilà, la voiture du commissaire laisse passer pour éviter de lui envoyer des gaz d'échappement dans la figure. C'est pas nécessaire. Ulrich qui n'a pas apprécié l'accélération, qui n'a pas pu contenir l'accélération tout à l'heure d'Ivan Basso, mais qui s'accroche et qui ne perd rien derrière. Ivan Basso qui est virtuel deuxième du classement général maintenant. 11 secondes d'écart entre les deux. Autant dire que Yann Ulrich a même repris un tout petit peu. Yann Ulrich revient progressivement et surtout, neutralité parfaite de la part de Lance Armstrong qui se garde bien de participer au débat. Lance Armstrong défend, il reste neutre dans la bataille, il profite évidemment du travail d'Ivan Basso. Rasmussen qui revient sur le groupe Vinokourov, Popovic. Et Vino qui est reparti. Insatiable Vino, regardez, il est reparti. Et Mansebo, me semble-t-il, a quitté ce groupe aussi, lui aussi est parti de l'avant. Ils ont senti le retour de Rasmussen et ils ont rattaqué à nouveau. Mansebo est un peu plus devant encore qu'Alexandre Vinokourov. Allez, on est avec Vino et on va sans doute rattraper un peu plus haut Mansebo. C'est la guerre à tous les étages là. Ah oui, ça, c'est parti, hein, de partout. Et qu'est-ce qu'il est courageux cet Alexandre Vinokourov. Mansebo. Il sait pourtant devant. Qu'il est battu, hein, mais il savoure rarement vaincu, c'est vrai, il se bat tout le temps. On l'a vu à Courchevel. C'est bien, hein, mais il y en a plein des coureurs comme ça dans le peloton. Mansebo est un Mansebo. On a vu Laurent Brochard tout à l'heure aussi tenter sa chance. C'est un petit peu le même profil. Il y a Valverde qui disait j'apprends beaucoup moi au contact de Mansebo. Ben, il avait raison. La tête de la course à 5 km de l'arrivée, avec Oscar Pereiro en tête. Toujours Pereiro. Depuis pratiquement le pied de la montée qui est en tête de ce groupe. Jean-René Godard, vous êtes derrière les hommes de tête. Cocioli est rentré, vous nous le disiez tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, depuis ma dernière intervention, la physionomie n'a pas changé. Oscar Pereiro, le coureur espagnol de la FONAC, qui effectue l'essentiel du travail depuis le pied de l'ascension. Derrière lui ou à côté de lui, comme c'est le cas actuellement, Michael Bogert en troisième position, toujours assis, George Incapi, et en quatrième position, main très haute au niveau du guidon, Piero Coccioli, l'italien du Crédit Agricole, qui a réussi à revenir sur le trio de tête tout à l'heure et qui s'est placé en quatrième position. Et on peut imaginer qu'il récupère des efforts accomplis pour réussir à recoller au trio de tête. Il faudra, à l'arrivée, quand nous tirons le bilan de cette étape, et quel que soit le vainqueur de cette étape, il faudra souligner bien sûr le travail énorme effectué par les coureurs de la Rabobank dans un premier temps, à savoir Carsten Krohn, Eric Decker, en faveur de Michael Bogert, qui est donc dans le groupe de tête maintenant le seul représentant Rabobank. Mais il faudra aussi souligner la générosité, une fois de plus, de cet Oscar Pereiro, qui se révèle véritablement un très 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 bon coureur, notamment bien sûr quand la route s'élève. Attention, attaque de Pedro Coccioli, attaque de Pietro Coccioli. Pietro Coccioli qui avait réussi à revenir sur le trio, qui s'était calé dans les roues et qui vient d'attaquer sur la droite de la route. Et pour essayer de revenir sur Coccioli, l'effort est effectué par Pereiro, avec derrière lui Michael Bogert et George Incapi qui suit. Coccioli est parti, mais il va être rejoint. Voilà, il est rejoint par Pereiro et on peut imaginer que Pereiro va poursuivre son effort en rejoignant Coccioli. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Oscar Pereiro qui est parti avec Bogart qui est décroché. Michael Bogart est décroché. Coccioli est décroché. Il reste deux hommes en tête. Oscar Pereiro et George Incapi. Superbe opération pour George Incapi là, qui a bien joué, hein, qui a bien joué, qui est revenu au moment opportun. Mais nouvelle accélération. Ah non, Incapi qui pense le relais maintenant. Incapi qui sait que Bogart peut être un redoutable adversaire dans une arrivée au sprint en bosse. Et cette arrivée ici est vraiment compliquée. Et Incapi donc a pris le relais à Pereiro. Pereiro qui change de rythme à nouveau pour essayer de distancer George Incapi. Et tout à l'heure, nous avons aperçu également un changement en tête, derrière plutôt, au niveau du groupe maillot jaune, puisque Lance Armstrong, qui jusque-là était resté dans la roue d'Ivan Basso, eh bien, avait commencé à collaborer aux côtés d'Ivan Basso pour distancer peut-être davantage Yann Ulrich. Pereiro donc et Incapi en tête à 4 km de l'arrivée. Et oui, et Pereiro qui se retourne, qui voit qu'Incapi est dans la roue, Incapi qui se retourne, qui voit que les autres ne sont pas très loin derrière. Ils vont tout faire. Alors ils discutent, qu'est-ce qu'on fait? On va au sommet, on y va tous les deux, on les attend. Ah oui, là il y a une discussion. Oui, allez, on y va. Allez, on y va, on appuie chacun son tour et on prend les relais. Un écart derrière avec Thierry Adam. Oui, les écarts, nous nous sommes arrêtés pour faire l'ensemble des écarts à 1 minute et 02 du maillot jaune. Hein. Mansebo à 1-10, un duo composé de Rasmussen et de Vinokourov. À 1-21, Popovic avec Mazzolini. À 1-26, Camagno. À 1-30, Leipheimer. À 1-40, on retrouve Piepoli, Cadel Evans et
Lefi, attendez, je regarde, qui c'est qui est là encore, c'est Fly Gandis, pardon, et à 1.51, Christophe Moreau, qui était en difficulté, pas au mieux, qui avait besoin de retrouver son souffle, qui avait besoin de s'arroser le visage, et donc on va remonter à hauteur de Rasmussen et de Vinokourov, qui aperçoivent juste devant eux Francesco Mancebo. Et nous, nous sommes derrière Yann Ulrich, qui aperçoit les voitures derrière Basso et Armstrong. Hein. Ouais, mais qui a perdu un peu de terrain, il y avait 12 secondes tout à l'heure, il y en avait maintenant. Donc Ulrich plafonne aussi, et je pense que Vincent Front, qui est venu peut-être passer un seul relais, mais ça aura permis à Basso de récupérer un petit coup, eh bien, aura contribué très certainement à ce que l'écart soit plus grand entre Basso et Ulrich. Vous avez vu Rasmussen, le groupe Rasmussen à 2 minutes, un peu moins de 2 minutes, hein, un peu moins de 2 minutes du groupe maillot jaune. Et Rasmussen qui s'en va, qui dépose, qui voilà, dépose c'est chacun Alexandre pour soi maintenant, enfin, ouais. C'est chacun pour soi dans cette montée. C'est la dernière du jour, tout le monde est au bout du rouleau et chacun donne le maximum. On fera le bilan après l'arrivée maintenant, mais Rasmussen, dans un dernier effort, essaie de limiter la casse. Jean-René Godard, il se passe quelque chose devant. Jean-René, à vous. Ah oui, mais c'est inadmissible. Cela fait des jours et des jours que nous répétons que les gens sont fous de courir. Ils viennent de faire tomber une de nos moto-images qui accompagnait les deux hommes de tête, à savoir Oscar Ferrero et Giorgine Capi. La moto-image, donc, qui malheureuse. Je vous rassure tout de suite, hein, nos deux copains, à la fois le motard et les caméramans, se sont relevés tous les deux. Et ils viennent d'ailleurs de revenir, de remonter. Il n'y a pas donc de conséquences pour eux. Mais une fois de plus, cette bêtise des gens, c'est une véritable bêtise. Les risques qu'ils font prendre, à la fois aux coureurs et bien évidemment aux moto-images de nos copains. Inacceptable ce qui s'est passé véritablement. Tout à fait inacceptable, vous avez raison de le dire. On rappelle les normes de sécurité tous les jours, mais il est difficile d'accepter ce genre d'image avec des gens qui courent, des gens qui tapent dans le dos des coureurs, des gens qui ne voient pas effectivement les caméras, qui n'ont pas conscience des distances, surtout quand ils ont un appareil photo à la main. On l'avait vu avec Guérini dans la montée de l'Alpe d'Huez à une époque. Gageons que tout se passe bien pour cette arrivée. Pas de bobo, on l'a vu pour la moto et pour le caméraman, ni pour la personne qui est tombée devant la moto. Et nous retrouvons les deux hommes de tête, hein, Ferrero et Lance Armstrong, en compagnie de Basso. Non, Basso est toujours derrière, je ne l'apercevais plus, il est là. Et c'est Armstrong qui a pris les affaires en main, le commandement des opérations. Armstrong, Basso, derrière les hommes de tête, à 5 minutes 20. 5 minutes 20 maintenant, et le groupe Ulrich est à 5.44. Ulrich. Et Ulrich est à une quinzaine de secondes toujours d'Armstrong et d'Ivan Basso. Armstrong qui a trouvé un allié quand même de circonstances, de choix aussi avec Ivan Basso qui monte un rythme régulier, à peu près les mêmes que Lance Armstrong. On peut remarquer quand même que dans ce tour, jamais Lance Armstrong n'a pu finir tout seul. Si hier il est parti dans les 200 derniers mètres, mais il a toujours dû accepter la compagnie, contrairement aux autres années, d'un coureur. Et Lance Incapi, oui bien sûr, qui pour l'instant Incapi pense à la victoire d'étape, on l'imagine. Il reste bien sagement dans la roue là, il prend plus de relais. Hein. Et Pereiro qui assume sa responsabilité et qui doit malheureusement compter avec la présence, malheureusement pour lui bien sûr, avec la présence d'Incapi dans la roue qui ne lui prend pas de relais. Et Lance Armstrong qui pour l'instant ne prend plus de relais non plus. Jean-René Godard, vous êtes derrière les deux hommes de tête. Oui, et heureusement, là maintenant nous sommes dans une partie où à droite et à gauche il y a des barrières métalliques pour contenir le public. Nous sommes sortis tout à l'heure véritablement d'un véritable passage scalaire. Christian Prudhomme, qui était témoin de ce qui s'est passé, était absolument révolté par les images auxquelles nous avons assisté. Heureusement, je vous dis, nous sommes sortis de cette galère. Cela dit, nous sommes de nouveau dans une portion où il n'y a plus de barrières, ni à droite ni à gauche. Il y a des milliers de spectateurs, avec notamment beaucoup de gens qui portent des t-shirts orange, qui sont des supporters de l'équipe Scatel Scali et qui prennent des risques absolument inconsidérés au passage des motos et des voitures. Et bien évidemment, des deux hommes de tête avec Oscar Ferrero, toujours en première position, et Giorgine Capi, qui est actuellement en deuxième position derrière lui, calé immanquablement dans sa rue, comme cela, et le 4 de prix au moment où Oscar Ferrero a attaqué. Que le public soit enthousiaste sur le bord de la route, c'est bien, c'est tout à l'honneur du cycliste et c'est un coup de chapeau extraordinaire pour les champions. Mais ne prenez pas de risques, ne prenez pas de risques surtout. Bon, là, apparemment, on est dans une situation un peu moins périlleuse avec les hommes de tête. Incapi derrière Oscar Ferrero qui se retourne. Et courageux Ferrero, hein, parce que là, vraiment, il est pris au piège. Hein. Il a derrière Bouguerte qui essaie de revenir avec Coccioli et dans la roue directement. Incapi qui ne prend pas un seul relais.
et qui ne manquera pas d'essayer de lui disputer l'étape tout à l'heure. Alors il faut qu'il en garde un petit peu, mais il faut qu'il l'appuie suffisamment pour essayer de distancer. 2 km de l'arrivée maintenant, 2 km de l'arrivée. Un coureur comme Boguer à 2 km de l'arrivée. Bon, je pense qu'ils tiennent le bon bout les deux, mais on sent quand même Incapi. Il se retourne, il est inquiet Incapi, hein. Il se dit si Boguer revient, je suis mal. Incapi doit sentir que Pereiro peut-être a un peu faibli le rythme. Alors que va il est mieux placé que nous hein, pour juger de l'état de fraîcheur et l'efficacité de Pereiro. Est-ce qu'il ça peut fait prendre un petit moment qu'il est dans la roue maintenant. Est-ce qu'il a intérêt à passer devant un petit peu là pour redonner un petit redonner un peu de jus à cette échappée. Intérêt, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Hein, il n'a pas beaucoup d'intérêt à passer devant, ça ne changera rien de toute façon la donne, mais à l'évidence, Incapi jusqu'au bout va jouer son rôle d'équipier. Il reste à savoir s'il aura le culot de sprinter à l'arrivée. Armstrong et Basso et Ulrich qui a perdu du terrain. Thierry Adam, confirmation, vous êtes juste avec Jan Ulrich. Oui, il est à plus de 30 secondes maintenant. Jan Ulrich, il est en train de lâcher prise. Et heureusement pour lui, il va retrouver sur sa route celui qui pouvait espérer rêver d'une victoire d'étape. C'est Oscar Sevilla qui l'a attendu. Il s'est arrêté hein, sur le bord de la route. D'ailleurs, c'est les gens qui tenaient son vélo. Il a su que Jan Ulrich était juste derrière lui. Et il vient de l'attendre. Et tous les deux repartent. Mais Sevilla est quasiment obligé de s'arrêter, se retourne pour attendre Jan Ulrich qui a ouvert complètement le maillot là. Et qui est en sérieuse difficulté, qui est en train de lâcher du terrain. On est à plus de 30 secondes entre Ivan Basso, Lance Armstrong et Sevilla Ulrich, le duo qui est juste derrière, alors que derrière on a Mansebo, Rasmussen qui revient et Alexandre Vinokourov qui a été lâché par le maillot à poids. Ulrich à la peine, Ulrich qui continue de crier, qui lui dit vas-y, vas-y, je vais m'accrocher, mais c'était difficile. Vous avez vu la différence de style entre Oscar Sevilla et Jan Ulrich, alors que l'on retrouve Ivan Basso et Lance Armstrong. Oh, le regard de Lance Armstrong, il regarde tout là-haut, effectivement, peut-être mieux. Et tout là-haut, ben, on va bientôt assister à un sprint, vraisemblablement, à moins que l'un des deux, à moins qu'Oscar Pereiro ou Incapi oui, logiquement, se dégage. On devrait avoir un sprint, je pense que Incapi va essayer de gagner l'étape au sprint. Il reste à savoir si Oscar Pereiro aura conservé suffisamment de force pour essayer de le contenir. La dernière rampe aux 500 mètres est extrêmement difficile, hein. Il y a plus de 10% à cet endroit-là. Et les 50-100 derniers mètres sont en légère descente, mais jusque-là, bien sûr, il on arrive faut à la y flamme aller. Rouge. On arrive à la flamme rouge et on va redonner tout de suite l'antenne à Jean-René Godard derrière les deux hommes de tête. Pereiro devant. Oh oui, c'est de la folie, Henri, véritablement. Je crois ne pas exagérer en employant ce terme. Regardez-moi ça, les coureurs, vraiment au millimètre, réussissent à passer. Absolument incroyable, ce spectacle auquel nous assistons. On a vu plusieurs fois, d'ailleurs, Pereiro ou Incapi jeter des regards, vraiment, vers la droite ou vers la gauche. D'un air de dire aux gens, mais vous êtes fous, vous nous faites prendre des risques, vous risquez de nous faire perdre tous les efforts que nous avons accumulés durant cette étape. Nous venons de passer sous le pas de la flamme rouge du kilomètre. Et maintenant, il y a des barrières. Les deux hommes vont pouvoir s'expliquer dans des conditions beaucoup plus tranquilles pour la victoire de cette étape pyrénéenne à Sanary. Alors, on les aperçoit grâce à l'image de l'hélicoptère. Alors, ils se regardent. Hein, ils se regardent. Ouais, il a levé un peu le pied, Pereiro, là, après le passage de la flamme rouge. Certainement pour constater de la distance qui les sépare avec les poursuivants, avec Michael Boguert ou Pietro Chiocioli. Alors, il y en a un à gauche, Pereiro, qui est plutôt un grimpeur, et un à droite qui sait sprinter. Qui est un bon rouleur, mais qui sait sprinter aussi. Mais à cette altitude-là, après 6 cols, une arrivée aussi difficile et autant d'heures d'efforts, eh bien, c'est l'état de fraîcheur qui fera la différence. Et on sait qu'Incapi n'a pas pris un relais depuis le départ de l'échappée. Il a remis c'est normal. Lunettes, hein. Il a remis les lunettes, il a calé les lunettes pour le sprint. C'est normal qu'il ne roule pas maintenant. Est-ce que Pereiro, la question est là, est-ce que Pereiro a gardé suffisamment de force pour essayer de faire le sprint? Incapi a les mains en bas. Comme si l'arrivée était à plat. Et on le sent plus puissant, Incapi dans le coup de pédale. Pereiro a beaucoup donné depuis le début de cette étape. Il a été généreux dans l'effort, hein, on l'a vu tout au long de cette journée. Alors qui va gagner? Oscar Pereiro, qui s'est beaucoup dépensé. George Incapi, qui a joué le jeu d'équipe et qui reste dans la roue. Nous serons fixés dans quelques instants. La position est idéale pour l'instant pour George Incapi. C'est une opportunité unique, certainement, pour Incapi de gagner l'étape de montagne. Ah, ça, ça resterait dans les annales. Le fidèle équipier de Lance Armstrong, qui a remporté 6 Tours de France avec Lance Armstrong. Pereiro là pourrait éventuellement lever le pied. Il tire la langue là, hein, Pereiro. Il semble plus à l'ouvrage qu'Incapi, on le sent plus à l'aise, Incapi plus frais. Et Pereiro a quand même maintenant suffisamment d'avance sur Boguer. 500 mètres du sommet, Pereiro toujours devant, Incapi idéalement placé dans la roue. Pereiro qui accélère, Pereiro qui se dit dans le fond, ça grimpe un peu, j'accélère, je suis meilleur grimpeur que lui. Mais regardez derrière, Incapi est bien calé dans la roue. Ouais, il est pris Incapi. Hein. Ah, il ne va pas s'en laisser compter là, il va jaillir au moment opportun.
Toujours Pereiro devant. Pereiro devant à 400 mètres de l'arrivée. Un léger virage sur la gauche. Ils vont bientôt apercevoir la banderole de la ligne d'arrivée. Et ça grimpe là. Incapi, toujours inquiet. Et qui se retourne? Incapi qui regarde derrière. Est-ce que ça revient? Non, ça revient pas. Et c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. C'est maintenant qu'il faut 300 mètres de l'arrivée. 300 mètres. C'est encore long. On aperçoit la ligne. Et c'est Pereiro qui est parti le premier. Pereiro a peut-être lancé un peu tôt. Et regardez, George Incapi. Il va y aller, Incapi. Pereiro est à fond. Ah oui, victoire de George Incapi. Une victoire historique. Victoire historique ici au plein d'allée. Qui aurait dit que George Incapi allait gagner une étape de montagne? Belle victoire de, sans doute de George Incapi. Et oui, Pereiro a baissé les bras. Et George Incapi qui va offrir cette victoire à son leader, Lance Armstrong, qui est derrière. Superbe victoire. Ah oui, il se touche la tête. Il dit, mais oui, j'ai gagné. Je gagne ici une étape de montagne. Extraordinaire. Et Henri, c'est la deuxième victoire consécutive d'un Américain ici au plein d'Azé après 9 arrivées. Victoire de George Incapi, le New Yorkais, devant Oscar Pereiro, qu'il faut féliciter car il a fait un travail admirable tout au long de cette montée. On a déclenché le chronomètre et derrière Coccioli. Coccioli va arriver. Et c'est Oscar Pereiro qui a reçu aujourd'hui le prix de la combativité. Deuxième place et prix de la combativité pour Oscar Pereiro. L'eau de consolation, le seul petit couac dans cette journée, c'est la présence pour les échappés de George Incapi. Et qui a très bien joué le coup, qui a su se préserver et qui au final est allé remporter la grande étape pyrénéenne contre toute attente. Coccioli en troisième position, belle place pour le coureur du Crédit Agricole. Je pense que Pereiro a fait une petite erreur dans le final, il y avait suffisamment d'écart, suffisamment de temps, il aurait pu en garder un petit peu sous la pédale et préparer le sprint, peut-être se ressourcer un peu. Michael Bogart dans son attitude caractéristique. Eh oui, déçu, l'un des grands battus de la journée, il a réalisé une merveilleuse performance. On attendait mieux de Michael.